Yo, 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 comment estás? Salut tout le monde, Est-ce qu'on nous voit j'espère que vous allez bien? bien. Est-ce qu'on nous Pas entend de problème bien? de son. Normalement, ça devrait être bon. Parce qu'il y a des problèmes de pile ou un problème de son pour ceux qui ont la ref. Non, Rap ça contender, rap passe. contender. Normalement, on est bon. Hey, Kikou, tu connais. Pour qui me prends-tu? Pour qui me prends-tu? Pour qui me Parce que prends-tu? tu vois que tu les vois à maudit Mais pour qui me 2000. prends-tu? Pour un 2000? Tu penses que j'ai 20 ans? Un peu de respect. Attends pour moi, Un peu de respect. C'est pas possible ça. bref. J'ai J'espère que la vous allez bien, ref. les gars. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour un versus. Exactement. Versus de Exactement, qualité. exactement. Aujourd'hui, on est parti pour un versus au sommet, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, on va comparer deux grosses licences du cinéma. D'un côté, on a Star Wars et de l'autre côté, on a Le Seigneur des Anneaux. Moi, Kiko, j'allais dire, moi, je suis content. Je suis content, pourquoi? Parce que vous avez dérespecté Harry Potter la dernière fois, Non, Harry Potter a mais perdu, c'est d'une manière. différent. Non, a perdu. Vous avez dérespecté. Donc là, aujourd'hui, on voit très clairement. Bon, je vous le dis, moi, je serai Team Star Wars. Ok, moi, tu Kiko, sais, lui, sera le encore une Seigneur des fois. Anneaux, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ça Pourquoi bouge changer pas. une équipe qui gagne? Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, Star Wars, vous savez, on a découvert ça quand on a fait Kikuchu. J'avais déjà regardé à l'époque, mais on a redécouvert ça avec, dans quand on a fait des Kikuchu là-dessus. Et j'avais bien aimé. J'avais trouvé que ce n'était pas extraordinaire. De toute façon, je vous invite à regarder nos reviews. Mais j'avais quand même bien kiffé. Du coup, j'étais intéressé à tout l'or, l'univers, etc. Donc, je ne suis pas genre le mec qui parle avec la nostalgie Star Wars. Moi, c'est-à-dire, j'ai redécouvert ça très récemment. Mais j'ai vraiment bouffé le truc, donc je connais assez bien le délire, mieux que certains qui pourraient se dire, oh, mais j'ai regardé ça quand j'avais 10 ans. Donc aujourd'hui, sachez que je vais défendre fièrement Star Wars contre cette fraude, le Seigneur Thanos, car pour moi, très clairement, Star Wars, c'est largement au-dessus du Seigneur des Anneaux. Donc ça va bien se passer, je ferai honneur à la lignée Skywalker, ne vous inquiétez pas. On va voir ça, on va voir ça. Hein. Est-ce que tu ne dis pas aujourd'hui Star Wars, ça va gagner, c'est sûr, non? Ah oui, Aujourd'hui, ça tu va vas gagner. doucement, tu vas Ah non, doucement. Star Wars, ça va gagner à 100%. Non, parce que Harry Potter, le problème, c'est que les gens, Harry Potter, c'est, ah, c'est pour les meufs, c'est pour les petits, nanana. Et les gens, comme ils savent pas lire, ou ils sont un peu bêtes, c'est dur de leur faire comprendre la qualité d'Harry Potter. Donc, ok, j'ai lâché les armes. Mais Star Wars, en fait, c'est du même niveau que Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, c'est C'est un peu sérieux. le niveau, j'allais dire zizi pampan. Tu vois, c'est voilà, c'est pas casse-tête. Tu vois, c'est un truc. Oh, c'est badass! C'est ça. Tu vois, comme ça, c'est badass! Ah, il y a du flow! Ah, nanani! Comme les deux, ça se vaut. En fait, les deux, ça se vaut parce que c'est que du swag. Et du coup, je sais que dans le swag, Star Wars roule, Seigneur des Anneaux. Donc là, ça va être un bon On va combat. en parler, on va en parler. Non, mais ça va être amusant. On va en parler, ça va être amusant. Et donc, on va commencer par reprendre les 6 points qu'on avait pris la dernière fois. On prend les mêmes. Pour juger, et on va faire à chaque fois un sondage, on va juger au cas par cas qui est Exactement. les meilleurs dans ces 6 points-là, Je vais prendre et une feuille après. aussi pour noter l'avis des gens, comme j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, on avait pris l'avis des gens comme ça et j'avais Si, perdu. si. On avait noté aussi, tu avais perdu dans tous les sondages, et tu avais perdu aussi. Il y avait 14 Je vais personnes qui noter. ont voté Je vais noter parce que toi, je m'en souviens que tu pour avais Le noté Seigneur et on des n'avait pas les Anneaux. mêmes notes, toi Et et moi. 7 personnes, ou non, 7-8 personnes pour Le Seigneur des Anneaux, je crois. Non, Je non, vais pour noter, l'inverse. pas... moi aussi je vais noter ce que je prends, on n'avait pas Un truc les comme mêmes ça. notes, toi et moi. Ok, note, y a pas de souci. Voilà. Y a pas de souci, y a pas de souci. Je ne triche SW pas, je ne triche et pas. Les lives sont SDA. enregistrés. Hein. Comme Ouais, il n'y a pas d'habitude, de les lives sont souci. enregistrés. Donc tu peux noter aussi. Donc, du coup, je vous rappelle les 6 points de comparaison. Du coup, tu me diras, il y aura le personnage principal, Ouais, le héros. le héros, le protagoniste, le méchant. C'est ça. Deux, trois, il y aura l'univers. 4. Quatre, les persos secondaires. C'est ça. Cinq, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Il y C'était a le combien de points? succès. Il y Le avait le succès succès. aussi, oui, Il le y a le succès. succès. Ça fait. Le Ouais. sixième point, bordel de merde, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que quelqu'un a la liste? Normalement, Est-ce que quelqu'un c'est. se rappelle le sixième point? Tac, tac, tac. Attends, ça va me Univers. revenir. Personnage secondaire. Ça va me revenir, ça va me Succès. revenir. Le héros. 1, 2, 3, 4. Le scénario, le Le scénario. scénario, bien Le évidemment. scénario. Bien Bien évidemment. vu, bien évidemment. On a publié ça. Donc voilà, là on a nos 6 points, les gars. Donc ça va bien se passer. Ça va bien Univers, se passer. perso secondaire, succès, héros, scénario. Et le dernier, c'est
Perso secondaire, tu l'as déjà dit? Ouais, perso secondaire, héros, succès, univers, scénario. Et il en manque un. Ça fait 5, hein. Merde. Il Attends, y en avait c'est pour ça, 6 tu là. vois. Je les note, c'est pour ça, je les note en même Attends, on temps. va noter. Le Attends, méchant, attends. le méchant, le Le méchant. méchant, ouais. Merci le chat. Le méchant. Allez, bien vu les gars, vous suivez bien. Voilà. Les gens suivent. C'était pour voir si vous suiviez. Les Voilà, gens sont c'était un concentrés, ça va test. bien se C'était passer. un test. Ça va, vous avez réussi Exactement. le test. Vous êtes malin. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous Ça n'êtes va pas bien se con, vous. passer. On a l'élite. On a l'élite parmi nous. Réussi nos tests cachés. Exactement. Donc, On va commencer par quoi? déjà, tu as précisé les limites du débat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Star Wars, c'est beaucoup, beaucoup de contenu. C'est-à-dire qu'on a trois sagas différentes de films, ce qui font neuf films. On a plein de jeux vidéo. On a plein de séries. On a des comics, on a des romans, des trucs comme ça. D'un Il y a côté, aussi ça pour Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, on a des jeux vidéo. Hein. On a des romans. Et on a ben, une série qui va bientôt commencer. Plus le Hobbit, etc. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les trois films Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Le Retour du Roi et Les Deux Tours, et les trois films Star Wars de la trilogie originelle, c'est-à-dire Star Wars Non, 4, non. Star Tous Wars les films. Non, 5 non, 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 et non, Star non, Wars t'es connerie. 6. Non, 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 je rigole, je dis. rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je Ah. rigole. Parce qu'il sait très bien que ça sera bouffé, je rigole. Là, Donc, en plus, je lui donne Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3 Star et 3. Star Wars Voilà. 7, 8, 9. Ça, j'en Donc, veux pas. tu les Ça, j'en veux prends, tu pas. les prends, tu les Ça, prends, j'en c'est veux des films, tu les prends, tu les prends, tu Allez, les prends, on les prend, mais on n'en tu veut prends les pas. C'est films. pas Donc, c'est les 9 films Star Wars d'un côté et les 3 films sur les anneaux de l'autre. Je ne veux pas entendre oui, mais jeux vidéo, oui, mais dans Mandalorian, mais dans machin, je sais pas quoi. Ouais, non, non, non. 9 films Star Wars, 3 films Seigneur des Anneaux. Je prends même pas Hobbit, etc. 3 films Seigneur des Anneaux, 9 films Star Wars. On est d'accord? On est d'accord. Ok. Donc, j'ai envie de dire qu'on peut commencer, Quoi? comme on avait fait la dernière fois, et on peut partir, si tu veux, sur Le héros? Vas-y, le héros, vas-y, le héros, le héros, Le c'est parti, héros. le héros. Le meilleur héros. Après, dans Star Wars, ce qui est compliqué, c'est de choisir qui est le héros. Est-ce que je prends Luke Skywalker? Est-ce que je prends Anakin? Est-ce que je prends Rey? Moi, je Le prendrais héros, pareil. Ça, c'est évident. le héros, c'est Rey. Non, non, le Parce héros, c'est que pareil. Arrête tes conneries. Arrête tes c'est Rey qui conneries. a rétabli l'équilibre. Rey, non, non, C'est non. Rey qui Non, a non. rétabli. Rey n'a rien établi du C'est tout. Rey qui a rétabli Rey est une. l'équilibre. Non, non. C'est Rey Rey est qui une. a rétabli Tu dis de l'équilibre. la merde. C'est Rey est une Rey qui a Palpatine. La rétabli saga Star Wars, l'équilibre. ça s'appelle la saga Et Skywalker. justement, à la fin, tu vois ce que tu viens de dire? À la fin, elle dit Ah. quoi? Elle dit, je m'appelle Rey Non, Skywalker. mais c'est Le pas héros de Star Skywalker! Wars, c'est Rey. Eh, Le elle se héros de voile Star la Wars, face, c'est tu dis Rey. de la Le merde, héros de Anakin, c'est Star Wars, bon. c'est Vous Rey. avez vu les gars? Est-ce Ce qu'on que peut n'a parler pas avec réussi lui? à faire, Est-ce ce que que n'a pas réussi à peut faire parler Luke, avec lui? ce que Est-ce n'a qu'on pas peut réussi parler? à faire Luke, ce que n'a Est-ce pas qu'on peut réussi à parler? faire Anakin. Tous ces mecs-là ont T'es échoué. un C'est Rey qui a. menteur. Et au final, c'est Rey qui a réussi. Déjà, le méchant, c'est Palpatine. Parlons pas du Qui a tué méchant. Palpatine? Parlons pas du Non, non, méchant. non! On Qui a tué reviendra sur le Palpatine? méchant. Qui a tué Non, non, Palpatine? non. Le méchant, Qui c'est a pas tué lui. On y Palpatine? reviendra après sur les méchants. Qui a On tué y reviendra. Palpatine? On y reviendra. Les Non, gens non, non. qui disent le héros de Star Wars, c'est Anakin, Hey, c'est faux, hein. Ou c'est Kikou. Luke, c'est faux. Non. Non, non. Kikou, je veux dire pourquoi tu dis n'importe quoi. Vas-y. Est-ce que toi, tu connais mieux que le mec qui a créé Star Wars? Oui. Est-ce que tu connais mieux que lui? Oui. Vas-y, arrête tes conneries. Non, vas-y, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Lucas, lui-même qui a créé le film, lui a dit c'est qui le héros? Il a dit c'est Anakin. Il a dit ça quand? Il a dit ça? Je sais pas le second, mais il l'a dit. Il a dit c'est Attends. Anakin. Ok, attends. Mais quand on lui dit la prophétie a dit que, il a dit c'est pas Luke. Il a pas dit c'est Luke. Il a dit c'est Anakin. Il l'a dit, hein. Pourtant, il aurait pu dire c'est Luke. Parce qu'on non, c'est Luke. Il a dit c'est Anakin. Il a précisé ça. Attends, attends. Il a Tac, dit, tac, tac, redemande tac, aux gens en tac. commentaire. Moi, je ça. C'est Anakin, Déjà, il y a le marqué, quand je marque qui est le héros de Star Wars, ça me dit Luke. non, mais ça, c'est des conneries. Le héros de Star. Vas-y, on va rester sur Wikipédia, on va prendre Luke. Allez. Non, 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 On non, va non, prendre non, Luke. non, 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 non. Tu vois là? Non, mais Déjà, si ça tu commence veux. mal. Parce qu'il y a deux secondes, Non. tu m'as dit. Il y a deux secondes, tu m'as dit. Ouais, mais non. Mais Luke, il a dit Anakin, je sais pas. George Lucas. Lucas, il a dit Anakin. Oui. Je Non, il a dit c'est tape, ça Anakin. me dit Il n'y a pas Luke. de débat. Non, mais ça, c'est Wikipédia. Je ne sais pas c'est qui, c'est les fans qui ont fait ça. C'est pas. Non. Mais George Lucas lui-même, il l'a dit, c'est Anakin. Après, si on peut prendre Luke. Enfin, si, mais on ne prendra jamais de la vie, Rey. Ça fera des conneries.
Bah, pour moi, c'est elle qui a rétabli le héros de... qui a rétabli l'équilibre dans la force, hein, donc ça devrait être le héros, Elle, hein. c'est même pas canon en vrai. Je sais pas pourquoi on compte ça, c'est même pas canon. Zéro. Vas-y, je te le donne. Allez, Anakin. Allez, on prend Anakin ou Vas-y. Luke? Moi, je t'ai dit Anakin ou Luke? Tu m'as dit c'est Anakin, allez. Anakin, George Lucas. J'ai pas ta source, mais vas-y, je te le donne. Non, non, genre, tout le monde veut le dire. John ne ment pas, merci. Donc, on y va. C'est Allez. Anakin, le héros. Donc, toi, ton héros, c'est qui? Comment il s'appelle ce con? Frodon Frodon. Saké. Frodon Sacket. Vas-y, vas-y, vas-y. Le comparer, Vas-y, bordel de vas-y. On merde. y va. Vas-y, on y va. Montre tous la dégaine Vas-y, d'Anakin on y pour va, on y va, on y commencer. va. Bon, Anakin. Anakin, j'ai envie de dire Anakin Skywalker. Avec le blast déjà, Frodon Saké en PLS. Frodon Saké. Avec le Skywalker. Les gars, Skywalker, c'est pas là. Okay. Regardez-moi ce putain de swag, cette putain de cicatrice, ce putain de sabre bleu. Bah, bon, je devrais m'arrêter là, c'est suffisant, mais on va développer un peu. Luke, c'est un mec, on a connu, on le voit évoluer depuis qu'il est gamin, le mec. Depuis qu'il est gamin, on sait qu'il est en proie par justement son taux de médiclorien plus élevé que la moyenne à être quelqu'un de spécial. Depuis qu'il est gamin, on dit, t'es l'élu, c'est toi, tu vas sauver tout le monde. Tu vas ré rétablir l'équipe dans la force, etc. Le mec, il a grandi un peu avec la grosse tête. Tu vois ce que je veux dire? Et on le voit. Plus le temps avance, plus on voit qu'il sent qu'il a le sens de responsabilité qui vient de plus en plus sur lui. Qui s'amène à être de plus en plus lourd envers lui. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il est un peu dans cette phase où il se dit. Oh, il y a le micro. Vas-y, parle, parle. Excuse-moi, je sais. Tu vois qu'il va de plus en plus dans une phase aussi où il a du mal à gérer un peu tout ça, tu vois, toute cette pression, à la fois d'être noble, à la fois en plus comme ils l'ont pris à un âge où d'habitude ils prennent pas les Jedi à cet âge-là, parce qu'ils n'ont pas bien le temps de les formater, il est encore attaché à sa mère, etc., etc. Donc il est à peu près entre deux feux, donc tu le suis durant tout son parcours comme ça, entre quelque part le côté obscur et le côté sombre de la Force. Tu vois, tu as Ah, ses amours. tu veux dire comme Frodon qui est en train de lutter par rapport à l'anneau qui essaie de pervertir, c'est Ah, ce que tu ça es n'a en train rien de à dire. voir. Ah, Ça c'est ce n'a que tu es rien en à train de dire. voir. C'est Ça ce que n'a je rien à pensais. Vas-y, je te voir. laisse continuer. Je te laisse Ça n'a continuer. rien à On voir. Ça continue, n'a rien à continue. voir. Vas-y, continue. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. N'écoutez pas les gars. Continue. N'écoutez Vas-y, pas tu peux les continuer. médisants et les Tu peux médias. continuer. Je t'écoute. Bref. Et tu vas le suivre. Tu vas le suivre justement de plus en plus dans ce monde gigantesque qui est la galaxie hein, ou qui est l'espace ou l'univers où tu vas le voir justement. Il va perdre des proches. Tu vas voir comment il va réagir face à ça. C'est-à-dire non, Luke, sombre pas. Tombe pas. Parce que tu sais qu'à la fois il peut Il a rétablir l'équipe perdu comme qui, il peut la Luke? détruire, il a perdu sa daronne. Ah non, on parle Donc d'Anakin, on de. parle d'Anakin. Il a perdu qui, Anakin, comment? Ah, Anakin a perdu sa daronne, Anakin. Sa daronne, depuis qu'il est petit, elle était pas là? Non, non, non. Les mecs du désert qui l'ont tué après, il les a tous Ah ragal. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, Ah vas-y. non, c'est les mecs du désert. Et il Attends, les a je vais tous vérifier ça ragal. d'ailleurs. Je vais vérifier ça. Non, non, si, c'est les mecs du désert qui Attends, ont attends, tué sa attends, attends. daronne. Vas-y, continue. C'est les mecs du désert. Même après, il l'a caché, il a juste dit à Palpatine. Tu vois que Palpatine, Oui, c'est depuis qu'il vrai. est gamin, il essaie de le formater. Palpatine, il est là, tu vois, il essaye de le formater, de lui dire ouais, non, t'inquiète, viens. C'est essayer de se mettre dans sa poche. Laisse-toi tenter par ce côté-là, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc., etc. Et Luke, à la fois, qui est poussé du côté obscur par Palpatine, mais ramené à chaque fois du côté un peu clair de la force, lumineux de la force par Obi-Wan. Ah, tu veux dire de la même manière que Frodon sombre de plus en plus avec l'anneau, mais que son fidèle acolyte, Sam Gamgee, l'aide, c'est ce que tu es en train de dire? On Ah, souffle, d'accord. Non, vas-y, on vas-y. souffle, Ça, c'est ce que on j'avais compris. souffle. Vas-y, je te laisse Alors, continuer. mais on souffle Non, vas-y, fort. y a pas de souci, C'est continue. le jour et la nuit, on souffle Vas-y, oui. fort. Le jour et la nuit, comme tu dis, oui, bien sûr, continue. Et là, à un moment, t'as ce gamin qu'on a vu suivre, qu'on a vu se rouler contre des mecs, perdre un bras, aller à l'encontre de ce convention Jedi pour la fille qu'il a toujours aimée, etc., etc., qui est amené justement à être confronté quelque part à ses propres contradictions. Ah, tu veux dire comme le fait d'être un héros, mais de sombrer dans le mal parce qu'il pense que son sensei veut se taper sa copine? Non, non, Ah, vas-y. Non, continue, vas-y. Je te laisse c'est pas ça continuer. du tout. Non, je te C'est laisse pas ça continuer, du vas-y. tout. Je t'en C'est prie. la peur de la mort. Parce qu'en fait, depuis qu'il est gamin, en fait, on nous montre que le mec, il a toujours vécu dans la peur de la mort. Et Palpatine a joué sur ce truc. Alors, les Jedi, eux, justement, on leur fait comprendre que la mort, c'est pas. T'as pas à avoir peur, ça fait partie d'un tout. C'est pour ça qu'ils se laissent tuer quand il se passe comme ça, parce que pour eux, la mort, c'est une continuité de la vie, les Jedi. Lui, sauf qu'il n'arrive pas à appréhender ça. C'est pour ça que Palpatine, il joue ça pour dire, grâce à moi, tu vois, je vais te donner la solution
pour justement vaincre cette peur en toi. Mais en faisant ça, il ne la ramène que vers le côté obscur. Donc bref, c'est vraiment une personnalité intéressante qu'on suit de bout en bout, qui évolue. On le voit aller à gauche, à droite, on le voit regretter certains gestes, on le voit plonger. Et quand il fait ce choix finalement de plonger dans le côté obscur, bah, ça nous fait mal au cœur parce qu'on dit putain, Anakin, on aurait Attends, attends, voulu. attends, 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 attends. J'ai pas compris. Donc, le héros de ta saga, il est tombé Ouais. du côté obscur au final? Oui. Ah, continue. Le héros est tombé du côté Toi, obscur. continue, vas-y. Ouais, bah, le héros est tombé du Continue côté parce que j'ai envie obscur. de voir c'est quand qu'il verra dans Pour. la lumière. Non, Vas-y, non. continue. Pour après, des années après, hein, après toutes les épreuves qu'il a franchies, revenir vers la lumière. Il vient à. Il est revenu à la lumière, certes, comme on dit, à l'aube de sa vie, mais la manière dont il revenait à la lumière, c'est d'autant plus touchant quand on sait que c'est grâce à son fils qu'il a su retrouver cette lumière qu'il avait perdue et qu'il n'avait pas mérité de perdre si Palpatine ne l'avait pas manipulé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un perso, tu dis, non, ça, c'est un perso bien travaillé, c'est un perso bien amené. Et quand tu as la scène de fin où Luke, il voit les fantômes et il y a Anakin qui apparaît, crois-moi, moi, ça m'a touché mon kokoro. Moi, quand j'ai vu cette scène, Donc quand j'ai vu Anakin le fan apparaître, service, le fan service t'a fait c'est plaisir pas le ça? fan service parce qu'il se devait d'ajouter Anakin là. Parce que c'est lui qui a vaincu l'empereur, c'est lui, l'élu, c'était bien lui. C'est Ça, c'est la Anakin qui a preuve. vaincu l'empereur. Oui, c'est Anakin. Et l'élu. C'est qui l'empereur dans Star Wars? L'empereur, c'est les Palpatine. Bah attends, Palpatine, c'est pas le méchant dans les 7, 8, 9? Eh, hey, raconte-moi pas ta vie. Oh! Là, passons pour le truc. Bah tiens donc! Les gars, tombez pas dans T'es en train son de me dire genjutsu, qu'il est là. mort mais qu'il a pas réussi à tuer le méchant. Oh bah, On tiens souffle. donc! Déjà, c'est un clone. Dans les autres, c'est un clone, donc tu te trompes de Bah rêve. tiens donc! Vas-y, continue, je t'en C'est prie. un clone. Sauf que dans les autres, c'est un Je clone, mais ça parlerai va. après, bien évidemment. Vas-y, continue. C'est vrai. Je Bref, te moi, laisse j'ai fini, continuer. là. Tout ça pour dire que Anakin, en termes d'héros, il est beaucoup plus impactant, beaucoup plus intéressant à suivre. Attends, les gars, demain, on dit spin-off sur Anakin ou spin-off sur Frodo Sacké. Qui va regarder quoi? Tout le monde va regarder Anakin. Enfin, bref, j'en ai fini ton Frodo Sacké. Je ne vais même pas le défoncer, tellement il n'y a rien à dire. Allez, je te laisse. Ok. Donc, comme a dit John, moi je tiens à le préciser, on a dans le côté Star Wars un héros qui est classe. Regardez-le-moi, franchement. On dirait un BG dans les sitcoms des séries américaines. Il a un flow, il a un regard fâché, il a une petite cicatrice sur son œil droit, il a un sabre laser, il a des pouvoirs, il est présenté comme le mec qui a des taux de midi-chlorien. Jamais vu depuis je sais pas quand. C'est censé être l'élu, celui qui rétablit l'équilibre dans la force. Sauf que John a oublié de préciser une chose. On a aussi un héros, comme John a dit, qu'on suit depuis l'enfance. Donc on voit son évolution, on voit la manière dont il progresse, on voit aussi la manière dont ses actions influent sur le monde ou sur l'univers, comme là on est dans le contexte de Star Wars. Donc on pourrait se dire, putain, ça va être lourd, ça va être une épopée incroyable, ça va être une dinguerie. Sauf que quand on se concentre un petit peu plus, on se rend Attends, mais compte là qu'en tu parles de fait... voix. Là tu Non, parles non, je parle d'Anakin, très d'Anakin, bien. oui, je parle d'Anakin, je Bah, parle pourquoi d'Anakin. tu ne parles pas de Je Frodo Sacké fais ce que je avant? veux, c'est toi qui as dit que tu ne parles pas de Frodon. Moi, je fais ce que je veux, Ouais, je fais ce que je ok, veux. vas-y, Je fais ce vas-y. que je veux, je fais ce que je veux. Toi-même, t'as rien Donc, à dire sur Frodo. je fais ce que je veux. Donc, comme je disais, on a un héros qui est censé rétablir l'équilibre dans la force, mais qui au final, premièrement, est corrompu. Faut le préciser. Le méchant de son univers réussit à le corrompre. Non seulement le méchant de son univers réussit à le corrompre, mais en plus, ce méchant-là en fait son pantin. Ça devient son homme de main. Va tuer ce mec-là. Va faire ci, va faire ça. Parce qu'il faut aussi préciser qu'Anakin devient Dark Vador au final. Dark Vador qui se prend des coups de pression par des généraux random. On est d'accord? Non. On, Il on, s'est on fera le, mangé on une fera le fois. fact-checking plus tard. On fera le fact-checking plus Il tard. On s'est fera le pas pris de fact-checking plus pression. C'est tard. juste une fois, un mec On lui a dit. fera le Un mec lui a fact-checking dit, plus tard. je n'ai pas d'ordre à savoir On de toi, Dark Vador. Il fera me le l'a défendu fact-checking plus direct. tard. Je Il lui a dit, tu veux précise chez toi. le héros de cet univers qui tue des enfants. Bizarrement, tu ne l'as pas parlé. Bizarre. Il est dark, Bizarre. hein, Bah, bah. C'est un bizarre. héros dark. Il Bah est trop dark. justement. Il est trop Bah dark. moi, j'aime. Oui, il est dark. Tu parles Oui, comme bah. tu parles comme une petite fille de Oui, 14 ans. bah Il n'y a pas justement, de souci. Il c'est n'y a un pas de souci. héros, Il n'y a justement, pas de c'est un souci. héros perturbé. C'est un héros D'accord, perturbé. d'accord, C'est d'accord, pas le d'accord. héros. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Tu souci. dois ramener Non, il n'y a pas de l'anneau. souci. Non, tu ne Non, 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 non. touches Non, pas non, non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est intéressant de relever tous ces points-là.
Palmarès de Anakin, je tue des enfants. En un contre un contre Sensei, il s'est fait fumer. En un contre un contre Palpatine, au final, ça a fini en 8 mètres. Ensuite, en un contre un contre son fils, il s'est fait fumer. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que les gens lui trouvent, à part sa coupe de cheveux? Parce Non que mais... d'un autre côté, on a quoi? D'un autre côté, on a un petit hobbit. Regardez-moi sa tête. Pas très grand, pas forcément de flow incroyable, rien du tout. Et pourtant, palmarès, je détruis l'anneau unique. Bizarre! T'es un menteur, c'est pas Bizarre! lui. C'est Bizarre! Gollum qui détruit Bizarre! l'anneau. Palmarès, je détruis l'anneau C'est unique. Gollum! Palmarès, je détruis C'est l'anneau Gollum unique. qui détruit ce putain Regardez-moi sa petite d'anneau. bouille. Il est tout mignon. Il fait 1m70 Mais et regarde, encore, du je haut, suis c'est généreux. 1m70. Il est tout mignon, mais il est mignon, le Frodon. Et Eh, pourtant, il fait dans son univers, 1m10. et pourtant, dans son univers à lui, absolument, tout le monde compte sur lui. C'est lui Il est qui mort! transporte. C'est Il est lui. mort! À la C'est moitié du lui. premier film, il C'est est mort! lui. C'est faux. C'est faux. Il est mort, si! C'est Les faux. gens nous l'ont C'est montré dans faux, la c'est faux, pétrole. c'est faux. Non, non, ils Il disaient est de la merde. mort! Les gens Si! disaient de la Il s'est merde. fait Les gens empoisonner. disaient de Il la est merde. mort dans le Les gens film! disaient de la Il merde. est Les gens mort disaient dans de le la merde. film! Les gens Si, disaient si, de la non, merde. non! Les Non, gens non, nous non, l'ont non. confirmé. Les gens Il est disaient de la mort merde. dans le Non, film! non, non, non. Les gens disaient de la merde. Les gens disaient de la merde. Non, non, il est mort! Lui, Palmarès. magicien, ils sont morts! Palmarès de Sauron. J'ai porté l'anneau unique dans toute la terre du milieu. De mon village de Hobbit. Parce que je tiens à rappeler quand même que ce petit Hobbit là que vous voyez là. Même si oui, ok, il a pas un flow incroyable ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il a fait le taf, du début jusqu'à la fin. Il était tranquillement dans son petit village paumé. Et au final, il a réussi à ramener l'anneau où il fallait. Contrairement à Anakin, qui au final a échoué. Il a échoué par rapport au fait qu'il était censé rétablir l'équilibre de la force. Il a échoué quand sa copine commençait à regarder un peu trop bizarrement son sensei. Anakin, il s'est fait exploser en tête-à-tête contre Obi-Wan. Palmarès. J'ai fini dans la lave en train de Palmarès, pleurer. tu es un coursier Amazon, il a dit tout. vaut mieux être un coursier Un que la petite du méchant de ton univers. Ça vaut mieux. coursier Ça vaut Amazon. mieux. Ah, je Ça suis vaut mieux. mort. Tu vois? Donc, Ah, je suis mort. Ouais, mais ça vaut mieux. c'est la petite que pendant deux films sur six. Ensuite, Hein. C'est ensuite, la petite que pendant deux films sur six. Hein, donc, calme-toi. ensuite, ensuite, il faut aussi préciser un truc. C'est que Frodon, par rapport à son univers, il a un. Putain d'impact. Parce que comme j'ai dit, ça débute avec lui, vu que c'est son oncle qui a l'anneau de base. Ça finit avec lui, vu que c'est lui qui est présent quand l'anneau est détruit au final au Mordor. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a le cheminement complet de Frodon par rapport à ce qu'il devait faire. Après, oui, je te le donne, le fait que Anakin a plus de flow. Je te donne le fait que Frodon, tu Non, peux non, mais dire donne-moi petit hobbit, tout. Non, etc. non, mais Mais non, dis non, non, pas, je te non, donne. non, non, Tu non, me non, non. donnes Parce absolument que tout. les Quête de arguments, Ham non, non, que... non. Les arguments que tu as eus, c'est on l'a suivi depuis l'enfance, il a eu un développement, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Absolument tous les points que tu as dit. Le fait qu'il ait torturé Anakin entre le bien et le mal, etc. Frodon, il a la même chose dans l'anneau. Le fait que tu vois sa relation évoluer avec les autres, etc. Frodon, il a la même relation non seulement avec Gollum, qui essaie de pervertir Frodon, et en même temps, Frodon Kikou, ressent de la pitié. J'ai pas fini, attends, 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 j'ai une attends, attends, question. et. J'ai une question. Avec son poteau Sam. Vas-y, je t'écoute. Quel est le meilleur personnage pour toi dans Seigneur des Anneaux? Pour moi, dans Seigneur des Anneaux, Frodon. Ah, t'es un menteur, ah, c'est bon, t'es hypocrite. C'est Quel bon, est il est le. de mauvaise foi. Non, Ah, c'est bon, t'es de mauvaise foi. T'es de mauvaise foi, t'es de attends, attends, mauvaise bon, foi. j'exagère un peu, j'exagère un peu, j'exagère un peu, Donne-moi j'exagère un peu. J'exagère ton top 3. Dans j'exagère ton un peu. top 5, je sais même pas s'il y a Frodon Sacké dans ton top Dans mon 5. top 5, Frodon, il est. C'est dans mon top 5, il est. Dans mon top 5, il est. Dans le top 3, il est? Dans le top 3. En numéro C'est 1, très... je mets Gandalf. Voilà. En numéro 2, je mets Aragorn. En numéro 3, je mets Legolas. Voilà. Et peut-être Il 4, n'y a pas de pardon. souci, il n'y a pas de souci. Ok. Quel est le... Donne-moi ton top 3 des personnages de Star Wars. Anakin, Obi-Wan. Et en dernier, je mettrai comment il s'appelle lui là. Le Renoir, là, peut-être j'ai oublié son blaze là. Qui ça? Le mec qui est avec eux sur Avec le sabre dans le bar violet là. là? Ah non, Non, le Windu. sabre violet, j'avais Windu. Windu, Maître Windu. Windu. Ok. Il n'y a pas de souci, je l'entends. Mais tu vois, Mais... Anakin, Non, il non, sera non, non. toujours top 1, top 2 personnage max Pas des forcément. gens qui Non, ont non, Star non, non, Wars. non, non. Pas Et c'est forcément. le héros. Non, non, non. Ça, t'as Pas un forcément. héros, Non, non, t'es non, non, rarement non. dans le Non, top non, non, non. 5. Pas forcément. Parce que par exemple, moi, mon top, si je devais donner mon top de Star Wars, ça serait Yoda. Ça serait Luke. Ah, Et il y a en des... troisième, je mets Luke. Non, non, Luke, il... arrête, arrête. Non, t'exagères. Oh, Luc, j'aime Yoda. bien, Luc, j'aime bien. Je mettrais Yoda, je mettrais Luke et je mettrais Obi-Wan.
Donc moi, il n'est pas dans mon top 3, Anakin. Non, mais toi, t'aimes pas Star Wars, c'est Comment différent, ça, t'aimes pas j'aime pas ça. Star Wars? J'ai jamais dit j'aime pas Ah, Star t'aimes pas Wars. Star Wars, C'est frère. faux. Et je Mais tiens tu à dis, pas préciser seulement tu dis que, Seigneur des Anneaux, je c'est que tiens à t'aimes pas Star préciser Wars. que pour toutes les personnes qui vont essayer de sortir l'argument, Kikou, t'as pas vu Star Wars, t'aimes pas Star Wars, etc. Il y a trois Kikou shows de 3 heures et demie minimum chacun où on parle des films Star Wars en détail. Donc, essayez pas de me dire t'as pas vu Star Wars, etc., etc. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, parce Dark que j'ai Maul, pas c'est vrai que fini. Dark Maul il est pas mal, mais Dark Maul, tu l'aimes bien que quand tu as vu les Ouais, il séries compte pas dans les sur. films, il est OSEF. Dans les films, il est OSEF. Dans les films, il est OSEF. Dans les films, il est OSEF. Il y a film OSEF. Et je tiens aussi à préciser un truc, c'est que d'un côté, on a un héros qui a achevé sa quête, qui a réussi à faire ce qu'il voulait. De l'autre côté, je parle de, bien évidemment de Frodon. Et de l'autre côté, on a un héros qui a échoué, qui a été une déception. Même si là, il est stylé, il n'y a pas de souci, hein, mais qui a échoué, qui a été une déception, à un point tel qu'au final, ça a dû être une petite fille, enfin une jeune femme, on va dire, qui a dû rétablir l'équilibre dans la force. Donc par rapport à ça, moi, j'ai plus Ça, rien à c'est dire. On faux. peut faire Non, le mais sondage sur le héros. ça, on C'est pas t'entend faux, pas. c'est pas faux. Ça, on Comment t'entend ça, on compte pas. pas? Comment On va ça? faire Non, le non, 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 non. sondage C'est quoi ce et délire? j'ai Il y a juré 9 que films Star Anakin Wars. Il y va a l'emporter 9 à au films. moins 80, 9 films 80%. Star Wars. Il y a 9 films Star Wars. Encore une fois, les bandeurs de flow, réfléchissez bien à ce que j'ai dit et souvenez-vous que non seulement votre héros, il a perdu son tête-à-tête contre le méchant et au final c'est devenu sa petite. C'est un Il a menteur, c'est lui perdu qui l'a son tué. tête-à-tête C'est lui qui contre l'a son tué. fils et il a Lui qui l'a tué. perdu son tête-à-tête Mais ça, on s'en aussi fiche. contre son sensei. Donc on y Ça, c'est va. rien, ça. Non? Mais c'est Bref, rien, c'est rien. les gars, Neuf le meilleur palmarès, héros, je me fais Frodon, humilier dans tous les Anakin, sens, à vous de noter. je deviens un. Je rejoins le côté obscur parce que ma meuf, elle regarde un peu trop mon sensei, mais c'est rien. Continuez, vas-y, on Eh, y va. mais. En fait, Ouais, pas de souci. même lui, Non, là, pas de souci. Kikou, il est obligé de défendre Seigneur des Anneaux, mais même lui, au fond, je vous dis, les Non, non, gars, non, non, il n'y a pas il de n'y souci. croit pas Il n'y une a pas de souci. seconde. Bah, si j'y Il crois pas sait une que seconde, si j'y crois pas une jamais de seconde, la démontre ce que vie. je viens de dire. Non, mais ce que tu viens de dire, j'ai rien à démontrer. Là, Non, pas tu de sors souci. des affabulations comme ça, pensant que ça va faire en sorte C'est pas des. que Non, non, Frodon est non, meilleur parce que non, non. Frodon, Non, non, lui, personne ne fait. Frodon, il se bat même pas, Frodon. non. Et Pendant alors? tout le truc, il est là, il va. Protégez-moi! Vite! Et Protégez-moi, je alors? dois ramener l'anneau! Et Mais alors? Frodon, ça qu'est, il sert à feuille. Il sert Non, à non. que dalle. Rien Donc, qu'avec le non. flow, on Moi, n'avait pas besoin de développer. c'est tout ce que j'ai à dire. Les bandeurs de flow, votez. Il n'y a pas de souci, votez. Ah non, mais j'ai plus de 80%, tu verras, ce Non? sera Anakin. Les bandeurs de flow, votez. On est Il n'y a pas de bandeur 210. de faux. On Tous ceux coupe le qui votent sondage quand on est Frodon, 120. on est quoi? On est 200, 220? Donc Vas-y. ouais, Quand on est à au 120, on moins. quitte. On coupe. Allez, à au moins 120, on quitte. Vas-y. Votez, votez, votez. Bon, je pense que là, le game est déjà plié, mais on va Non, quand même attendre votez, votez. 125. Quand on est 120. 125, on est à 125, on est Il à n'y a pas de 125, souci. on peut voter. Vas-y. Donc 79%, je suis quand même déçu, je m'attendais à avoir 80. Mais il n'y avait pas de débat. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Donc, vous avez Et j'ai voté. entendu, ici on botte sur le flot. Hein? Ouf. Et Bah, oui, vous avez le droit, d'ailleurs vous les avez le gars, droit, vous avez le droit. oui, on botte sur le Vous flot, et avez le droit. alors? Vous avez le droit, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Flot de Non, Frodon, non, vous avez le 1m50 droit. était gentil. Vous avez le Le droit. flot est primordial dans une volée, d'accord. Vous avez le droit. La King, il frappe Frodon fort, on est tous Non, vous avez d'accord. le droit. Donc, pour le héros, vous avez Oui, mais quel voté flot pour. solo, il est grotesque. Vous avez Solo, voté moi, pour le flow alias Anakin, il n'y a pas de souci. Il n'y y a a pas pas de de souci. souci. Bon. Ensuite, point suivant. Tac, 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 tac. Les persos secondaires. Oh. Je te laisse quoi? Vas-y, c'est quoi? Je vais aller. Je vais commencer par Star Wars après comme ça. Parce qu'en fait, tes persos, on les connaît tout le temps la même Non, rumba. vas-y. Donc tes persos secondaires. Yoda. Yoda, tu peux le comparer à ton magicien qui se bat avec l'épée là. Tu peux le comparer à lui. Yoda, tu veux dire Yoda Ouais, Yoda, à la fin, je suis dans compare-le mon avec lit. ton. Ouais. Et tu sais que j'ai raison. Tu sais très bien que j'ai raison. Vas-y, continue. Continue, continue, il n'y a pas de souci. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Il n'y a pas de souci, moi je t'écoute. Ah, L'enculé! vas-y, vas-y. Continue, vas-y, on y va. Allez, allez, c'est Attends, parti. sérieux! Let's go. Let's go, let's go. Le salaud! Yoda! Yoda! Obi-Wan! Obi-Wan Kenobi! Obi-Wan Kenobi! Obi-Wan Kenobi! Il bouffe ton chevalier servant là! Obi-Wan Kenobi, c'est la base, j'ai envie de dire. Il y a qui d'autre là? Je vais certainement en oublier, ça me fait chier.
Alors, les persos secondaires intéressants, on avait qui d'autre? Ah, on a le maître de... Bah, le maître d'Obi-Wan. Le maître d'Obi-Wan, Le comment il maître s'appelle d'Obi-Wan, c'est déjà? qui? Putain, celui dans le 1, là. Même il se fait tuer, il était Ah stylé. putain, avec ses cheveux longs là, comment il s'appelle Ouais, ce ses con? cheveux longs, lui, j'aimais bien. Il avait Il un a un nom, style. il a un nom technique lui. Gingon? Gigon? Non, 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 non. Qui Qui-Gon? Ouais, il a un nom Qui bizarre. Gonjin, ouais, bon bref, Qui-Gon-Jin. tout le monde Ouais, voit de qui on Qui-Gon-Jin. parle. Qui-Gon-Jin. T'as qui d'autre dans le 2, dans le 2, dans le 2, dans le 2. Ah bon, c'est un méchant, ça compte pas. Allez, dans le 3, t'avais qui d'autre? Bah, t'as le Renoir là. Windu? Yambu, Windu? Mwambu. Windu. T'as Windu. Après, t'as qui? T'as Han Solo. T'as Han Solo. Hey, merci, Revangel Springcamp, qui donne 5 euros, qui dit Star Wars, prélogie Et et prélogie. trilogie, grand chef-d'œuvre, Anakin, meilleur personnage du cinéma, environ. Hop là, j'ai pas vu la suite. Environ 10 000 fois mieux que le Seigneur des Anneaux. Merci pour On est tout à fait l'argent, mais d'accord, c'est faux. merci. Mais merci pour le Donc, bif. ouais, t'as eux, et encore là, je pense qu'à eux, en commentaire, les gens, ils m'ont donné d'autres. Ra's al Ghul, c'est pas de bonne frère. Là, Palpatine, c'est un méchant, on va pas compter comme personnage secondaire. Là, on parle vraiment des personnages secondaires autour du héros. Chewbacca, même. Chewbacca, il est en terre, pratiquement tous les héros, tous tes trucs là. Chewbacca, même la princesse Leia. Princesse Leia, plus intéressante que toute ta Zumba. Si, princesse Leia, je le dis, je le confirme, princesse Leia. Comte Dooku, c'est un méchant. Mais Comte Dooku aussi, il est grave stylé, j'ai kiffé. Comte Dooku, Luke. Luke Skywalker, comme tu as mis dans ton top 1. Luke Skywalker, Ouais, pas de soucis. Padmé, tous les clones. Va te faire foutre. Elle va te faire foutre. Non. En tout cas, il y a une panel de personnages secondaires justement qui ont permis d'enrichir cet univers. Tellement la panel elle est abusive qu'aujourd'hui ils font des films sur Lando, sur Han Solo, sur Nanani, sur Mandalorian, sur Nani. Tellement les personnages secondaires, ils ont marqué. Seigneur des Anneaux, dis-moi une série, un spin-off, un film, même un bouquin sur un personnage secondaire autour de Frollon. Tout le monde s'en bat les couilles. Premièrement, le Seigneur des Anneaux, À c'est part pas aussi. ton vieillard, magicien qui se bat avec une épée, et qui meurt et qui revient par magie, Premièrement, là. On s'en comme je fout. l'ai dit, le Seigneur des Anneaux, c'est pas aussi développé en termes d'univers, de séries, etc. que Star Wars. C'est pour ça que de base, j'ai dit, restons focus sur les films. Oui, non, mais c'est pour te dire en termes à quel point ces persos-là que je t'ai cités, ils sont marquants, ils sont marqués. Quand dans la série, ils font des actions, ceux-là, et quand ils meurent, c'est impactant. Oh, Seigneur des Anneaux, personne meurt. Déjà, c'est important de le préciser, c'est un truc, y a pas d'impact, personne meurt. Comment il s'appelle le mec là? Oh, le vieux Gadjo, arrête tes conneries, le Stop, mec. stop, 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 Arrête, stop, arrête, stop, stop, arrête, stop, arrête. stop. Comment il Le s'appelle random, le là. mec de Game of Thrones là? Ouais, le mec, Putain, ce con vas-y, le là. random. L'héritier Vas-y, du. Le fils le vieux du random, régent là. arrête, arrête, Comment il arrête, s'appelle arrête. ce con? Même pas, il vient de venir, il est mort Je sais aussitôt. plus comment il Arrête tes s'appelle. conneries. Arrête tes Ouais, mais conneries. non, 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 ça marche pas comme ça. Parce que. Merci, Reva, pour les 2 euros. Et tu dis Padmé, Amidala, Amidala. des Nabo. Ah, bah, c'est ouais, c'est ce que disait Je Pouk, tiens à merci. préciser aussi que. Ton histoire de il vient d'arriver, il faut pas oublier que de base dans les films Star Wars, tu as eu le 4, le 5, le 6. Et ensuite, ils ont fait Raconte-moi le pas 1, 2, ta 3. vie. Non, c'est la Non, non, vérité non, ou pas? mais C'est la vérité ou pas? raconte-moi pas Non, ta non, vie. c'est la On n'est pas vérité. là Non, non, pour c'est la dire, vérité. je Non, sais non, pas c'est la quoi. vérité. C'est la On n'est vérité. pas là pour dire Non, non, ça. c'est la vérité. Tu le sais très bien. Donc, arrête tes Oui. histoires de on vient de les voir, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce que ça s'est passé de la même manière aussi dans la première trilogie. Il y a des persos que tu Comment venais de voir, ça? etc. Il y a des persos de la première trilogie que tu venais de voir. Et Oui, après, mais ça donne une attends, carrière dans attends, la t'es en trilogie train de me d'avant. dire que le mec là qui meurt dans le truc, il est aussi impactant que le sensei de Obi-Wan Kenobi, dans le film, il est aussi On en impactant que avait lui. quoi à foutre du sensei d'Obi-Wan Kenobi? On en avait Genre quoi à pour foutre? toi, dans l'histoire, la mort du sensei d'Obi-Wan Kenobi est autant impactant, voire moins impactant, que ton mec random là qui a voulu prendre l'anneau, qui se mange une flèche et qui canne. Dis-moi, on en avait quoi à foutre du sensei Bien sûr qu'on dans en la avait quelque première. chose à foutre, c'est lui qui a ramené Anakin, c'est lui qui devait le former, c'est lui qui était déter derrière Obi-Wan C'est et lui qui a Patty. ramené Anakin. Mais ça, c'est lui qui a ramené Anakin. Il voulait pas le prendre les autres, lui il a dit non, Anakin il reste ici de force. C'est lui qui a forcé. C'est lui qui a forcé. Bah oui. Mais t'es complètement taré. Mais bien sûr, t'as oublié ça, Mais j'ai t'es t'as oublié complètement Star Wars. taré, ça c'est dans le 1, 2, Non, 3, hein, c'est pas dans le 4, 5, 6, hein. dans le 1, 2, 3, oui, Oui, bah dans c'est ce le que 1, je 2, te 3. dis. Oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Et il meurt Ouais. quand, le sensei?
Il meurt quand dans Non, il est mort Kojin. dans le 1. Il est mort dans le 1. Ah, tu parles du 1. Ok. Moi, je Ouais, parlais il est des 4, 5, introduit dans 6. le Oui, 1. ok. Non, Moi, je Vas-y, parlais il est des 4, 5, introduit dans 6. le Non, c'est 1. bon. Non, Mais on il est est bon, mort on est dans le bon. 1. Non, Ah, on est on est bon, on est bon. bon. Ah, Non, c'est on est bien. bon. Il est introduit dans 1, il meurt dans 1. Ah, mais ça, Mais c'est bon, mort, on il est est bon, on plus est bon, on est bon. intéressant, plus impactant que ton Là, on est bon. personnage Non, on est bon, on est bon, on est bon. random. Et pour les gens qui disent Kikou, il a jamais vu Star Wars, je sais pas quoi, je sais pas quoi, c'est faux, hein, parce que j'avais commencé à parler uniquement des 4, 5, 6 quand John il a sorti son argument. Encore une fois, je le rappelle, Kikou, il a jamais vu Star Wars, les vidéos sont là. Donc, Il a... Kikou, il a regardé Star Wars on y va, en fois 4. on y va, Il a on y regardé va, Star on y Wars va. en fois 4, Kikou. fais attention, parce que Ouais, je souviens-toi suis quand tu mort. disais dans tes lives, ne me force pas à sortir l'extrait. Ouais, moi j'ai regardé les films Star Wars en x2 et je connais mieux que vous. Et alors, fais attention. Ouais, mais c'est J'ai les vrai, en extraits, fois j'ai les 2, je connais extraits. mieux que vous. J'ai les Non, mais ça, extraits. c'est vrai. Palmarès, c'est Ushua63 qui nous envoie des ronds qui dit Palmarès de Frodon, j'ai un nom de Frode. Ouais, bah, c'est exactement ça, hein. On ne parle plus d'héros, on ne parle plus d'héros. Donc, est-ce que tu as fini Non, moi j'ai fini ma Zumba. Franchement, les gars, soyons honnêtes entre nous, les personnages secondaires de Star Wars sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus marquants que les personnages secondaires du Seigneur des Anneaux. Même si, j'avoue, les personnages secondaires du Seigneur des Anneaux sont beaucoup plus intéressants que le personnage principal, ça c'est une évidence. Mais il n'en reste pas moins, putain d'Osef, putain de casse-couilles, putain de random. Comparé à ceux de Star Wars, qui ont une profondeur beaucoup plus intéressante, qui a tout le côté politique, etc., qui est bien exploité. Voilà. Ok, je l'entends. Après, juste pour défoncer tes persos, en fait, tout ce qu'il peut retrouver, c'est un palmarès. C'est, ouais, l'autre, il a quand même réussi à amener l'armée des fantômes. Il a dit, allez-y, les fantômes. Et l'autre, il a dit, il a battu le Balrog. Et voilà. Et ensuite, comment il s'appelle, Sauron, il a fait pouf. Ouais, super. Donc voilà. Pouf comme Yoda. Pouf comme Pouf Luke. comme. Pouf comme Ok. avec quel coup. Comme ça. Pouf comme tous Comme les putains Sauron. de Jedi. Comme Sauron. Oui, pouf comme Sauron et sa putain d'armée. Pouf comme tous ces putains de Jedi. Pouf. Pouf comme toute la putain d'armée de Sauron. Oui, mais toute la putain d'armée de Sauron, si elle fait pouf. Oublie pas ça. Sauron et toute sa putain d'armée. Ah, je suis mort. Tous vos Ils putains de ont tous Jedi, ils font aimé. pouf et tu oses dire pouf. Vas-y, moi je te Ah, laisse. ça me fume. Bon, moi, par rapport à tout le délire concernant les personnages secondaires, je tiens à préciser que les personnages secondaires de Star Wars sont bons. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y en a qui sont bons. Mais déjà, ceux qui sont bons, sauf si tu enlèves Han Solo, c'est tous des Jedi. Le reste, c'est Osef. On va pas se mentir. T'as le délire où t'as des personnages qui sont introduits dans Star Wars comme Star Wars, c'est sorti 4, 5, 6, et ensuite 1, 2, 3, 7, 8, 9. T'as des personnages à qui on donne un palmarès dans les autres films, donc ça on peut pas leur enlever. Contrairement au Seigneur des Anneaux où bah, sur les trois films, les personnages ils font qu'avancer dans le temps, donc on revient pas en arrière avec d'autres films pour dire en fait lui il a fait ci, il a fait ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc ça c'est pas un souci. Mais par rapport aux personnages secondaires, il faut aussi préciser que dans Star Wars, John dit bien évidemment ce qui l'intéresse. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début, il est concentré sur Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'il y a aussi 7, 8, 9. On est d'accord par rapport à ça. Sauf que dans le 7, 8, 9, tout ce qu'il dit depuis le début est remis en cause. Parce que toute la logique saute, tout ce qui faisait que les personnages secondaires étaient intéressants, ça explose. Ça devient des personnages secondaires. Ou d'un coup, tu comprends pas pourquoi, mais les personnages maîtrisent la force, ou d'un coup, tu as des personnages qui, d'un coup, ils disparaissent, d'un coup, ils reviennent, tu as des personnages secondaires, tu les vois une fois, mais en fait, ils deviennent hyper importants. Ça, c'est pas un souci. Concernant les personnages du Seigneur des Anneaux, on a quoi? On a des personnages qui viennent de tous les environs, de la Terre du Milieu. Tu as non seulement une diversité de personnages comparée à Star Wars, où dans Star Wars, en gros, tu enlèves le fait que des personnages chez des Jedi ou des Sith, ça devient Osef, on va pas se mentir. Alors que là, et ça va aussi ça empiète un peu sur l'univers, mais bon, je reviendrai sur ça plus tard. Tu as vraiment des personnages qui ont leurs propres caractéristiques. C'est-à-dire que, ok, les personnages du Seigneur des Anneaux, c'est pas des Jedi qui ont la force, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais tu vas retrouver, par exemple, un nain, tu vas retrouver un elfe, tu vas retrouver un humain. Et c'est ça qui va rendre les personnages secondaires du Seigneur des Anneaux intéressantes. C'est leur particularité. Tout à l'heure, John disait que sur le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de film, il n'y a pas de série, il n'y a pas de truc, etc., qui explique le personnage. Mais là, cet argument-là, pourquoi il n'est pas valable? Parce que, comme je viens de le dire,
Justement, par la diversité des personnages secondaires qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un lore très intéressant à enrichir et il y aurait la possibilité de raconter des histoires différentes. Parce que si on se concentre sur les personnages secondaires de Star Wars, déjà, tous ces putains de Jedi qui sont censés être l'élu, je sais pas quoi, on les trouve tous sur la même putain de planète en sablé et ça, tu le sais. Ça, c'est la première chose. T'as aussi le fait que dans l'écosystème de Star Wars, on a uniquement des personnages qui tournent autour de Lord Jedi et compagnie, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, tu vas avoir des personnages qui ont une réelle identité et qui ont un but qui va être différent des autres. Tu peux souffler ta tête et tu peux dire on dort, mais quand tu prends Star Wars, oh, Dark Vador, oh, les Jedi, je sais pas quoi, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, On ronfle. ouais, tu peux dire on ronfle, tu peux dire on dort, il n'y a pas de souci, mais quand tu prends le Seigneur des Anneaux, tu as des personnages qui vont réellement faire des choses en rapport avec leur race. D'un côté, tu as le délire avec l'homme que l'on appelle Legolas, qui lui est un elfe Personne en... sait c'est qui, tout le monde s'en qui branle. lui est un elfe en quête, Guy l'elfe, qui je sais sort pas son quoi. blaze, personne connaît son blaze. Guy l'elfe, Qui j'aime lui reconnaître. Il sort le blaze, qui connaît son qui blaze? lui Guy l'elfe, c'est est tout. qui lui Star Wars, déjà, ils ont les blazes. Moi, personne, les Goliaths, tu parles de qui? Personne Qui connaît, lui? frère. Bah, attends, Qui bah, attends, connaît? attends, attends. Je vais mettre ça. Comme toi, t'as pas regardé Le Seigneur des Anneaux. Je vais te remettre J'ai les regardé, images. mais personne connaît les prénoms, frère. Montre le visage. Comme toi, t'as pas regardé Le Seigneur des Anneaux, hein? T'as des personnages comme par exemple Legolas, qui, par rapport au fait que c'est des elfes, etc., vont eux avoir un background qui va être différent. Ils vont avoir des actions qui vont être différentes. T'as le délire où t'as un personnage secondaire comme Aragorn, qui, lui, a en même temps son histoire dans l'histoire, qui va devoir en même temps reprendre le royaume et compagnie. Ça, c'est une chose. T'as des personnages secondaires comme Sam, qui partent de rien du tout, ou comme les deux autres, comme Pipo Sam, il est explosé. et machin. Sam, il n'est pas explosé. Il Tu souffle. parles de Sam, l'amoureux de Frodon? Sam Gonji. L'amoureux de Frodon? Je parle de son gars sûr. Je parle de son gars sûr. Non, 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 ils sont plus qu'amis, hein. Je parle de son gars sûr. Ils sont beaucoup plus qu'amis. Je Et parle de c'est son très gars sûr. bien. Et c'est très bien, hein. J'imagine que c'est coutumier de ceux qui aiment SDA, et ça, c'est très bien. Je parle de son gars sûr. Ça doit être Et ils sont certainement très être proches. J.K. Rowling qui a dit à Tolkien de... Mais c'est pas le sujet. Mais ça, c'est pas le Merci. sujet, hein. Donc, On demandera continuons. ça à l'acteur de Gandalf. Il nous en Exactement. dira plus. Il nous en dira plus. On demandera ça à l'acteur de Les Animaux Fantastiques. Hein. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Elle Donc est oui, pas là. comme je disais, tu as des personnages comme ça qui vont avoir aussi des histoires. Tu as des personnages comme Gandalf qui, eux-mêmes aussi, vont avoir des histoires et des impacts. Et tout ça fait que l'univers en termes de personnages secondaires est très intéressant et pourrait être vraiment bien développé. Sauf que, bien évidemment, le problème qu'on a, c'est que, comme par exemple là, les gens sur le chat, la majorité des personnes, elles, ce qu'elles veulent, c'est du flou. C'est-à-dire Anakin sabre laser, Luke sabre laser, Dark Vador la force. Donc moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux faire Gars, contre ça, tu vois? on Non, moi j'ai envie souffle de dire, de qu'est-ce que tu veux faire ouf. contre ça? Moi, je vais te dire un truc simple. Prends un perso. Moi, je te propose un petit versus que les gens décideront. Vas-y. Soit entre Yoda et ton vieillard là, soit entre ton héros à l'épée et Obi-Wan Kenobi. Tac Je te tac laisse tac 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 décider. tac 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 tac. Comment il s'appelle? Tac tac tac. Tac tac tac. Et comme la dernière fois, on a déjà utilisé Gandalf. Viens, on prend plutôt Tac ton tac mec tac. à l'épée contre Obi-Wan Kenobi. Ça, plus intéressant. Vas-y. Corne. Tac tac tac. Comment il s'appelle? Obi-Wan, let's go. Aragorn, Obi-Wan, vas-y. Aragorn, Obi-Wan. Vas-y. Donc, comment vous saucez Obi-Wan rapidement? Obi-Wan, les gars, c'est simple, c'est... En fait, lui, c'est vraiment la lumière représentée dans Star Wars. S'il y a un côté lumineux du début à la fin, c'est vraiment Obi-Wan. Obi-Wan, en fait, c'est un peu tout ce que Anakin aurait dû accéder, mais à la fois n'a pas voulu accéder de par le fait qu'il lui-même se disait que quelque part, il ne méritait pas une telle lueur. Obi-Wan, c'est à la fois celui qui a échoué de ramener Anakin
enfin, bon, qui a pas participé, mais qui a échoué dans la quête d'Anakin primordial, mais c'est aussi celui qui aura réussi, à travers Luke Skywalker, à le ramener dans la lumière. Donc Obi-Wan, c'est vraiment le personnage à suivre qui est très intéressant, parce qu'on le voit dans toute son évolution, soit dans le film 1, 2, 3, ou la suite dans le film d'après, que c'est le mec qui a porté un lourd fardeau en lui, tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à, il est resté avec l'enfant de Anakin, qu'il a dû cacher, qu'il a dû élever, sachant très bien qu'un jour, cet enfant allait forcément s'opposer avec son père. Obi-Wan, c'est vraiment le mec, tu dis, c'est la droiture. C'est la droiture, c'est le combattant. C'est un combattant incroyable, Anakin. Anakin, Obi-Wan. Il a quand même roulé Anakin. Hein. Anakin qui était sûr de lui, il était là avec ses nouveaux pouvoirs. Il disait, tu ne peux rien. Il a fait, je te domine, Anakin. Tu ne peux rien faire. Je sais plus quoi. Bref, comme ça, il dit, c'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Et il fait, non. Cette phrase, elle est restée. Il y a cette scène d'anthologie. C'était toi, l'élu. Tu devais. Il dit quoi, tu Tu étais devais, je censé sais pas quoi, équilibrer la l'équilibre, force, tu étais pas censé la condamner. Bref, j'ai exactement. oublié la phrase, mais les gens me le diront. Bref, la phrase, elle est magnifique. Des scènes cultes qui a été repris, cette scène culte de Obi-Wan, tellement elle était marquante. La bataille dans, comment ça s'appelle le truc de la lave là? Putain, j'ai oublié, C'est la les gens me planète parlent là? dans le nom. Quand il La roule planète, ouais. machin, ouais, j'ai oublié le La, nom de la ouais, j'ai planète. oublié le nom de cette planète. La bagarre, elle est incroyable. Il se roule dans le 2, dans la guerre des clones. Là, il se roule contre des robots. Le mec avec les quatre bras, tout ça, il l'encule. Tout... Bref, Comment il s'appelle? Obi-Wan. Grievous. Ouais, j'ai oublié. C'est un mec au combat. Il est incroyable. Il est intelligent. Il est vif d'esprit. Il est sage. C'est vraiment quelque part, le père spirituel parfait que tout le monde voudrait avoir. Donc Obi-Wan, pour moi, il bouffe de loin Aragorn. Ok. Donc, pour rappeler ce que John vient de dire, retenez bien, il a dit, c'est un combattant, c'est la droiture. Il a une scène épique. Il a une phrase épique. Attends, la phrase fixe, c'est ça. Il y a Pic-Pra qui leur dit, tu étais censé ramener l'équilibre dans la force, pas la condamner à l'ennui. Quoi? À Non, la non. nuit. Non, il te troll. Il te troll, il te Ah, troll. toi, En gros, il te l'enculé. troll. Ah, il te troll. Là, il L'enculé. te troll. Ah, je suis Là, il te mort. troll. Donc, on À est la bon? nuit. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, je vous ai montré des images d'Obi-Wan. De l'autre côté, on a le mec pour qui vous n'allez pas voter, parce que c'est le mec qui vole toutes vos meufs. Héritier du trône du Gondor. Renégat. L'homme qui faisait le vagabond sur la route, mais qui a été obligé de marcher sur les traces de ses ancêtres et sur son destin pour pouvoir sauver la terre du milieu. Un combattant, oui. Droiture, oui. On le voit avec le pacte qu'il respecte avec l'armée des morts, alors qu'il aurait pu s'en servir pour pouvoir justement continuer à combattre. Phrase épique, j'ai envie de dire, pour Frodon. Sachant que, phrase épique pour Frodon, Frodon? pour Frodon, et ensuite, je me jette en premier contre l'armée de Sauron. Donc, je tiens à le Non, préciser. non, mais quand je te disais, non, Scène mais quand je te épique, disais scène phrase épique, épique, scène phrase épique, épique, scène attends, épique, juste il en pour phrase a. épique, moi Scène je dis ça, épique, cette il en phrase, a. elle est utilisée même hors du film, c'est-à-dire les gens l'utilisent Mais t'es sans remettre dans complètement un taré! truc. Pour Frodon, les gens, ils mettent ça partout. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, frère, les gens utilisaient ça avant lui, frère, Mais avant ce t'es film, arrête tes complètement conneries. taré! Mais t'es complètement taré! Je pense que t'es trop un haineux du Seigneur des Anneaux pour te rendre compte de ce que tu viens de dire là. Là, Arrête, tu... Non, non. arrête, Là, tu arrête. viens vraiment de dire une dinguerie. Là, tu viens vraiment, vraiment de dire une dinguerie. Tu vois? Non, 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 Là, non, tu viens non. vraiment, vraiment de dire une dinguerie. Donc, ça, c'est un truc. Vif d'esprit, bien évidemment. Le flow, il l'a. Donc, là, je tiens à préciser que. Et tu précises que c'est un Sims? C'est quoi un Sims? Je fais ça pour une meuf. Je veux que C'est l'elfe. faux. C'est Oh faux. oui. C'est faux. Oh non. C'est faux. L'elfe soit gentil avec C'est moi. Si, faux. si, c'est vrai, C'est c'est faux. un Sims. C'est C'est faux. important de préciser que Non, c'est un non, 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 Sims. c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est complètement Un faux ce que Sims. tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, c'est complètement faux. Il a dit à la, il a dit à l'elfe, barre-toi avec ton daron, c'est mieux. Moi, je dois aller me taper pour sauver la terre du milieu. C'est ce qui s'est passé. Et au final, Je m'en la meuf, elle a fait souviens quoi? plus. Elle a, Je la... m'en Ah, tu te souviens souviens plus, plus. bizarre. Au final, la meuf, elle a fait quoi? Elle a dit, père, père, il est trop badass. Je renonce à mon immortalité. Je reste avec lui. Tellement le mec, il est charismatique que l'elfe, qui était l'héritière de son royaume, elle est venue avec lui en sacrifiant son immortalité. Et son daron a été obligé de dire, ok, ma fille est avec toi, t'as mon armée. Donc, je suis désolé, mais même si les gens
font semblant dans les commentaires, les gens disent je souffre, on dort, etc., etc., parce que c'est des fanboys, etc. Là, je parle pour les gens qui vont regarder la rediff et compagnie. Absolument 100% des points que John a évoqués, Anakin, que John a évoqués pour Obi-Wan, Aragorn les a. 100% des points, Aragorn les a. 100%. Attends, Aragorn, 100%. Tu peux lancer le sondage. Tu peux lancer le sondage. Ok, Tu peux on peut lancer le lancer le sondage. sondage, mais toi, le seul, en vrai, 100% le seul des points. point qu'il a, ton Aragorn, 100%. je suis un BG. Le seul point que tu lui as donné, c'est C'est... je Non, m'appelle c'est Aragorn, je suis complètement plutôt beau faux. C'est gosse. complètement faux. T'as commencé par ça, Tu il est beau regarderas la gosse. rediff. Tu regarderas la rediff. T'as Tu commencé par regarderas dire, la il est beau gosse, il rediff. va choper vos meufs, Tu oui ou non? regarderas la rediff. Les gens, vous T'as pouvez commencé. voter. Les gens, vous pouvez Est-ce que t'as voter. commencé par ça, oui ou non? J'ai pas commencé par ça. Oh J'ai putain, le fini par mytho! ça. J'ai pas commencé par ça. T'as commencé par dire, déjà, il chope toutes vos meufs. Ah oui, mais ça c'était pour le délire. Oui. Si, si, non, si t'as raison, Ah t'as raison. Si t'as raison, t'as raison, t'as raison. voilà, Mais maintenant, bizarrement, le flow n'a plus d'intérêt. Bizarre. bien sûr, Obi-Wan, t'as pas vu le flow qu'il avait? Il avait la petite mèche au début. Après, quand il grandit avec la meuf, bah, il a un Arrête, putain de arrête, flow. arrête, Regarde, avec arrête. les mèches et longs cheveux, Arrête, il a un arrête. putain de flow. Arrête, arrête, Il a un arrête, flow arrête, de arrête, dingue. arrête, arrête, Il a arrête, un arrête. flow. En plus, les Donc, vêtements lui, de Jedi, donc, c'est des lui, là, il a dingueries. plus de flow que lui. Mais là, que ça peut pas, il a beaucoup plus de flow. Avec sa longue, ça peut pas là. Là, la photo d'en bas. Comme ça, Celle-là, il a là? beaucoup Attends. plus de flow. Merde, Il merde, a merde. beaucoup plus de Celle-là, flow. là? Il a beaucoup plus de flow, bien évidemment. Bien évidemment. Il le destroy, Arrête, Obi-Wan, il arrête, le viole. arrête, Mais c'est une arrête, dinguerie. arrête, 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 Attends, arrête. mais tu te rends pas Oh. compte en fait, parce que toi, t'es amoureux de lui. Mais Arrête, l'autre, il le arrête, destroy. arrête, 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 arrête. Je Ben souffle. non, il le destroy, Je souffle, je souffle, je souffle. il le détruit, On il le est détruit de l'intérieur. 230. Quand il y a 130 mais fin. Là, on est à 132, donc c'est très très bien. Obi-Wan l'emporte. Vas-y, ça me va. Non, ça me va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Aujourd'hui, les souci. gars, ça va être un perfect Star Il Wars, n'y a pas de j'annonce. souci. Et Que sur tous les points je Star Wars et tiens, à l'Xbox. préciser que, encore une fois, les gens, non, n'avaient même pas commencé à écouter ce que j'avais à dire, que je voyais déjà des messages dans le chat. Envoie le sondage, envoie le sondage. Donc, Non, moi j'ai non, pas non, vu je tiens à ça. le préciser, je tiens à le préciser. Non, mais moi j'ai pas vu ça, Non, je moi, tiens à le tu crois. préciser, je tiens à le préciser. Ensuite, continuons. Attends, je vais noter déjà. Sœur des Anneaux gagne aussi au niveau des persos secondaires. Perso secondaire. Perso secondaire. Tac, 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 tac. Ensuite, on a le méchant. Le méchant, bah le méchant, on va prendre Palpatine. Après, on peut prendre Dark Vador, hein, parce que ça a dissocié Dark Vador de Anakin, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va prendre Palpatine, on va prendre Tu Palpatine, fais ce que tu veux, vas-y. on va prendre Palpatine. Comme ça, il n'y a pas Non, vas-y. d'ambiguïté. Quoique Palpatine, toi, t'es malhonnête, tu vas dire, ouais, mais dans le 9, il est revenu, Continue, continue, Palpatine, je t'écoute. je pense que je vais plus prendre Dark Vador, finalement, comme méchant, On parce que prend pour moi. Palpatine. Non, parce On que tu prend sais pas que tu me sors. Palpatine. Tu sais pas que tu me sors. Eh, mais dans le 9. Tu peux pas prendre Dark Vador, il est pas dans le 7, 8, 9. Tu peux pas le prendre. Oui, bah justement, ça, pour moi, ça Palpatine. c'est un Palpatine. nouveau méchant. C'est un Non, nouveau non, méchant, non. non? C'est pas logique parce que le méchant qui est là pendant tout le truc, c'est Palpatine. Donc tu peux pas choisir ça comme ça. Il est là pendant les 9 films. Allez. Palpatine. Bon. Non, il est là pendant les 6 premiers films. Il n'est pas là. On ne le voit pas dans le 4 et le 5. On le voit pratiquement pas. On le Dans le voit à la 9 fin qui est du le 6. dernier, c'est lui. On le voit à la fin du 6. On Dans le le voit à 9 qui la est le fin dernier, du c'est 9. lui. Attends, mais on le voit à la Et toute fin. alors, c'est Avant quand même pas. lui. C'est quand Non, même non, lui. mais avant Palpatine, c'est l'autre mec là, avec Et le alors, visage bizarre, mais les c'est le même sunglasses. délire que pour Dark Vador, c'est un sous-méchant. Donc, bref, on va prendre Palpatine. Vas-y. On va prendre Palpatine. Palpatine, j'ai une seule chose à dire. Et je vais juste m'arrêter là pour vous dire à quel point il bouffe son sauron. Palpatine, déjà, il se ramène. Bah, j'ai plusieurs choses en fait à se dire. Ce bâtard, il se visse en vicieux. Tu vois, il se ramène un peu. Tu ne le vois pas venir. En fait, tu le vois venir quand tu es intelligent, mais comme il nique les Jedi, il fait ça en douceur. Le mec, j'allais dire un mage noir, c'est un baiser. Un Sith. C'est un Sith de son vrai nom, Palpatine, Dark Sidious. Dark Sidious, putain, tu vois, sympa. Dark Sidious, il se glisse dans l'ordre Jedi. Déjà, le mec, il est super intelligent. Et comme vient de me le rappeler le truc, Palpatine, Ordre 66. Il a dit. L'an Exécute l'an 66, 66, oui. exécution. À partir de là, je ne sais même pas si j'ai besoin
de comparer à Sauron ou mes couilles, je suis à un œil, je regarde de loin. Palpatine, en 66, exécution. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que celui-là, c'est trop. C'est trop. Je vais m'arrêter là. En 66, nous n'irons pas plus loin. Rien qu'avec ça, le débat est finito. Je Allez, je te tiens laisse. à préciser une seule chose. C'est que moi, contrairement à John, je ne suis pas de mauvaise foi. Je suis toujours objectif, il n'y a pas de souci. Contrairement à vous dans le chat et contrairement à John. Non, moi je suis Et toujours objectif. s'il y a un seul point où Star Wars bat pour moi le Seigneur des Anneaux, c'est au niveau du méchant. Parce que comme je l'avais dit sur les lives qu'on a fait, l'Ordre 66, c'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Donc, par rapport à ce point-là, moi, je te le donne. Le méchant, je te le donne. Moi, le Vas-y, méchant, je bah. te le donne. Pas besoin Le de débattre, les gars, méchant, je partent te d'un le donne. Parce que personnage. l'Ordre 66. Non, 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 non. Non, non, l'Ordre 66, c'était 66, vraiment une c'est dinguerie. vraiment une dinguerie. Vraiment, Alors, c'est une 66, c'était dinguerie. vraiment une Non, dinguerie. non. C'était vraiment une L'Ordre dinguerie. 66, 66, c'est c'était... vraiment une dinguerie. Quand Donc, c'est tombé, j'ai dit, je te le wesh! donne. J'ai fait, oh l'enculé! Non, non, je. Le massacre! Ce point-là, Après l'Ordre j'abandonne. Ce 66, point-là, t'es en j'abandonne. mode, oh! Parce que le délire où, en fait, tu donnes aux Jedi L'armée. toute une armée dans laquelle tu as implanté un truc pour qu'ils se rebellent contre au moment où tu le veux et au moment où ils en ont le plus besoin. Tu dis Execute Order 66. C'est une dinguerie. Ah, tu vois tous les Non, c'est une Jedi, dinguerie. C'est une dinguerie. ils tombent comme C'est une dinguerie. des Je. comme du tir au pigeon. Ce n'est pas qui coup tu donnes tes fesses, c'est pas ça, c'est simplement que moi je suis objectif. Oh Et bah, au moins c'est comme je l'avais dit dans les lives qu'on a fait avant sur Star Wars, l'Ordre 66, c'est une non, c'est dinguerie. une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Donc voilà, le méchant s'est gagné aussi. On Oh, peut passer au point le suivant. méchant, on peut passer, on peut passer, on peut passer. Non, non, c'est pas On je donne aurait les pu cartes à parler de John, l'étoile c'est noire. que On aurait pu pour parler de moi, l'étoile noire, le mais pas palmarès maintenant. de Star Wars, c'est l'Ordre 66. Moi, je le dis honnêtement, pour moi, Ça le fait pas palmarès de partie Star Wars, du c'est gros. l'Ordre C'est pas pour 66. rien qu'il y a eu Non, non, un non, non. milliard de films et de séries sur la guerre des clones. Hein. C'est pas Non, pour non, rien qu'ils ont gratté ce c'est moment-là. vraiment, vraiment, vraiment un truc de ouf. Même Clone Wars, la série animée, c'est quand ils rentrent dans le dealer l'ordre 66, c'est une dinguerie la série. Elle Non, part non, en non, couille de non. ouf. C'est C'est une pas qui dinguerie de coûte très ouf. ironique, hein. C'est vraiment l'Ordre 66, c'est une dinguerie. Des fois, on en parle en privé avec John, on se dit, putain, Star Wars, ils sont chauds. Non, ça va, Non, 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 des l'ordre fois, ça, 66, c'est c'est une dingue. dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc, Donc, passons au suivant. La je te le victoire donne. Celui-là, est. je te le donne. Moi, je te le donne. Cadeau. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ensuite, on a le scénario. Le scénario, bah, le scénario, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense qu'encore une fois, comment ça s'appelle? Star Wars l'emporte. Déjà parce que. Il y a l'avantage d'avoir par chaque film, à chaque fois, des mini-histoires qui, au final, ont une trame qui se lie à chaque fois, parce que tout est lié toujours à plus ou moins un descendant de la saga Skywalker. Si tu veux, dans le 7-8-9, c'est un peu de la merde, mais quelque part, ça reste des petites histoires qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et de la petite baston. Mais dans le 1-2-3, en fait, Star Wars, il faut vraiment regarder ça comme ça s'appelle la saga Skywalker, c'est un peu comme si tu regardais Jojo Bizarre Aventure ou ce que tu veux. Donc, tu as un petit panel d'histoire qui te ramène à un seul but, c'est-à-dire rétablir l'équilibre de la force, vaincre les Sith. Donc, c'est assez palpitant à suivre sur chaque film. Il y a des histoires différentes, ça amène à des trucs différents. Alors que Seigneur des Anneaux, le délire, c'est que voilà, pendant trois films, tu regardes trois films de 4 heures, on peut le préciser, un mec courir pour aller jeter tout dans un volcan, tu vois, un anneau dans un volcan, pour qu'au final, ce soit un hobbit qui le mette dans le feu. Pff, on souffle. On souffle. Et le scénario de Star Wars, il y a des rebondissements. Il y a des rebondissements. Bah, Il y en a un. il y a Luke qui apprend que son daron, c'est qui? Il y a Lord 66. Pas un rebondissement, Bah, ça. c'est un rebondissement quand même. Un rebondissement. C'est un rebondissement. Luke, il apprend c'est qui son daron. C'est un putain de rebondissement. T'es un ouf. Il y a Lord 66, c'est un putain de rebondissement. Il y a. Y en a Même deux, si tu allez, veux, deux max. L'Ordre 66 et je suis ton Même père. Rey qui ne Palpatine, c'est de la merde, mais c'est un rebondissement. Non, Rey c'est qui ne juste de la merde. Palpatine, c'est de la merde. Non, non, Ok, c'est juste de la merde. rebondissement. Kylo Ren, que son père ce soit Han Non, 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 Solo. non. Non seulement c'est de la merde, mais en plus c'était prévisible. Kylo Ren, quand même. Voilà, bref.
Bref, pourquoi je parle de ces films-là? Moi, je suis un baiser. Restons sur les films sérieux. Le délire avec la mère de Luke qui meurt, de Anakin qui meurt, etc., etc. Padmé qui meurt. C'est de la merde, tout ça. C'est OZEF. Padmé quand même, qui avec ses deux gosses sont amenés à être séparés. Leia et Luke, ils se rendent compte comme quoi c'est des son frère et soeur, etc. Non, non, il y a des rebondissements, il y a des trucs. Non, non, c'est grave stylé, c'est grave intéressant à suivre. Beaucoup plus intéressant que Seigneur des Anneaux qu'un mec qui va courir jeter un anneau. Je suis désolé. Je suis Je tiens désolé. à dire que au niveau du scénario, Il n'y a le pas besoin de scénario. rebondissements, mais je veux dire, il y a de quoi. T'es pas. Quand tu regardes un truc, tu t'ennuies pas. Fais pas chier. Au niveau du scénario, le Seigneur des Anneaux bouffe Star Wars. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Oh, tous les jamais de jours, la tous les vie. jours, tous les jours, tous Jamais de les la vie. jours. Jamais de la vie. Jamais. Le seul truc intéressant au niveau du scénario dans Star Wars qu'il y a, c'est l'Ordre 66. Tout le reste, c'est OZEF. C'est des putains de prophéties, c'est des putains de machins. Au final, c'est tout le temps des pétards mouillés. On a quoi? Dans Star Wars. Comment ça s'appelle? Dans Star Wars 4, 5, 6. Le premier, comme on l'avait dit dans le live, hein, la quête d'Han Solo, on s'en fout. Le deuxième, quand je dis deuxième, je parle du 5. Hein. Là, on commence à rentrer peut-être dans un petit truc. Ouais, Dark Vador est plus en avant, ouais, qu'est-ce qui se passe, etc. Ok. Le 6, normalement, qui aurait dû être un truc de ouf, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça finit en je suis ton père, on souffle. Le scénario, il est tellement vide que ce qui est intéressant dans Star Wars, c'est. Dans la galaxie, il s'est passé ci, il s'est passé ça, sauf que on le voit jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le 1, 2, 3? Ils ont essayé de se dire, oh putain, il faut qu'on essaye de recoller les trucs, qu'on mette une histoire. Au final, t'apprends quoi? T'apprends que tous les trucs étaient mis en place dans le 4, 5, 6, les histoires de Attends, j'ai non, la mais t'es au force, courant que ton les histoires argument là. de j'ai la force, etc. En fait, c'est quoi? C'est des midi-chloriens, ils ont des espèces de trucs dans le corps, mon cul, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, toute la logique qu'ils ont essayé de mettre en place dans les 4, 5, 6. C'est-à-dire, en fait, la force, c'est quelque chose que tu dois ressentir. Yoda, quand il expliquait ses trucs, etc. Tout ça, poubelle. Ça ne sert plus à rien. Donc, déjà, on peut dire que le lore qu'ils avaient essayé de mettre en place dans le 4, 5, 6, autour de la force et compagnie, ça finit à la poubelle. Donc, on repart sur autre chose. Maintenant, dans le Non, 1, 2, non, non, 3, on est dans c'était un. pas incohérent. Maintenant, C'était dans le pas 1, du 2, tout 3, on est incohérent. dans un taux de midi-chlorien, je sais C'était pas pas du quoi. tout incohérent. Non, Je non, sais c'est pas. pas du tout incohérent. Comment ça, c'est pas incohérent? Vas-y, dis-moi. Non, c'était pas du tout incohérent. Ouais, dis-moi pourquoi, vas-y. Qu'ils n'ont Vas-y. pas dit. C'est pas parce que tu dois ressentir la force, etc. Ça veut peut-être dire qu'il faut quand même que tu aies un minimum de taux de midi-chlorien en toi pour pouvoir utiliser la force. Tu Ah vois ce bon? que je veux dire? D'accord. Alors, comment ça se fait que le plus puissant, l'élu, etc., est déterminé par son taux de midi-chlorien? Ça ne veut pas forcément dire ça, hein. Yoda, il avait un taux de midi-chlorien le plus élevé, pourtant il n'a pas réussi à rouler Palpatine. La personne qui a le plus gros taux de midi-chlorien, c'est qui? C'est Yoda ou Anakin? C'est Rey. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit que c'était Rey. Ça n'a jamais été dit. Pourquoi ils ont pris Rey quand elle était petite? Eh, ça n'a C'est pas jamais été Rey, dit. comment il s'appelle le Ça n'a con? jamais été Non, non, dit. non, pareil. Ça n'a jamais C'est été ça. comment il s'appelle l'autre là? Anakin. Non, pas Anakin. Luke. Là, c'est Anakin. Anakin. Anakin, pardon, Ouais, Anakin. non, Anakin, ils ont dit, Pourquoi il en ils ont pris a Anakin? autant. Je crois Pourquoi qu'ils ils ont ont pris dit. Non, Anakin, pris ils ont dit, il Anakin en a quand elle était autant petite? que Yoda, je crois. Je crois qu'ils disent autant Non, que non, non, Yoda. non. Quand ils ont fait le test là avec la machine Oui, là. je sais, mais Non, je crois non, non. qu'il dit, il n'en a pas plus, il dit autant que Non, non, Yoda. non, Je crois qu'il dit non. un truc comme Il ça. a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le délire c'était quoi? C'était. Il a un plus grand taux que Yoda, mais pas l'intelligence de je sais pas quoi. Putain. Dans le chat, est-ce que quelqu'un a la phrase? Si quelqu'un a la phrase dans le chat, s'il vous plaît, la phrase exacte, donnez-la-moi. Parce que ça m'intéresse. Pendant que vous cherchez Ouais, la voilà, ils ont phrase. dit que son taux est super élevé, mais je pense pas qu'ils ont dit qu'il est Si, plus si, si, élevé si, que si, si. Yoda. Si, 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 si. Il l'a comparé à Yoda. Non, non, toi tu parles de. Ah, tu parles de Obi-Wan à un moment quand il dit. Non, non, c'est l'inverse. C'est Anakin qui dit en parlant d'Obi-Wan, je crois, il a la force, il a une maîtrise d'épée de Maître Yumbu avec la force de Yoda ou un truc comme ça. Ou bien. Enfin, soit c'est Obi-Wan qui dit ça d'Anakin, soit c'est Anakin qui dit ça d'Obi-Wan, j'ai oublié. Mais ça, c'est plus l'autre qui interprète la force de l'autre en disant ça. Mais j'ai oublié c'est quoi Non, non, non. exactement. Le problème là, c'est que j'ai pas la phrase exacte. Donnez-moi la source si Non, mais quelqu'un. moi, De toute façon, je vois la scène, les mais gens là, ils vont ça. venir. Les gens, de toute façon, les gens ils vont venir après pour corriger ça si je dis de la D. Mais je suis pas tant que sûr que ça. Mais allez, si tu veux ce truc-là, je te le donne. Et pour les personnes qui disent Kikou, il a tellement rien à dire sur le Seigneur des Anneaux qui parle que de Star Wars, je parle de Star Wars
pour vous montrer, quand je dis vous, c'est vous le chat, que vous êtes tellement en train de pépon Star Wars que vous vous rendez pas compte que il y a des trous, il y a des persos, c'est uniquement du flow, ce qui est pas mal en soi, hein. Mais que ensuite, quand je parle du Seigneur des Anneaux, vous êtes en mode lance le sondage, c'est bon, on a fini, lance le sondage. Donc, regarde, en ça, fait, ça c'est ça la phrase. Aussi pour vous montrer la phrase, elle votre mauvaise a... foi. Votre mauvaise la foi. Phrase, c'est ça. Il a la maîtrise du combat de Windu et la sagesse de Yoda. C'est ça la phrase, je crois. C'est Obi-Wan qui dit ça en parlant de. Il a la maîtrise du combat de trucs et la sagesse. Bon, soit de... c'est Obi-Wan qui dit ça en parlant de Anakin, soit c'est Anakin qui dit ça en parlant de Obi-Wan. Le taux le plus connu, plus de 20 000, celui d'Anakin, l'élu que l'on pensait conçu par les midi-chloriens eux-mêmes. Pourquoi t'as pas lu ce qu'il a dit, Illumica? Hein, pourquoi t'as sauté ce commentaire-là? Il a dit quoi? Tu n'as pas vu. Ah, le taux le plus connu, plus de 20 000, fut celui d'Anakin Skywalker, l'élu que l'on pensait conçu par les midi-chloriens eux-mêmes. Ok, ça pourquoi... c'est dans le film ou c'est dans un... C'est, ça, c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit dans le film. Ça, je pense que c'est plus le mec, il a vu ça dans un comics ou un truc comme ça. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Ça, je pense que c'est plus il a vu ça dans un comics. Ça, c'est pas dans le film. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Et oui. Kikou dit les gens, c'est des suceurs. Exactement. Parce que les gens, ils sont en mode Star Wars, Star Wars. Alors très, très bien Star Wars. Et donc, comme j'étais en train de dire, par rapport à l'incohérence des films, bon, ça, c'est le... les 1, 2, 3. L'an 66, bon, c'est un truc de ouf, c'est une dinguerie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Sauf que, au final, on retourne après dans le 7-8-9. 7-8-9, au final, bah... Dark Vador, il n'a pas réussi à rétablir l'équilibre dans la force. Enfin, Anakin, quoi. Son fils, il n'a pas non plus réussi à rétablir. Bah, si, il l'a fait, c'est juste que 40 ans plus tard. Il n'a pas réussi. La preuve qu'il n'a pas réussi. Ah, mais 40 ans plus réussi, tard, c'est qu'il a fini. Il y a combien de générations qui sont venues? Il a fini sur une île. Il n'y a pas tant de générations que ça parce qu'il était toujours en vie. Il y a eu. Ouais, il y a eu entre, est, non, non, non. Entre 40 ans plus tard. Non, non, non. C'est faux. Parce que déjà, ce n'est pas 40 ans plus tard. Parce que la seule chose qu'il y a eu entre le 7, 8, 9. Et le 4, 5, 6, c'est quoi? C'est les putains d'enfants de d'Han Solo et de l'autre là, c'est-à-dire Rey et. Rey et comment il s'appelle le con là? Kylo Ren là? Kylo Ren? C'est ça? Ouais, Kylo Ren. Ils n'ont pas 40 ans, hein. Je suis désolé. Ils sont bien jeunes. Ah, ils ont. Non, ils, sont... Mais ils sont bien jeunes. Ils sont bien jeunes. Ils ont moins 30 ans. Ils sont bien ans, jeunes. Tu vois, ils sont bien jeunes. En sachant que tu vois très bien que pourquoi Kylo. Il est tombé du côté obscur, c'est parce que quand il s'est fait entraîner, au final, il y a eu un problème et il a essayé de le tuer. Après, bon, il s'est dit, je ne vais pas le tuer, mais lui, il a vu qu'il a essayé de le tuer, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mmh. Donc, ça, c'est bon. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Je vais parler du Seigneur des Anneaux, ne vous inquiétez pas. Le seul truc que je suis en train de faire là, c'est que je vous montre où est votre mauvaise foi, parce que quand je vais commencer à parler du Seigneur des Anneaux, vous allez vous rendre compte que... Comme j'aurais expliqué avant, votre Star Wars ne tient pas la route. Bien évidemment, vous allez dire sondage, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de souci. Ensuite, Star Wars, ça se résume à quoi? Ça se résume à un grand méchant arrive. D'ailleurs, il y a toujours le grand méchant. C'est, au fond, derrière, c'est Palpatine. Palpatine qui est censé être mort, mais qui, comme par magie, il revient, il n'y a pas de souci. Ah, mais ça, c'est le foutage de gueule, je suis d'accord. Ça, on va rien dire par rapport à ça. C'est pas grave, c'est Star Wars. Donc, comme il a un flow. Non, c'est pas Star Wars. Comme il a un flow. C'est pas Star Wars. C'est pas Star Wars. Les gens, ils vont le sucer la tête. C'est pas un souci. C'est Disney. Oui, c'est pas un souci. Ça reste quand même Star Wars. Hein. Il a vendu les droits à George Lucas. Donc, ça, c'est pas un souci. Ensuite, t'as des légendes de Star Wars. Des mecs qui sont censés avoir tout fait. On les considère vraiment comme des mecs. Oh putain, lui, il a vraiment existé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. T'as une petite fille qui se ramène, t'as un petit émo qui se ramène, qui est en quête d'un père ou d'une figure paternelle ou maternelle, peu importe. Bizarrement, d'un coup, ils sont plus puissants qu'absolument tout le monde, ils roulent sur tout le monde. Star Wars, de base, ça mettait en place des trucs où, ok, bon, à distance, Dark Vador, il mettait en place des pouvoirs avec lesquels il pouvait mettre des coups de pression à distance. Maintenant, ça se bat à distance, maintenant, ça arrête des vaisseaux, maintenant, ça truc, bon, c'est pas grave, on dit rien, hein. Ils ont un flow, elle est badass, donc ça c'est pas un souci. La meuf qui a aucun personne maître n'a jamais validé la meuf qui a aucun maître, mais qui pourtant roule sur absolument tout le monde. Elle maîtrise la force comme ça, comme par magie. Bon, ça c'est pas un souci. On vous le donne, hein. Comme ils ont un flow et un sabre laser et que l'autre il a un masque, il est dark. Bon, ça c'est pas un souci, on oublie tout, tout va bien. Ensuite, on a quoi? On a aussi le fait que t'es censé avoir
Leïla, qui bizarrement, de base, était une personne plus politique, etc., mais qui après maîtrise la force, elle fait des dingueries, elle peut respirer dans l'espace. Bon, c'est pas grave, hein. Leïla, elle est cool, c'est une femme forte, indépendante, c'est la leaduse de la rébellion, donc pas de souci. Et d'un autre côté, t'as quoi? T'as le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, où t'as toute une ligne directrice dans la mise en place de l'histoire. C'est-à-dire que tu rentres dans le film, premier film, on t'explique quoi? On t'explique des anneaux ont été forgés. Il y en a un qui les contrôle tous. Sauf que l'anneau qui les contrôle tous, au final, il a été Rangé perdu par pendant la guerre. qui? Forgé par qui? Tire à lire les livres. C'est pas dans le film. C'est pas dans Ah, le film. toi tu Non, disais non, dans Star c'est pas Wars, une incohérence. ils nous C'est pas. montrent pas, ils nous mettent les trucs. T'as dit ça dans Star Wars, t'as Non, dit, non, ils dans nous Star montrent Wars, même pas, ils nous non. mettent les Non, trucs non, non, pour dans Star défiler. Wars, j'ai dit Bah là, quoi? c'est Non, pareil. non, c'est faux, c'est faux. Dans Star Wars, j'ai dit Bah là, quoi? c'est Dans Star pareil. Wars, c'est faux. Parce que les livres ne commencent pas là, mais on parle pas des livres. J'ai dit quoi dans Star Wars? J'ai dit que le début de Star Wars, c'est 1, 2, 3, et qu'ensuite, tu fais. Non, c'est 4, 5, 6, et ensuite, tu fais 1, 2, 3. Dans Le Seigneur des Anneaux, ça te dit en une phrase, il s'est passé ça, et ensuite, Ouais, je te parle t'avances. pas de Tu ça. vois? D'ailleurs, t'as dit, ils nous mettent la banderole jaune pour nous dire ce qui se passe, qu'ils ont la flemme de nous le montrer, tatati. Exactement, Bah là, exactement. c'est pareil, On a le vu ce qui truc. s'est passé. On a vu ce qui s'est On voit passé. pas, on sait pas qui a Tu forgé ces vois? putains d'anneaux. Non, ça c'est faux. Ça c'est. Tu dis qu'on ne voit. Enfin, ça c'est vrai, mais le point il n'est pas dans qui a forgé les anneaux. Le point il est dans ce qu'on te montre. Absolument tout ce qui est dit, on te le montre. On te montre quand les anneaux ils sont forgés, quand les anneaux ils sont distribués, quand Sauron il fait couper son doigt. Tout ça, on le voit. Une fois que tu as ça, tu pars sur l'histoire. L'histoire c'est quoi? Encore une fois, comme j'ai dit, c'est un mec qui est censé être personne qui au final réussit à atteindre sa quête. Sauf que en chemin, tu mélanges ça avec d'un côté le délire où. En fait, Aragorn, c'était un. Enfin, c'est un renégat, mais c'est l'héritier d'Isildur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Le fait qu'ils doivent remettre en place des alliances qui existaient avant entre les elfes, entre les nains, entre les mecs de la forêt, tout ce délire-là. Le fait que tu as des trucs politiques parce qu'il s'est passé des choses que tu n'as pas vues, mais il s'est quand même passé des choses avant. Ce qui impacte ce qu'il y a maintenant et ce qui rend le truc intéressant, parce que tu dis comment ils vont faire à ce moment-là, etc., d'où ça sort. Le fait que quand tu avances, par exemple, quand tu prends ça avec les. Comment ça s'appelle? Quand tu prends ça avec les mecs fantômes, là, j'ai oublié comment ils s'appellent, les mecs en vert dans les films, tu vois les conséquences. Même si tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois les conséquences de ce qui s'est passé et les conséquences des ancêtres, des gens qui étaient là avant. Le fait que tu as tout un délire où, d'un côté, tu as l'ordre des magiciens, de l'autre côté, tu as les elfes qui essaient de faire leur truc, de l'autre côté, tu as les humains qui sont en guerre, etc. T'as aussi le fait que, comment ils s'appellent les arbres, là, j'ai oublié le nom de leur race, qui au final décident de rejoindre la bataille parce que ça les touche eux aussi, etc. Tout ça, c'est bien ficelé de manière à faire en sorte que t'as plusieurs factions qui ont leur propre objectif, mais qui au final arrivent à un but commun, c'est-à-dire combattre Sauron. Il n'y a aucun trou, il n'y a aucune chose qui est illogique, il y a des sous-intrigues qui sont intéressantes dans tous les sens, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, comme je l'ai expliqué, t'as quoi? T'as des trucs illogiques, t'as des trous. Mais comme t'as du flow, là, les gens vont dire scénario, Je Seigneur des suis. Anneaux. C'est quoi? Lance le Je sondage. suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu Lance le viens de dire sondage. sur le Seigneur des Anneaux. Je suis Lance le tout à fait d'accord sondage. avec toi. Vous avez remarqué, il Lance a le dit Seigneur sondage. des Anneaux au lieu de Star L Wars. lance, lance, lance le sondage. Lance le sondage. Ah, je suis mort. Le Je voulais lapsus, dire c'était incroyable. Star Wars. Le Lance le lapsus, c'était sondage. incroyable. Je suis L d'accord. lance le sondage. Ok, Et meilleur on scénario. voit très bien le public de Star Wars. Intéressant, mais on dort pendant 4 heures. Vas-y, lance le sondage. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Non, lance le sondage. Non, mais honnêtement, le scénario de Seigneur des Anneaux, il est random, mais tu dors. Non, lance le sondage. Après Allez, moi, les gars. j'ai dit ce que j'avais à dire. Lance Ouais, le mais sondage. pourquoi on dort? On a l'impression qu'en fait, quand t'as raconté ça, j'ai l'impression de remater le film et j'ai dormi. Je fais, Non, oh lance merde, le encore sondage. 4 heures de film. Tu vois, c'est ça le problème. On est. Donc, Pardon. les On gens, est. votez, votez, On votez est bien. 230, on attend 120. Et on y va. Ah oui, mais non, faut être sérieux. Non, bah Star allez-y. Wars, le scénario, il est incroyable. Non, allez-y. Votez Star Bah, Wars parce rappelez-vous, qu'il y a du flow. quand vous étiez gamin, vous matiez Star Wars, vous pétiez les plombs. Ça faisait piou, piou, tchou, 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 Ah, c'était stylé. Ah, tchou, les petits combats de sabre laser. Ah oui, on vote tchou. avec C'est le stylé, je suis flow. d'accord. Non, je suis d'accord, Bien c'est un feu de sûr, ouf. bien sûr, bien sûr. Allez, on vote pour le. Les On vote. vaisseaux, le Allez. vaisseau. Comment il s'appelle le Tchou, vaisseau de Han tchou, Solo? tchou, Comment il s'appelle le vaisseau de Han Solo déjà là? tchou, Le Millennium? tchou, J'ai oublié sans tchou. blase.
Allez, on vote. Tchou. SDA, tu dors au bout de 30 000 étoiers tous d'agar. Allez, La voix off pas de de soucis, votez, SDA. votez. C'est versus. Tchou. Ok, Tchou. là, il est lourd. Le faucon millénaire, voilà, c'est ça. J'ai hâte qu'il gratte des votes. Je joue la nostalgie pour gratter des votes. Bah, il a le droit, il a le droit. Bah, il a le droit, hein, il a le Rappelez-vous droit. Tout ce qu'il faut, tout quand ce vous qu'il faut étiez pour les fans gamin. du Seigneur des Anneaux, c'est tchou. Lego Star Wars. Rappelez-vous Lego Tchou. Star Wars. Tchou. Ah, il Tchou. rage, ah, Ouais, pas ça de soucis, rage. pas. Je rage Ah, pas, y a ça pas de soucis. rage. Y a pas de soucis. Laurent, c'est comme Non, y Shanks, a pas c'est de pas soucis. sérieux. Exactement. Non, y a pas de soucis, y a pas de Laurent, soucis. c'est Shanks. Je l'avais dit la dernière fois. Non, y a pas de soucis. À 130, bah, je pense que là, ça fait plus de la Allez, moitié tu des peux stop. votants. Donc, Tu peux stop. Comme il a victoire dit encore pour Star Wars. Joji, comme il a tous les Go, comme il a tous les jeux Lego, comme il a tous les jeux Star Wars, il a voté Star Wars. Allez. Ah, mais on souffle, on souffle. Pourquoi être mauvais joueur? Point Tchou. suivant. Je note. Tac, tac, tac. Attends, on a quoi? C'était quoi là? Là, Univers. c'était Scénario. le Scénario. scénario. On a fait l'univers déjà? L'univers, pas encore, Bah, univers, hein, c'est parti. non. Bah, l'univers de Star Wars, bon. Scénario. À partir du moment, c'est, il y a des univers qui sont exploitables, mais à un niveau infini. Enfin, il n'y en a qu'un. C'est l'univers de l'espace. Et quant à cet univers-là, t'as de l'or entre les mains. Star Wars, je vais pas dire qu'ils l'ont, ils ont profité de cet or. Je trouve qu'ils ont fait un peu de la merde. Ils avaient beaucoup plus exploité, hein, parce que quand t'as un univers comme ça, normalement, tu me fais un Game of Thrones à ce niveau-là. Tu peux me faire une dinguerie, tu vois ce que je veux dire, en passe-mito, avec un univers comme l'espace. Et y a personne qui est foutu de le faire, je sais pas pourquoi. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont quand même introduit un lore qui était assez intéressant, assez riche. Le problème, c'est que c'est vrai, là, j'anticipe Kikou, il va me dire. Tout cet univers, mais on est toujours sur Tatooine. On est toujours sur une même planète, toujours Tatooine, bizarre. Ah, c'est Ouais, vrai. ok, on a compris. Voilà, mais son seul argument, c'est ça. Et oui, mais C'est c'est pas toujours mon seul Tatooine. argument, c'est ça. On C'est un putain de problème. y reviendra. C'est un putain de problème. On y reviendra. Non, On y non, 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 non. reviendra. On y est On y maintenant. On y est reviendra. maintenant. Stop, stop. On y est maintenant. On y est maintenant. Parce que On y c'est. Non, non. C'est bien beau de dire les flashbacks, ça compte pas, je sais pas quoi. Mais l'univers que tu montres pas, c'est facile aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est l'espace, c'est infini. Mais je l'ai pas vu ton putain d'infini. Faut que tu me le montres. C'est bien beau les voyages intergalactiques. Mais s'il y a que deux putains de planètes, ils servent à quoi tes voyages intergalactiques? J'avoue là-dessus pour les Donc, cons, ça, il y a un moi problème. aussi. Il y a un problème. Moi aussi On est là-dessus, ça d'accord. va. Après, il n'y a pas que deux Continue, putains de continue. planètes, il y en a d'autres. Ah, c'est Non, bien dans sous tout parler, Star c'est bien sous Wars, parler. non, dans tout Star Wars, on a vu la grande ville, là où il y avait la capitale, la planète où il y a la. En fait, c'est le principe de planète ville. Le truc de la capitale, là, j'ai oublié, là où au début c'est tous là-bas. Tatooine, on voit à chaque film. On a vu la planète où il s'est roulé avec Darth Vador. La planète des résistants. La planète des petits habitants de la forêt, là. Il y avait un truc, la planète de Yoda. La planète de Yoda, ouais. On a vu, allez, max 10. C'est pas un tout cassé, je dis 10 en tout, si on compte 7, 8, 9. C'est vrai que y a dans le 1 aussi, il y avait la planète des mecs sous l'eau, là, qui partageaient leur planète avec les autres mecs, là. Ceux qui, quand il est allé chercher, comment il s'appelle ce con là? Le mec là. C'est peut-être pas dans les films, je sais plus. Ouais, bon. Avec Je sais Dark plus, je sais Maul. plus. Avec Dark Maul. Enfin bref, ouais, il y avait quand même quelques trucs, mais on sent que pour un univers aussi étendu que l'espace, c'est mal exploité, c'est beaucoup plus exploité Jar Jar, dans les oui, Jar Jar séries. Binks. Ouais. Jar Jar Binks, ouais. C'est beaucoup plus exploité dans les séries d'animation. Mais enfin bref. Mais quand même, ils ont un univers. Bon, ils ont essayé de l'exploiter au mieux. Moi, surtout, ce que j'aime bien, c'est l'univers un peu western qu'ils ont donné à un truc alors qui est dans l'espace. C'est un peu, tu dis, foutage de gueule, mais à la fois, ça le fait. Tu vois, les gens, ils ont des guns, tu vois ce que je veux dire? Parfois, des guns, ça fait un peu comme les cow-boys, mais c'est des rayons laser qui sortent. Bref, il y a un univers, il y a un style, en fait, qui fait rétro, mais à la fois, on est dans le futur, que je kiffe. Tu vois, c'est pas vraiment dans l'univers étendu que Star Wars est impressionnant, c'est dans ce côté, en fait, qui a réussi à faire à la fois rétro et futuriste, à la fois. C'est ça, je pense, qui fait le charme de Star Wars, avec toutes les créatures, etc., etc. C'est ça qui fait vraiment le charme de l'univers de Star Wars. Et après, pour ce qui est des créatures, des planètes qu'on a pu découvrir à travers les films, on a eu quand même quelques-unes, certes pas exploitées de ouf,
Mais c'est comme un univers qui, moi, m'a super intéressé. D'ailleurs, pour ça qu'ensuite, je me suis mis à regarder les séries d'animation, j'ai lu quelques comics, etc., etc. Parce que justement, je voulais m'enrichir d'autant plus de cet univers que je kiffe. Parce que pour moi, l'univers de l'espace, c'est un univers qui est incroyable, qui est infini. Et ça m'a fait grave plaisir. Donc pour moi, l'univers de Star Wars est beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant que celui de Seigneur des Anneaux. Parce que celui de Seigneur des Anneaux, certes, tu vas me dire, oui, mais c'est le premier à faire ça. Mais c'est du vu, revu, 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 refait, revu, revu un milliard de fois, c'est dans ce Comment sens. ça, vu et revu, c'est lui qui a fait ça? Ouais, mais Non, non, tu peux pas dire ça. avant la sortie des films, non, mais il a fait ça dans le livre, avant la sortie des films, on a eu des trucs comme ça. Et alors, c'est lui qui a inventé ça. Et alors, tu me parles des films. Quand le film est sorti, j'avais déjà vu des elfes, j'avais déjà vu des trucs où il y a des elfes, des nains, Oui, tout ça. mais c'est quand même lui qui l'a inventé. Tu peux pas. En fait, non, 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 Oui, non. Je peux comprendre. mais Non, non, là, on attends, non, parle non, des attends. films, frère, je Oui, veux pas je dire. sais, mais je peux comprendre que tu me dis, j'avais déjà vu ça, mais tu peux pas sortir l'argument. Oh, c'est du réchauffé. T'as pas le droit de faire ça. Parce que c'est lui qui a inventé le truc. T'as pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il dit c'est quand même pas C'est cette lui qui a première inventé alors ça. que genre personne n'avait inventé ça lui? Elle est où C'est la lui. preuve? Montre la preuve, parce que j'en ai marre de cette Comment fake ça news montre là. la preuve? Non, 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 Ouais, non, montre la non, non, preuve. non, Tout le non, monde dit ça, non, j'ai non, jamais non, vu de, non, 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 non. Ce délire-là, de ça tout le suffit. monde dit ça, Ce mais j'ai délire-là. zéro preuve en Non, vrai. non, non, non. Ce délire-là. Fake news! Non, Fact-checking non, non. aujourd'hui, je demande. Non, non, J'en non. ai marre. Ce délire-là, on va pas partir dans ce truc-là. Parce que ça. Non, Fact-checking. non, non, on Non, va pas partir dans ça parce si. que ça va Parce prendre qu'on trop va de pas temps. valider tout Non, 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 sans non, 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 non. fact-checking. Stop, 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 stop. Et pour tous les gens qui disent. Pour moi, c'est une fake news, Non, non, ça. non. Pour tous les gens qui disent fake news, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai juré qu'on va pas aller valider ça. Parce que ça, c'est un Là, il fait, veut tout le pas monde le sait. check. Non, 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 c'est pas, je Non, veux pas check, non, hein. pas Non, tout le non, monde le non, sait. non, 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 Tout le non. monde le sait, mais personne Non, vérifie. non, stop, 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 stop. Non, non, non. Là, C'est les ça le gens, ils sont. problème. Là, les gens, ils C'est sont dans le faux. troll. Moi, Non, je vais non, non, non. dire. Non, non, non. Les gens, ils sont C'est dans le faux jusqu'à troll. preuve du contraire. Les gens sont dans le troll. La seule chose qui fait que je rentre pas sur ça, là, c'est parce que dans le Zoom, on est nombreux. Mais ce délire-là, ça suffit. Le... Ouais, mais c'est vu et revu, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu peux dire que ça t'a pas touché parce que tu avais déjà vu des films, tout ça, y a pas de souci. Mais il faut rendre à César ce qu'est à César. C'est lui qui a mis ça en place. Donc, Non, c'est faux. ça suffit ce Alors, je te délire. dis, Non, non, ça suffit ce délire. elle où ta preuve? Non, ça suffit ce délire. Ça suffit Tant ce que t'as délire. pas de preuve, me dis pas ça. Je vais pas rentrer dans cette Zumba là. Ça va juste être. Ça va Non, juste être une perte de temps. Non, non. dis on sait pas. Non, Dis on je sait dis pas, pas. on sait pas. Ça va juste être Ah une si, preuve je dis on une sait perte de pas. temps. Et là, les gens dans les commentaires trollent. Donc, ça, je souffle. Par contre, un truc qu'on va vraiment regarder, c'est la putain de map. Non. J'ai cherché les cartes en même temps qu'il parlait des deux univers. Comme tu l'as dit, l'univers t'a intéressé. L'univers ne t'a pas intéressé parce que tu avais kiffé l'univers dans le truc de Star Wars. L'univers t'a intéressé parce que tu as vu le potentiel. Et encore une fois, ça, on pourra vérifier parce que tu l'as dit aussi. Ce qui t'a plu par rapport à l'univers, c'est pas la partie que tu vois dans les films, c'est la partie que tu vois dans les séries, dans les comics, etc. Vrai ou faux? C'est ce que j'ai plus ou moins dit, hein. Ok, on est d'accord. Donc, je tiens à préciser encore une fois que tout ce délire-là de oui, Star Wars, c'est un univers incroyable, je sais pas quoi, je sais pas quoi, c'est une Zumba. Enfin, non, c'est pas une Zumba parce que c'est vrai, l'univers, c'est un truc de ouf. Mais si on se concentre que sur les films, c'est pas autant un truc de ouf que ça. Mais le problème avec les gens, c'est quoi? C'est que même si je l'ai dit au début du live, hein, ça rejoint aussi le commentaire de l'autre qui disait tout à l'heure j'ai tous les Lego Star Wars. Star Wars dans la tête des gens, c'est indissociable des jeux vidéo, et les jeux vidéo sont très lourds. Enfin, il y en a qui sont très lourds, faut pas déconner. Et des séries. Quand les gens pensent à Star Wars, ils pensent pas uniquement au film. C'est tout l'écosystème qu'il y a autour de Star Wars qui lui donne un palmarès. Alors que le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lu les livres, donc eux, ils se concentrent uniquement sur les films. Donc, quand on regarde en termes de map, par exemple, au niveau de l'univers. C'est en français ça? Attends. Ça, c'est l'univers de quoi, ça? Ça, c'est l'univers de Star Wars. Mais dedans, il y a tout. C'est-à-dire que tu as des trucs qui rejoignent les jeux vidéo, les machins, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Apparemment, ça, c'est une map qu'a sorti Disney pour dire voilà l'univers, faites pas chier. Ok, ouais. Tac, 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 tac. Sauf que là, tu te dis, oh putain, il y a des planètes dans tous les sens, l'univers, c'est incroyable, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais quand tu te concentres bien, des planètes, allez, t'en as peut-être 10 que tu vois vraiment dans les films. Et Ah encore, ouais, parce c'est que ce que c'est même j'ai pas dit, hein. forcément des planètes que tu vois, c'est plus des, comme tu as dit, c'est des planètes-villes, tu vois. Tu vois une petite zone de la planète et c'est tout, tu vois. La manière dont tu, entre guillemets, ressens que l'univers est bien ou je sais pas quoi, c'est
par le fait qu'on te dit dans l'espace, dans la galaxie, c'est des trucs comme ça. Mais tu vois pas, tu le ressens pas le fait que ça soit grand ou autre, tu vois. Donc, tu as ce délire-là. Après, tu as quoi? Ce qui est intéressant dans Star Wars, tu as le délire avec la planète, les planètes de différents types. Tu as une planète de sable. On voit une planète aussi de. Le truc de Yoda, là, c'est quoi? C'est une planète dans la forêt ou je sais pas quoi. Bref, tu as des petits trucs comme ça. Mais c'est des zones. Tu arrives sur la planète de Yoda, c'est une petite scène avec un peu d'eau. Et la maison de Yoda, bon, c'est Hoth. Et voilà, c'est tout. Par contre, quand tu arrives sur le Seigneur des Anneaux, dans le film. On parle de la Terre du Milieu. Dans la Terre du Milieu, t'as quoi? T'as le royaume des nains. T'as la comté, qu'on voit, hein, je veux dire, dans le film. T'as le royaume des nains. T'as la comté. T'as le Mordor. T'as le truc là chez les elfes. T'as le Gondor. T'as. Comment elle s'appelle cette zone là où il y a les arbres? Je sais pas quoi. Je sais plus comment elle s'appelle cette zone là. Et dans ce truc-là, non seulement là tu comprends vraiment qu'il y a quelque chose, parce que non seulement tu te déplaces dans les zones, mais en plus de ça, c'est pas des zones villes comme dans Star Wars, mais en plus de ça, il y a vraiment des populations différentes en fonction de la zone dans laquelle tu vas. Non, mais Kikou, moi je suis d'accord avec toi, l'univers du truc est mieux construit, hein, il n'y a pas de débat. Ça, ouais, je peux te conseiller, je dis Bah juste que lance le moi, débat, bah lance le débat. l'univers de Star Wars Bah lance le débat. me plaît Non, vas-y, plus. lance le débat. Oui, Parce que ce t'as le droit, débat-là, non, t'as en fait, 100% raison, c'est t'as genre, ouais, 100% non, raison, t'as là 100% dessus en raison. termes de construction, il n'y a T'as pas 100... match, Oui, hein. t'as Je 100% vais pas manquer raison. de Bah... respect Non, non, à non, non, Seigneur de t'as l'Anneau. 100% raison. Moi, c'est ce que j'essaie Oh. d'expliquer aux gens, Oui, mais les gens oui, disent mauvaise foi, je sais pas quoi. Et t'es d'accord, Non, je suis non. d'accord, regarde le Non. résultat du sondage, tu vas Après, voir. moi, ah non, mais moi, Vas-y. je préfère quand même l'univers de Star Wars. Oui, et tu as le droit, et tu as le Parce droit, que et tu as le l'univers droit. avec les elfes, les nains et tout ça, moi, je sais que j'ai Et des tu as familles le là-bas. droit, et tu as le droit. Donc, lance le sondage, mais tu vas voir Mais encore une oui, fois comment les gens si je votent. suis honnête, on va dire la meilleure construction d'univers, c'est les Vas-y, anneaux. lance le sondage. Mais pour moi, je préfère celui de Star Wars. Vas-y, on y va. On y va, on y va, on y va. J'ai pas pris les films Le Hobbit persan, parce que John, il a pas vu les films. Et on peut pas faire un versus s'il a pas vu les films. Donc, c'est pour ça. En plus, apparemment, c'est explosé. Non, 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 bah, c'est pas le débat. Mais comme il avait pas vu les films, bah, on n'a pas pris Non, non, Hobbit, j'ai pas le courage, les gars. Il a. Ouais. Il Comme a fait lui, quatre c'est films. bon, Seigneur des Anneaux, il a pas aimé, donc il est. Ça a rien qu'il regardait les films. C'est pour ça. C'est Mais. Seigneur des Anneaux m'a dit c'est le top. On m'a dit Hobbit, ça va. Si t'as dit ouais, je regarde Donc ouais, il a pas. pas vu, il a pas vu. Donc voilà. Quoi, Hobbit, c'est mieux que Seigneur des Anneaux? Non, non, c'est pas mieux, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. J'ai pas dit ça. Ah, tu m'as dit ça, je vais peut-être regarder. Non, moi j'ai pas dit ça. Hein. Ça va pas ou quoi? Faut pas. Faut dire les trucs. Non, non, ça va pas. Donc, encore une fois, hein, on est 230, on attend 120 et encore une fois, on voit la fraude Star Moi, Wars. je préfère quand même l'univers qui fait un peu western, tout ça, Et tu as dans le Star droit. Wars. Et tu as le droit. Tu vois, c'est un univers qui me parle plus, qui m'intéresse plus. Il y a un côté plus badass, plutôt Là, je suis pas que. d'accord, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Après, c'est les goûts et couleurs, c'est vrai, que voir des nains, des elfes. Il y a un côté plus actuel dans Star Wars qui me touche plus. Au réel que Et le tu as le droit. Et encore une côté fois, féerique. les gens comme d'hab, ils ont oublié. Hein. Là, on parle des films. Les gens, ils vont te dire. Là, dans leur tête, les gens, ils disent, putain, mais l'univers, t'es fou, Kikou. C'est incroyable. T'as pas vu dans cette série? T'as pas vu dans le jeu vidéo là? Les gens, ils arrivent pas à dissocier les films du reste. Non, Donc, les gens arrivent très bien à les gens n'arrivent dissocier pas, tu le Kikou. sais. Arrête Tout de à leur dire ça. l'heure, on parlait de trucs. Ça parlait des jeux vidéo. Tu le sais, arrête, arrête, arrête. Tu le sais, tu le sais. Ah, et tout à l'heure aussi, il y en a qui commencent à parler du Hobbit. J'ai rien dit, moi. On n'a pas parlé du Hobbit. C'est là le mec Dans qui les l'a dit pourquoi. commentaires. Non, 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 c'est non, là le mec qui l'a dit c'est pas pourquoi la on parle première pas du fois. Hobbit. Même tout à l'heure, j'en ai vu d'autres parler de Hobbit. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Allez voter, les gens, soyez honnêtes. Moi, personnellement, meilleur univers Star Wars pour moi. Donc, allez, encore 5 petits votes. 115, on est combien? 120? Bah, là, je pense qu'on peut mettre fin au vote. Star Wars l'emporte. Tu peux couper, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, univers Star Wars. Star Wars. Après, il reste le dernier, c'est le succès. Je tiens juste à préciser un truc, c'est que comment ça s'appelle? Les persos secondaires, le scénario et l'univers, Star Wars n'aurait jamais dû gagner. Attends, perso secondaire.
Il gagne balèze. Il aurait jamais dû gagner. Mais Alors, continuons. là, pour moi, c'est normal qu'il gagne. Je suis même pas choqué. Et ensuite, le succès. Là, c'est le dernier point? Dernier point. Après, on prend les gens. Bah, le succès, bah là, c'est les chiffres qui vont parler, mais je pense qu'en termes de succès, Star Wars, ça tout droit, Seigneur des Anneaux, à tous les niveaux. À part en livre, parce qu'il n'y a pas de bouquin. Mais on va dire en termes cinématographiques, vu qu'on parle que des films, de toute Quoi façon, sert le ça l'extermine. Même les derniers, là, tout pourris, là, de la merde. Même ceux-là, il y en a pas Pas plus tant que que. ça, hein. Pense que ça l'éteint. Tac, 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 tac. Le box-office de Star Wars 1, 3, 4, c'est. Le 1, c'est 1 milliard. Le 3, c'est 860 millions. Le Bien, ma gueule. 6, c'est 475 millions. Box-office de Seigneur des Anneaux, le 1, c'est 947 millions. Le 2, c'est 1 milliard. Ah, ça, c'est l'Hobbit. Attends. Non, la communauté de l'anneau, c'est 800 millions, 890 millions. Ça l'éteint pas tant que ça, hein. Ça Ah, c'est l'éteint pas mieux. tant que ça, hein. Attends, essaie avec le 1. Là, t'as pris le 4, 5, 6. Non, non, j'ai pris le 1, le 3 et le 6. C'est les. Attends. Attends, attends, on va C'est les prendre trois ça. plus gros succès. Box-office mondial. Tac, 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 tac. En fait, c'est les derniers qui ont un putain de box-office. Ouais, c'est ça que C'est les j'allais dire. derniers. Les Attends, derniers, attends, je attends, pense, c'est attends. l'État. Attends, on va prendre dans l'ordre. Il est où le 1? Le 1, Star Wars 1, épisode 1, c'est 1 milliard. Épisode 2, c'est 640 millions. Épisode 3, c'est 850 millions. Épisode 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est lequel le. Ah, c'est la guerre des étoiles, le 4. 4. Guerre des étoiles, je crois, non, le 4. Ah, ça garde les étoiles, la 4. Ouais. Ouais, le 4, 621 millions. Le 5, 457 millions. Le C'est tout? C'est pas 6, possible. 418 millions, bah c'est les chiffres, hein. Bon, c'est pas les bons Le chiffres. 7, c'est 2 milliards, ça a vraiment été une dinguerie. Le 8, c'est 1, putain, ça a bidé par rapport au premier. C'est 1,3 milliards. C'est quand même une dinguerie. Hein. Ouais. Et le dernier, bah, le 9, c'est 1 milliard. Donc ça, c'est ça. Comment ça peut faire autant ces merdes? Vraiment, les gens, C'est c'est une des dinguerie. Il y a pigeons. vraiment une très grosse hype. Ah, c'est. Tac, tac, tac. Seigneur des Anneaux box office. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Ça, c'est quoi? Avatar, Titanic, Star Wars. Attends, j'ai cliqué sur Seigneur des Anneaux et il me donne pas le. Attends. Ok, box office du Seigneur des Anneaux. Tac, tac, tac. Attends. Ça, c'est en France. C'était où d'ailleurs ça? Attends. C'est le box-office où ça? Ça c'est mondial. Il me faut le box-office mondial. Ça c'est US. Putain, il n'y a pas Va mondial sur le sur le même site. site, va sur le même site, Sens Critique, normalement ils vont tout Tac, taper. tac, 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 tac. Je vais chercher ça. Sens critique. Tac, tac, tac. Donc, le box-office du 1. Non, c'est pas le 1, c'est le dernier ça. Attends, attends. Il est où? La communauté de l'anneau. 871 millions. Les deux tours, 926 millions. Et le retour du roi, 1,1 milliard. Donc, Ouais, ça se vaut en vrai. ça se vaut, mais en fait, c'est le 7, 8, 9, ça a C'est mangé. ouais, Ça les a 7, 8, mangés. Ça 9. Je suis même pas les a mangés. fier. Ça les a Et mangés. je suis même pas fier de. Ça les a mangés. Ça les a mangés. On va pas se mentir. Ça, c'est le box-office. Là, on va quand même mettre Star Wars. Après, il y a. Après, je sais pas même, je pense que Star Wars, au niveau des Oscars, tout ça a dû manger de ouf. Non. Après, il y a aussi. Quand on parle du succès, on parle aussi en termes de. D'impact que ça a eu. D'impact dans la société. J'entends, oui. Ce que je veux Oui, dire, j'entends. Star Wars, ça n'a pas beaucoup plus grand que Seigneur des Anneaux, on est d'accord. C'est vrai, Star Wars, ça a touché plus de personnes. Seigneur des Anneaux, c'était plus de niches, même si ça a bien Ça a bien truc, démocratiqué le truc. Mais Star mais Wars, ouais, ça a eu. Star Wars, On le ça a voit au nombre de. l'impact. En fait, ça, on peut le voir. Au nombre de jeux vidéo, au nombre de séries, on peut le Au voir par nombre de. rapport à tout ça. Même On peut le quand voir tu par rapport à regardes ça. les Star Wars de merde qui font 2 milliards, tu dis, bon, Ouais, ouais. y a une dinguerie, une dinguerie, une Il dinguerie. y a un truc, il y a un truc. Donc Ça très va. clairement, succès, mais pas besoin de sondage, on peut le donner à Star Au Wars. succès, je donne à Star Wars, même si les chiffres, Seigneur des Anneaux, c'est Ils pas sont si pas dégueulasse. minables, C'est ils pas sont si même dégueulasse. très très impressionnants pour des films sortis en 2000, on va C'est dire les pas si termes. dégueulasse. Donc. On a un perfect
de parfaitement Star Wars. malhonnête, mais ça reste imperfect. Non, franchement, c'est imperfect. Pour moi, il est justifié, tout à fait Non, non. honnête. Pour moi, normalement, si ça devait être logique, Star Wars, il aurait dû gagner uniquement sur tac, 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 tac. Le héros, le méchant et le. J'ai marqué Star Wars. Et sur le succès. En termes de perso secondaire, de scénario et d'univers, pour moi, il aurait dû gagner Seigneur des Anneaux. Mais bon, Jamais le de la chat vie. a parlé. Le chat a parlé, Le chat a parlé. voilà, les termes ont été dits. Donc, les gens là maintenant, avant de commencer, likez, partagez, abonnez-vous. Là, on va commencer à prendre les gens. Les gars, quand On vous commence à venez, prendre les gens sur Zoom, ouais. vous nous dites, vous êtes Team Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Après, vous venez parler un point dans lequel on a des 6 points, si vous voulez, pour un point, ok? Comme Ok. ça, on ne fait pas 4 000 ans la vidéo. On fait ça Et comme ça, voilà, on fait vous ça êtes les comme bienvenus. ça. Je crois que t'as dit on était beaucoup, donc le Zoom, on va peut-être Ouais, le le zoom fermer. est... Bon, on laisse 2-3 minutes. 5 minutes, allez. 5 minutes. 7 minutes Il est max, allez. 51 à 56, on coupe le zoom. Tac, Allez, c'est tac. Le parti. temps que je prenne ma liste. Et ensuite, on coupe. En attendant, nous, on va commencer directement avec... Illic, il est pas gold, lui? Il est où, il est où, il est où, il est où? Pourquoi Non, je vois pas Osuto, il est l'autre? gold, donc c'est bon. Tac, tac. Osuto, allô, allô? Allô, allô, les gars. Vous Allô, m'entendez comment bien ça va? ou ça bug? Non, t'entends? Vous Ah, m'entendez très bien? bien, tant bien, tant bien. La Ah, forme? ok, super. Ouais, moi, ça va, hein. Tranquille, hein. J'ai bien aimé votre live, là. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est au Star Génération Wars. 89. Ça va Moi, perso, je suis... écoute, c'est juste comme ça, je te dis les points que moi, je valide, comme tu avais fait la dernière fois, là. Déjà, t'es pour qui? Moi, je suis pour Star Wars de base. Ouais, mais tu donnes ton truc à qui? Star Wars? Ouais. Star Wars, ok. Je vais noter ça aussi en même temps. Le premier point, le héros. Je donne un Star Wars. Perso secondaire. Je donne au Seigneur des Anneaux ça. Putain. Méchant. La fraude. Je donne à Star Wars. Scénario. Je donne au Seigneur des Anneaux là. Ouf. Univers. Univers, je donne au Seigneur des Anneaux. Et le succès. Je donne à Star Wars. Donc tu vois, Ok. pour moi, Donc c'est tu vois là, kiff-kiff, mais je ça fait un préfère. 3-3. Mais je Logiquement, ça aurait préfère. dû faire aussi un 3-3. Mais bon, Toi, les gens dans le alors, chat, comme d'habitude. Vas-y. là, ce que tu tu as vois? dit, ouais, donc, mets ton Kokoro et plus vers Star Wars, c'est ça que tu as voté Star Wars. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus ça. Mais sinon, Toi si aussi, je tu les reste trouves dans trop le groupe, badass, les voilà. Jedi. Piu, piu, Ils sont badass, hein. Ils sont badass de ouf. Non, c'est pas Ah, ils sont badass de que... ouf. Ils sont badass de Ah, ils ouf. sont badass, badass. Non, ouais, ils sont badass de ouf. Et puis bon, moi j'avoue que là où j'ai mon penchant, c'est plus en fait le Palpatine. Comment il a retourné le game dans la prélogie, Je le c'est donne. trop déconné. Je l'entends. Tu vois? C'est ça qui m'a plus mis. Comment il a endoctriné Anakin. Puis il a fait l'ordre 66 à l'épisode 3. Puis Anakin, quand il. Quand... Parce que, en plus, toi, t'es mauvais, écoute, tu dis que le palmarès, il a juste tué des gosses. Il a quand même tué le comte Dooku, hein. Ça, on oublie Ouais, aussi, je tu vois. souffle. Je souffle au compte Ah, de si, coup. si, compte Ouais, Dooku, mais c'était quand. quelqu'un. Oui, pas compte Dooku, C'était quelqu'un quand il même. a régalé lui et C'était quelqu'un. Obi-Wan en même temps. Voilà. Oublie pas que c'était quand même le maître de Qui-Gon Jinn de base, tu vois. Non, Ouais, tu je vois. souffle. Kondoku, Ouais. c'était vraiment quelqu'un. Tu vois. Mais après, je peux comprendre un petit coup que quand tu dis que dans le chat, ils sont un peu de mauvaise foi. J'avoue qu'il y a quelques points qu'ils auraient quand même dû donner au Seigneur des Anneaux. Non, Tu non, vois. non, Non, ils sont de non, mauvaise foi non, de non, ouf. non, 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 non. Tu le sais, je le sais, ils le savent aussi. Non, non, Après, ils ont bon, très bien voté. que, Tu que veux-tu? Je te jure. Non, non. Vous Parce que avez là, très bien voté, les autant frères. c'est... N'importe quoi. Autant le dernier, quand c'était Harry Potter, Seigneur des Anneaux, bon, là, pour moi, il n'y avait pas game. Mais là, j'avoue que, bon, là, il faut... Tu vois, faut répartir les choses, là, il faut les répartir. Et je voulais juste, par rapport au personnage secondaire, je voulais juste... John, donc pour toi, vraiment, genre Yoda, il éclate Gandalf. Dans Ouais, le je préfère développement, largement. dans le... Ouais. Ouais, je Yoda est sais pas. beaucoup plus Même intéressant, on beaucoup rentre plus. dans des films, hein. Yoda, il fait quand Ouais. même de super combats avec Dooku, avec Palpatine. Gandalf, il a sa Putain, putain les 1, 2, 3, ils d'épée. donnent vraiment une carrière à votre Star Wars. Hein. C'est une dinguerie.
Ah oui, 1, Comme 2, 3, ça. ça donne une carrière à Yoda. Hein. Ah oui, ça donne une carrière de ouf. Ouais, je suis d'accord. Il n'y aurait pas la prélogie. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas le Yoda, même. Yoda. Ah, ça, Yoda. Ouais, de ouf. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais ouais, après, comme tu dis, c'est des goûts. Mais je trouve quand même qu'au niveau personnage secondaire, bon, comme j'ai dit, Seigneur des Anneaux, je trouve il y a un meilleur contenu, je trouve. Parce qu'à part Obi-Wan et Yoda, le reste là, Padmé, tu souffres quand même, John. On va pas Non, mentir. je souffle pas, Padmé, tu papa. c'est 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 Pas de c'est mai, j'ai juré. Pas de mai, je souffle pas plus que la meuf, la reine de mes couilles de je sais pas quoi. Je souffle Et c'est une moins. femme forte. Pas de mai, je souffle moins que cette reine-là. Je vous C'est dis. une femme forte. Seigneur des Anneaux, bon, je dis pas ça pour troll. Tous les persos secondaires et même votre mec à l'épée là, je souffle de ouf. Mais c'est une Bon, femme forte. C'est une femme attends, forte. mais Aragorn aurait pu même être le héros de l'histoire en vrai, tu vois. Donc tu peux pas Mais siffler sur Aragorn. Aragorn, moi je souffre votre putain d'Aragorn. C'est ça que vous avez Il a pas un compris? développement de ouf. Il a un putain de développement. Développement Tu vois? basique de ah oh, c'est toi Tu vois? l'élu, allez. Alors que Obi-Wan, moi je kiffe Obi-Wan. Mais Obi-Wan en vrai, c'est Jiraiya dans Naruto. Ah bah c'est très bien. Jiraya, Ouais, c'est très très bien. moi je préfère Aragorn, perso. Mais bon, voilà. Y a pas de Enfin, voilà soucis. pour moi, moi j'ai. T'as pas de soucis. Voilà. Allez, merci Donc, en tout cas, nickel. Takoma. Tu reviens Ouais, quand tu veux. non, c'est Otsuto. Non, c'est au Plus sous. Otsuto. Passe une bonne Ouais, soirée. à plus les gars. Ouais. Et nous, on enchaîne avec. Il est où? Il est où? Bah, il est parti. Donc, on Scène enchaîne du avec. désert. Non, il y a Tagoma d'abord. Tagoma. Il est là. Tagoma, allô, allô? Allô, vous m'entendez? Comment Super, et est-ce? toi? Très bien, et vous? Ça va, hein? Avant de commencer, tu veux mettre ta cam ou flemme? Fonctionne pas. Pas Pas de de souci, soucis. on On est t'écoute. génération et on t'écoute. C'est un Vezano ou Star Wars? Fin des années 90 et Star Wars. Hein. Bah ouais, je suis désolé, Star Wars. Pas de Pourtant, j'aime soucis. beaucoup Seigneur des Anneaux, mais il faut choisir. Le héros. Exactement. Le héros, bah évidemment Star Wars. Hein. Faut pas déconner, votre Frodon bizarre là. Le perso secondaire. Merci. Star Personnage Wars Wars. secondaire. Ouais, je dirais Pense Star Wars pas. n'est pas, pas, pas d'ouf. Pas d'ouf en vrai, pas d'ouf. Star Wars quand même, oui. Star Wars Sois quand même. honnête, sois honnête, sois Le honnête. méchant. Star Wars, Star Wars. Oh, Star Wars Allez, Le là. scénario. Vos Bah, trahis aussi. Star Wars, en 66, Scénario. rappelle-toi. Le scénario. Non, en vrai Star c'est Wars. difficile. Non, en vrai Ah, c'est tais-toi, difficile. John. Non, en vrai c'est difficile en vrai. Non, en vrai je dirais Seigneur des Anneaux. Là je dirais Seigneur des Anneaux. Ah, traître. L'univers. Ah là c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Oh. Bon, vu qu'il faut choisir, je dirais Star Wars. Mais c'est chaud, c'est chaud. Là par contre c'est très Ok. chaud. Et le succès. Là, franchement, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Oh non, mais en termes de Après, là, c'est toi, même selon toi, toi, qu'est-ce en qui termes tu penses que qu'est-ce d'impact. qui a le plus d'impact? Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on parle que des films. On ne peut pas dissocier l'impact des films des produits dérivés, tu vois. Moi, Non, je saurais non, pas c'est dire. les films qui ont influencé sur l'arrivée des produits dérivés. Donc ça C'est compte ça qu'on pour veut eux. dire. Mais non, je sais, mais l'impact ressenti. Parce que pour moi, en fait, ce critère-là, il faut regarder que les chiffres. Parce que l'impact ressenti, il y a forcément les produits dérivés qui vont influencer là-dedans. Ouais, bah Oui, mais justement, bah, ça a alors, été s'il y a eu des influencé par produits les films, dérivés, c'est donc parce ça qu'il y a eu les joue. films. Non, j'ai compris, mais parler de l'impact que des films, je pense que c'est difficile à estimer en fait en termes personnels en fait. Mais en tout cas, bon, si je devais choisir, voilà, je sais pas, je dirais, vas-y, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux peut-être. Ouais, tu le dis, c'est à contre-cœur, enfin, dis-le bien. Non, franchement, je saurais pas dire parce que je pense que c'est compliqué parce que je suis obligé de prendre en compte les autres trucs, genre les produits dérivés et tout. Genre Tu regardes, là, dans ce que tu as dit, là, ça fait 3-3 encore une fois, non? ça fait 4-2. 4-2, hein, Ouais, ça va. après, ouais. Ça va, j'ai eu peur. Voilà. Mais sinon, si je devais détailler, bah, je pense que tu as été un peu. Enfin, il y a eu un peu de mauvaise foi, un peu des deux côtés quand même, et plus Kikou quand J'ai même. jamais Hein. été Je de trouve mauvaise que foi, tu as. hein. Si. Genre, J'ai jamais été de mauvaise foi. quand tu décrivais Anakin. Parce que Anakin, moi. Anakin, attends. Anakin, est-ce vrai ou pas que au bout d'un moment, il était en mode avec son sensei. Tu regardes un peu trop ma meuf, oui ou non? Oui, enfin, d'accord, mais Attends, en c'est fait, moi qui quand. pose les questions. Attends, attends, Ok, attends. Attends, après, je vais attends, attends, m'exprimer. attends. Ok, je t'écoute, je t'écoute. Ensuite, est-ce que au final, Anakin, il s'est fait rouler par son sensei? Manipulé. C'est qui son sensei? Ah, non, ah, j'ai cru que tu voulais. Non, pardon, oui, je pensais que tu voulais parler de Papatine. Oui, effectivement, oui. Est-ce qu'il s'est fait rouler par son fils? Oui, mais il a roulé, il l'a Ouais, quand mais même ça, roulé au c'est pas début. mal, Ouais, mais ça. il a roulé au début. Il a roulé une fois aussi.
Est-ce que l'important c'est le combat final? Ouais, ok, Oui, oui, ok, il a mais roulé c'est quand même. normal. Ok. Ok, bah attends. Non, mais Si l'important, est-ce attends, si, qu'il s'est battu? Attends, 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 c'est moi qui pose les si questions. l'important c'est le Attends, combat attends, final, attends, bah attends, attends, Dark attends, attends, Vador attends, 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 il a c'est moi qui tué pose Truc. les questions. Attends, 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 Bah oui. Il a tué son maître, si Attends, attends, l'important attends, c'est le attends, combat attends, final. attends, 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 Oui, il s'est laissé faire, mais quand même. attends, 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 attends. Est-ce que le combat contre le comte Dooku, ça a fini en 8 mètres? Comment ça, 8 mètres? À la fin, est-ce qu'Anakin, il a mis son genou à terre, il a dit tu es Non, mon c'est pas maître le comte maintenant. Mais c'est pas Dooku, contre ça. Dooku. Pas contre C'est Count Dooku, je avec suis con. Palpatine. Palpatine, Avec pardon, excuse-moi. Palpatine, ça. Mais quel combat? Il n'y a pas eu de combat avec Non, Palpatine. quand ils ont tué le Renoir, là. Quand ils ont tué le Renoir, Oui, après. mais oui, mais il n'y a pas eu de combat. Enfin, c'est pas comme si Dark Vador, il Ah, affrontait tu Palpatine. m'as compris. Et c'est pas Dark Vador, là, on parle d'Anakin quand il était en mode dans le Oui, mais 1, 2, Anakin, il a 3, pas là. affronté. Oui, mais il a pas affronté Palpatine. Pourquoi tu parles de combat? Parce qu'au final, Palpatine, il s'est fait rouler par Oui. Windu. Wombula, Wombo. Anakin, il aurait pu rouler Palpatine. Sauf que Palpatine, en deux phrases, ça, il lui a dit Mais oui, maître. je vois pas en quoi c'est négatif tout ça en fait, je Non, non, comprends pas. non. Est-ce que Ah, c'est la pareil, moi aussi, vérité je ou pas? vois pas Non, ce non, que c'est c'est la un... vérité C'est ou la pas? vérité, oui, Voilà, c'est la vérité. bah tu me Voilà, demandes c'est si j'ai pas vu le négatif. film. En fait, oui, bah oui, Donc, on a vu le film. Oui. c'est ce que j'ai dit, encore une fois, tout enregistré. Où est la Oui. mauvaise foi là-dedans? Je t'écoute. Non, 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 mais non, c'est non, pas non. négatif. C'est la Toi, manière t'as... dont. Non, parce que Bah, toi, t'as dit ces points-là comme si ça veut dire que c'est un mauvais héros parce que ça. vas-y. Est-ce Et que bah non. c'est la vérité? Oui, c'est C'est la la vérité, vérité, mais la manière oui. dont tu Où l'as est la mauvaise présenté. foi? Bah oui, mais tu me laisses pas finir, là, tu me poses une Non, non, question, je parce que t'es en réponds. train de dire la manière dont je l'ai dit. C'est peut-être la Bah manière oui, dont tu c'est l'as vrai. Mais interprété. attends! C'est Non, peut-être non, la non, manière dont non, tu l'as non, non. interprété. Non, non, Parce parce que que dans regarde. tout ce que j'ai dit, c'est des Attends, faits. C'est attends. peut-être la Mais là, manière dont tu l'as tu m'as interprété. posé une question. Tu m'as posé une question. Laisse-moi répondre. Ah, vas-y. Bon, regarde, parce que le truc, c'est quoi? C'est que tu as présenté ça, parce que la manière dont tu as présenté ça comme des défauts, en fait. Parce que quand tu dis, est-ce qu'au final, il y a son maître et tout, enfin, est-ce qu'il a perçu comme est-ce qu'il a perçu son maître comme étant une menace par rapport à sa meuf? La manière dont tu présentes ça, c'est comme s'il est en mode. Mon maître regarde ma meuf bizarre, tu vois. La C'est manière la dont tu vérité, présentes. mais c'est la Non, vérité. non, non, c'est la vérité, mais la manière dont tu présentes les choses, en Tu te rends fait, compte de ce c'est que que. tu viens de dire? Là, mot pour mot, hein, mot pour mot presque, Mais tu viens de non, dire mais. que, Non, mais. oh, t'as dit, c'est comme si mon meuf trigger ma meuf. Je t'ai dit, c'est la vérité, tu m'as dit oui. Il est où le problème? Oui, mais la manière, tu sais très Oh, je bien de quoi je souffle. parle, la manière. Bref, Oh, en tout cas. rentre pas dans son Ok, Genjutsu. ouais, bien Du sûr. coup, il a pris des trucs qu'à aucun moment, il a pris des trucs qui sont peut-être véridiques. Effectivement, on peut dire, ouais, il y a eu ça, il y a eu On ci. me reproche Mais, maintenant de dire la vérité. non, mais tu On me dis, en reproche fait, de les dire la points. vérité. Les points que On me tu as soulignés, reproche en de dire la fait. vérité. Non, mais les points que tu as soulignés, en fait, pourquoi parce qu'il a pas gagné tous ses combats, parce qu'il a perdu contre son fils, pourquoi ce serait un mauvais héros? Non, mais en plus, Parce surtout que que. c'est un mauvais Pourquoi héros, ce n'est pas un pourquoi? héros intéressant? C'est un mauvais héros, pourquoi? Tout simplement parce Bah que c'est voilà, un donc c'est un putain point. d'héros, c'est un putain d'héros qui tue des gosses. C'est un héros qui, au Il n'y final, en à a la fin. pas. Ça n'existe Mais pas, bon. justement, mais attends, justement, mais Quoi attends, qui n'existe justement. pas? Attends, 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 Il y a attends, un attends, mais héros. justement, Attends, Kikou, stop, stop, justement. stop, 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 stop. Il y a un héros. Un Mon héros. Quand on temps. parle d'héros, on parle du personnage principal. Hein. Quand on dit héros, là, on a abus de langage du terme héros, mais on parle du personnage principal. Tu Ok. sais très bien Mais ce qu'on veut justement, dire, non, toi. mais Kikou, justement, Kikou, en fait, le truc, c'est que c'est ça que je trouve justement intéressant, c'est que là, on a un personnage, en fait, qui a une destinée, mais justement, qui est déchu, en fait, qui. Là, on le voit être déchu. Donc, tout ça, c'est ça, comment dire, ça accompagne le fait qu'il a une grande destinée, c'est lui qui devait être le porte-voix le porte-étendard du côté lumineux, etc., etc. Mais on voit que justement, c'est quelqu'un qui est déchu. Donc, quand tu dis mauvais héros, qu'est-ce que tu entends par mauvais héros? Enfin, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire parce que justement, il a sa J'entends phase où il est déchu. mauvais héros dans le sens où, à la fin, au final, tu es obligé de le remplacer par une autre meuf. Par une meuf, pardon. Voilà ce que D'accord, j'entends par mauvais mais héros. je vois pas le rapport en fait. Le rapport, il est dans le fait que ce qui commence avec lui et ce qui finit avec lui ne résout rien à Star Wars. C'est Comment ça ça? que je vois. Bah, pas totalement, dans le sens où comme Stop, l'Empire a stop, été vaincu, stop, stop. l'Empire a été vaincu Attends, ou pas? attends. L'Empire Pas a été vaincu ou pas? totalement, pas totalement. C'est comme si là tu me dis le verre il est à moitié vide, c'est-à-dire qu'il est aussi à moitié Non, plein, on est tu sais, d'accord? Non, non, je suis l'Empire a pas été d'accord. vaincu parce que Non, c'est non, un l'Empire a été nouvel. vaincu. Ah non, l'Empire a Le été truc, c'est vaincu un nouvel ordre. et les gentils, ils ont pu rétablir la République. Au final, le méchant dans le 9e film, c'est le même méchant que dans le premier film ou pas? Un clone, oui, mais c'est un clone. Oui, mais c'est un clone. Un clone? Non, c'est Oui, un mais c'est quand clone. même le même méchant, qu'est-ce que je te dise, moi? Ouais, Mais c'est mais c'est un un clone. clone. Mais Mais c'est c'est quand pas même le le même même. méchant. Non, c'est pas le même. C'est C'est un pas le même, c'est clone. un clone. Kikou, si toi demain on te met une balle dans la tête, il y a un clone de toi, est-ce que c'est toi? Oui. Par toi. Tic-tac. Tic-tac. Tagoma. En tout cas, merci. Tagoma.
Ok, d'accord. On ne laisse pas parler. Bon, c'est pas ok. Merci en tout cas. Et bah, force à vous. Okay. Ah, vas-y, vas-y. Tu reviens quand tu veux. Et nous, on enchaîne avec... Ah, il s'est barré. Hawker. Hawker. Allô, allô. Hawker 1, 2, 1, 2. Allô, est-ce qu'on m'entend? Comment super, ça va? Super, Hawker, et toi? Impeccable. Ça va plutôt bien, et vous? Super, hein. Ça va, hein. Ça va, ça va. On va commencer, tu vas mettre ta impeccable. Cam, flemme. Non, comme d'habitude. Non, pas de souci. Génération, on t'écoute. C'est des anneaux. Génération 98. Génération 98, et je viens défendre mon univers préféré, c'est-à-dire Star Wars, pour toujours. Vas-y, pas de souci. Le héros. Héros, Luke, le roi, mais à un kilomètre. Personnage secondaire. Là, c'est kiff-kiff. Star Wars. Mm-hmm. Méchant. Méchant, bon. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Bon, oui. Toi, tu vas tout donner à Star Wars. Non, 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 non. Scénario. Scénario. SD1, hein, sur le coup. Aïe. Ok. Oui. Univers. Univers Star Wars, quand même. Ok. Même si. Et succès, selon toi? Succès, bon, bah. On l'a clairement vu, hein. Star Wars, même si je t'avoue que 9 films contre 3, c'est un peu malhonnête. Mais bon, après... Ils avaient quand même fort plus. Comme Aragorn contre l'armée du Mordor, pour Frodon, donc t'inquiète pas. Donc vas-y, Frodon, on t'écoute. Mais quand même, bref. Alors, je suis arrivé en plein milieu du lab, et quand je suis arrivé, il y avait Kiku qui disait, je sais pas quoi, les fans de Star Wars sus, ils prenaient le seum, c'est un peu dommage. Je prenais pas le seum, non, 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 non. Ça m'empêche pas. Non, oui. Regarde, tu sais pourquoi là, ce que tu dis, c'est un très bon exemple, parce que... Sur le point du scénario où John et moi on était d'accord, le sondage il a montré que les gens ils suçaient. Mais scénario, moi j'étais pas d'accord avec toi, moi. T'étais d'accord, t'as dit c'est le l'univers. Scénario de Star Wars, c'est l'univers non, attends. Ok, univers alors peut-être, autant pour moi. C'est il y avait un point sur lequel on était d'accord. Quand toi et moi on était d'accord par rapport aux méchants, on n'a même pas fait le sondage, on a enchaîné. Quand toi et moi on était d'accord sur l'univers, j'ai fait exprès. De ne pas dire, on fait pas de sondage, pour voir ce que les gens allaient dire. Et au final, on a vu le résultat. L'univers, moi, j'ai dit, je suis d'accord avec toi que pour moi, l'univers de Seigneur est mieux construit. Mais j'ai dit, je préfère quand même celui de Star Wars. Oui, t'as le droit. T'as le droit. Voilà. Attendez. Quand on parle de l'univers, c'est en globalité ou c'est que durant les films? Pendant les films. Ouais, les films. Ah, ok, ça marche. Donc, okay. Excuse-moi, je t'ai coupé. Continuons. Moi, je pense clairement... que Star Wars, bah, le truc c'est que le débat de base est complexe car les films font partie d'un grand univers, tu vois, et quand je parle d'univers, c'est de médias, tu vois. Quand tu parles de SDA, tu vois, on parle principalement des livres aussi, tu vois. Car l'univers, il est bien plus... La plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu les livres. Il y a beaucoup, ça, beaucoup de gens. Gens. En fait, oui, contrairement à Star Wars, où quand tu parles de l'univers, les gens, ils pensent aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, aux séries, etc. Quand tu parles de Seigneur des Anneaux, à part ceux qui sont déter, etc., la plupart, ils pensent aux films. Ouais. Ou aux Hobbits, à la rigueur, si tu veux. Mais c'est des films. Ok, bah, je vois ton point de vue. Personnellement, moi, je préférerais toujours SDA, de très très loin, parce que le truc, c'est que moi, en plus des films, tu vois, je me suis énormément documenté, tu vois, donc que ce soit livres, comics et autres, donc ça biaise un petit peu mon point de vue, tu vois, je vais être honnête. Non, mais t'inquiète, je le comprends, comme le point de vue des gens dans le chat, il est biaisé par les comme jeux pour vidéo, Ironique, tu vois, qui a lu les livres, tu vois. Donc, les gars, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, on dirait, la limite, vous excusez de ne pas dire Seigneur. Non, pas du tout. Bon, alors là, MDR. Non, ils ont le droit, John, laisse-les, ils ont le droit. Non, l'impression que... Je ne m'excuse pas, je justifie juste, la sucerie, comme dit Kiku, tu vois. C'est juste que tu as quand même une préférence, donc qu'on suce SDA ou qu'on suce Star Wars, c'est juste être fan, en fait. Donc, c'est pas vraiment sucé. Non, si, c'est sucé. Pourquoi? Parce que, par exemple, toi, t'es venu, t'as donné un point au Seigneur des Anneaux, je sais plus lequel.
Les Ouais, gens, je l'admets, je le concède, c'était pour toi, est-ce perso que secondaire, je crois. OK, Non, ça non. peu Non, importe. je crois que c'est univers, je sais plus. Peu importe, mais pour toi, est-ce que c'est logique qu'il y a 6-0 pour Star Wars là? En Dans les vrai, pour sondages être du chat. absolument honnête, peut-être pas, mais bon, on a tous Non, non, nos non, 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 points non, de vue, du non, coup, non, je non, dirais non, pas non, 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 non. non, attends, non, Écoute, parce que là, je vais t'as, être attends, honnête. pour être Je vais honnête, pas est-ce que dire c'est soit logique pour non, toi qu'il y a parce que c'est 6-0? son point de vue. D'un point de vue Oui. objectif, Oui, objectivement, oui. oui. Objectivement, c'est logique pour toi? Oui. Ouais, Oui. ouais. Tu sais que Oui. ton petit, Il est bien fini, mon quand je ménager. vais mettre l'extrait sur Ouais. Twitter, ton petit, je vais augmenter le son pour que les gens ils se rendent compte de la Ah mauvaise ouais. foi. Et la sucrerie, comme je disais. Ah Là, tu m'as donné un bon la extrait Twitter. Je te sucerie. remercie. Oh Non, là non, là. il Oh a bah tout à fait super, bravo. raison. Il Très n'y a bien, pas de bravo. souci, Tu je fais te sport, remercie. ça. Tu fais John, il a sport. été honnête. Parce que John, Bon. il a reconnu Mais c'est le bon, je point rigole, du coup. Non, je Kikou. sais que tu rigoles. Je sais Oui, que tu rigoles. Non, je sais que oui, tu rigoles. oui. Objectivement, oui, ça devrait être au moins 4-2. Minimum. Pour Star Alors, Wars, ouais, hein, d'accord. évidemment. Non, tu m'aurais dit 5-1 à Bizarre, la bizarre, rigueur, tu vois, Oui, bizarre, non, mais bizarre, 5-1, bizarre, 4-2, tu vois, c'est pareil en vrai. Bon, bizarre. on Non. concède 1 ou 2 points max à SDA, mais pas plus. Voilà, moi, c'est tout ce que je dirais. Y a Et pas de pour le souci. reste, pour revenir sur le méchant, franchement, zéro, hein. Seront, certes, il a un flow au début, grosse armure, mais bon, après, on voit que son œil, quoi. Donc, c'est pas tip-top. Je Voilà, l'entends, ce je sera tout l'entends, pour je moi, les gars. l'entends. Tout ce que je retiens, c'est que je sais plus si c'est toi, tu as essayé de venir comme John sur la dernière fois. John, je sais pas si c'est toi qui a dit John, je suis déçu. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi? Peut-être, Il s'est vu peut-être pas, encore là? mais non, Je on sais ne se plus. focalise pas sur le passé. Moi, Non, je j'attends. ne répondrai pas à ta question. J'attends. Je ne répondrai pas à ta question. Je pense Je ne que c'est répondrai toi. pas à ta Je pense que question. c'était toi. Peut-être pas, je J'attends pense pas, je celui pense pas. Je ne sais qui même va me plus dire c'est Kikou, je qui. suis déçu. J'attends celui qui va me dire ça. Mais ça va bien se Ah, passer. Moi, je vais pas le faire comme John. je Ça va suis bien mort. se passer. Je suis mort, je suis mort, Ça je va suis très mort, je bien suis se mort. passer. En tout cas, merci les Je gars. vois. Moi, je Moi, je suis dois très heureux filer. aujourd'hui. Allez, à plus au cœur. Tu Bonne reviens soirée les quand tu gars. veux. Ciao. Vas-y, bonne soirée. Et nous, on va enchaîner avec le CM du désert. Est-ce qu'il est membre, Joe? Le CM du désert, allô, allô? Allô, allô. Comment est-ce? Ça va et toi? Et Ça va oui, je suis super. membre. Je suis Non, non, toi, membre. oui, je sais, toi, je sais. Je parlais d'un autre mec. Moi, je constate déjà début 90, génération. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens contre Seigneur des Anneaux plutôt que pour Star Wars. Ça me fait Et, rire. non, non, t'es un menteur. Voilà, ça me fait Si, rire. si, Ça me fait si. rire. Parce qu'on le voyait dans le chat, les gens, on Franchement, voyait dans le chat les gens qui disaient pour ouais. venger Harry Potter. Ah, t'es C'était un menteur, que des personne spammers. dire ça. Il y a la Il rediff y du avait, y avait chat, il y a la rediff personne du qui a dit chat, ça. John. Il y a la John, rediff du chat. C'est impossible qu'il y ait enregistré. 6-0. Vous êtes de ces Impossible rageux qu'il y ait mauvais 6-0, c'est joueurs. impossible. On Franchement, est impossible qu'il y ait d'accord. 6-0, je suis On est désolé. Hein. d'accord. Mais bon, En gros, tranquille. t'es en train de dire que moi, par exemple, j'ai voté des trucs juste pour me Je venger. parle pas toi, je parle pas Non, toi, on parle pas de toi, on parle je parle du du chat. chat. Ah, parce que Je parle moi, du avant chat. même qu'on fait le truc, c'est des années, je suis sûr que c'est Ah, mais explosé. toi, de toute Non, façon, on parle pas de sur le toi. principe, toi, t'es en opposition avec Kikou, donc forcément, t'es contre lui, tu vois. Non, Moi, je te parle du chat, là. non, non, moi, non, John, il était moi, je vraiment peux pour faire Seigneur des... semblant. pour Star Wars. Moi, j'étais vraiment pour Seigneur des Non, Anneaux. Je suis toujours pour non, Seigneur des Anneaux. oui, non. Non, pour Harry Potter. Pour Harry Potter, il faisait un peu une Zumba. Oui et non. Voilà. Si, au début, sur le scénario, là-bas, tu faisais une Ouais, Zumba. au À la fin, tu scénario, vas faire. c'était ça, Si, tu faisais un peu une Zumba. Mais bon. moi, je mettais les choses que chaque fois que tu faisais Non, une mais parce que je Zumba. suis d'accord Mais sur là, pour le certains points, coup. sur Non, mais certains là, points pour là le qu'on doit lui coup. donner à Star Wars. Non, Mais mais pour le 6-0, coup, les là, gars. là, on a été 6-0, oui, je fort. m'adresse à vous, le chat, bande de Non, c'est fraudes. n'importe quoi. 6-0, c'est pas 6-0, possible. vraiment. Quelle indignité. C'est pas normal. Impossible. Bref, dis-moi les points qui coûtent. Le héros. Le Attends, donc, héros. toi, t'es SDA, c'est ça? Ouais, le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai lu les livres, j'ai vu les films et j'ai kiffé. C'est un... Le héros. Oui. Le héros Star Wars. Perso Le secondaire. pronom, je soufflerai toujours. Hein? Personnage secondaire. Personnage secondaire, Seigneur des Anneaux. Sans hésitation. Le méchant. Le méchant Palpatine, moi je souffle. Hein. Hey, en fait, vous parlez de sa technique comme de Aizen qui a retourné tout Non, non, le non, groupe non, non, prêtre. Ça me c'est vraiment le saoule. cas. Moi, Non, ça me non. saoule. Lord Arrêtez, 66, c'est non, non, bon. non, non, non. Ah, ça y est, Lord ça y est, ça y 66 est, dans ça le y est. cinéma, On c'est dirait que c'est vraiment devenu un exagéré. mantra, Lord 66. Hey, c'est bon, là, hein. Oh, non, Il non, est non, claqué, non, frère. crève. Quoi? Non, non, Il non, est non, 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 claqué non, aux non. œufs. Hey, Lord pour moi, 66. Palpatine, c'est une fraude de ouf. Pour moi. Je Tu suis sais que désolé. là, Hein. je défends le Seigneur des Anneaux, hein. Lord Non, mais c'est bon. 66, Non, mais il t'a écoute-moi. mis dans le Genjutsu avec Lord Il m'a 66. pas mis Parce que dans là, le t'as mis peur. Genjutsu! T'es un malade ou Hey, quoi? c'est Quand on pété, a fait c'est les lives pété. Star Wars, je disais déjà ça. Ah, Lord 66, quand c'est c'est une lancé. dingue. Et Nous, toi, tu te rends pas en plus, compte? moi En et Kikou, on privé. n'avait pas vu, donc on Non, mais s'y attends, attendait attends, pas. attends, attends. En privé, on en Kikou, parle hein, de ce Kikou, putain de truc, hein. C'est une Kikou, dinguerie, on Lord parle quand même 66. d'un œil
qui a fait trembler toute la terre du milieu. Les mecs, ils l'ont même pas encore vu, hein. C'est juste un œil. Hein. Il y a eu des armées qui sont élevées, il y a eu des batailles, il y a eu des guerres. Écoute-moi, je juste vois ce que ça. Tu dis, il n'y a pas de souci. Et toi, tu me parles d'un vieux crouton qui est là, qui rigole. Alors, ça y est, ça y est. Écoute-moi. Palpatine, moi, je peux plus. Écoute-moi. Lord 66, dans si un jour j'écris un livre, sachez-le, il y aura un Lord 66. Sachez-le. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Ouais. Pour moi, c'est Sauron. Pour moi, je suis désolé. Pas de souci. Oui. Donc, on était à combien? Héros, t'as dit Star Wars. Personnage secondaire, Seigneur des Anneaux. Méchant, donc Seigneur des Anneaux. Ouais. Scénario, Seigneur des Anneaux. Et encore une fois, moi, là je tiens à préciser ici. Les gars, un bon scénario, c'est un scénario qu'on arrive à suivre. Début, milieu, fin, entre les deux, il y a une péripétie et on sait où on va. Star Wars, on se perd entre les épisodes. On se perd de ouf. Moi, là, je suis encore dans le désert de la première bataille là, dans le désert. Moi, je suis perdu dans pas, Star Wars. Tu vas revenir dans le désert. Il n'y a que ça du désert. T'inquiète pas. Le mec, il n'a même pas vu Star Wars. Qu'est-ce qu'il veut le donner? Je te jure que j'ai vu Star Wars. Je te jure que j'ai vu Star Wars. Et je l'ai vu récemment, en plus, après vos lives là, sur Star Wars. Donc, non. T'as vu tous les Star Wars? Tous les Star Wars. Oui. Tous les Star Wars. C'est très, très nul. Et alors que Seigneur des Anneaux, dès le début, on a la ligne directrice. On arrive à suivre le truc. Le gars, il a un anneau. Il était perdu dans son petit village. Il a un anneau. Il doit aller le détruire. On arrive à suivre. Les gars, c'est un scénario simple, direct, précis. Je l'entends. Star Wars, on se perd. On a l'impression c'est comment on appelle ça? C'est Oda qui cherche des scénarios entre les. Arrêtez les gars, c'est bon, j'en ai marre. C'est nul. Tout le temps une pique sur One Piece. Tic tac. Tout le temps une pique sur One Piece. univers, c'est ce que j'ai dit, c'est un des anneaux. Et succès, selon toi? Bah, succès, après, ça, c'est les chiffres. Hein. Ça, on peut pas discuter les chiffres. C'est Star Wars. Ok. Donc, est-ce que tu as un truc à rajouter? 4-2. Lui, ça le fait 4-2 pour Seigneur des Anneaux. C'est ça. Oui. La version des rôles. un mot pour finir, le CM? Un mot pour finir, s'il vous plaît, un peu plus d'objectivité dans le chat. Voilà, c'est pas parce que on a des grands smileys qui descendent vite qu'il faut suivre la tendance. Ça veut rien dire, ça. Merci, au revoir. Ils suivent pas la tendance. Ils suivent John. je dis ça, je ne dis rien. C'est pas le débat. Vas-y, force à vous, les gars. Tu reviens quand tu veux. Ah, merde. Excuse-moi. Tu reviens quand tu veux, le CM. J'ai pas entendu ce que t'as dit, John. Pardon. Non. Mon son, il était désactivé, t'inquiète. Okay. À plus. On revient quand tu veux. Passez une bonne soirée. Et nous, on enchaîne avec Sofiane, il est là. Sofiane, allô. Sofiane, 1-2-1-2, test. Bon, bah, Sofiane ne répond pas. Donc, en attendant, on va essayer avec Sloane. Sloane, allô. Ouais, allô, vous m'entendez? Ouais, comment ça va? Super. Ouais, tranquille, vous? Ah, ça va, hein. Okay. On va commencer, génération, on t'écoute. Début 90, et moi c'est pour Star Wars. Hein. Ok, pas de soucis. Le héros. Le héros c'est Star Wars. Fort. Ok. Les persos secondaires, pardon. Seigneur des Anneaux, fort. Ok. Le méchant. Ouais, tu peux faire des têtes tournées de droite à gauche, mais fort Seigneur des Anneaux, ça. Le méchant, Star Wars. Ok. Le scénario. Le scénario, Seigneur des Anneaux. Ouais, Seigneur des Anneaux. Ouais. Ok. L'univers. Star Wars. Pff, ok. Le succès. Hey, tu me toises là. Hein, genre, tu. Selon toi. Ouais, on t'écoute, ouais. Le succès. Ouais, le succès, bah, je vais dire Star Wars, vu que c'est. Okay. Vu l'impact hein, planétaire. Hein. 4-2. Ouais, Seigneur des Anneaux aussi, impact planétaire, mais bon. Vas-y, on t'écoute. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, je vois ce que tu veux. Ouais, tu vois, il y en a un. Mais après, de base, hein, je tenais à le dire aussi. Hein. Moi, de base, en fait, je voulais voter pour le Seigneur des Anneaux. Mais en fait, le problème, c'est qu'Kiko, t'as été trop insolent au bout d'un moment donné. À dire, oh, les shooters, oh, les bandeurs de flow, John, Star Wars, c'est le flow ou pas? Seigneur des Anneaux aussi, c'est que le flow, hein. Mais Star Wars, lui, c'est le flow. Je te remercie. Seigneur des Anneaux aussi. Je te remercie. Seigneur des Anneaux aussi, c'est le flow. Je l'ai dit dès le truc Harry Potter. Sauf que le problème, c'est que Sloane. Le flow de Star Wars est meilleur que Seigneur des Anneaux. Et ça, tu ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est pas le débat. Il est meilleur. Bah,
Non, mais pour moi, dans les deux, il y a du flow, mais il n'y a pas que ça, quoi, tu vois. Après, il y en a, ouais, ils vont bander sur... Star Wars, il n'y a que ça, hein. Et l'Ordre 66. Le C'est flow, l'Ordre l'Ordre des Anneaux, il n'y a 66. que ça. C'est l'Ordre des Anneaux, c'est que du flow. Non, pas que ça. Le truc, il est intéressant, tu vois. En fait, pour moi, dans les deux trucs, ça se rejoint. C'est force du mal contre force du bien, tu vois. C'est toujours la même chose. C'est juste que dans l'autre, c'est un plus un délire un peu dans l'espace, sabre laser, tout ça et tout. Mais pour moi, carrément, même les deux univers, ils sont lourds, tu vois. Mais les pers par contre, il y a un truc sur lequel, ça, pour moi, c'est sûr et certain. Les personnages secondaires de Seigneur des Anneaux, ils frappent tous les personnages. Si t'enlèves les Jedi, hein, t'enlèves les Jedi, mais vas-y, il n'y a pas de personnages secondaires dans Star Wars. Tu C'est ce vois, que j'ai dit. Han Solo, il y en a même, tu les oublies au fur et à mesure du temps. Et dans le 7, 8, 9, mais putain de merde, c'est encore pire Bah, carrément. bizarrement, Seigneur des Anneaux, j'ai déjà tout oublié, hein, c'est bizarre. Ouais, mais toi, t'aimes pas, ma gueule, Toi, tu regardes dès en la fois 2, première c'est pour minute ça du aussi. film, dès la première minute du film, Il t'étais dort. déjà en mode, c'est n'importe quoi ça, j'en ai marre. Ouais, voilà. Tu vois, toi, tu regardes en fait avec un mauvais état d'esprit, t'as des préjugés dès le début. Donc, tu regardes pas en Ah, étant. tes conneries, ça veut rien dire. Combien de films j'ai regardé en me disant ça a l'air d'être Ah, de la tes merde, au conneries, final tu vas j'ai dire, kiffé. bon, petit coup, change Ah, mon pote, tu vas te poursuivre des anneaux. est-ce que ça existe? Tu regardes avec un mauvais état d'esprit? Est-ce que Kikou, genre, si tu regardes le film mais t'étais mauvais, forcément tu vas pas l'apprécier. Si tu regardes, ah, ça va être bien. Ah, t'es bêtise. Non, non, non. Non, mais des Et en fois tu peux plus, être surpris. Mais ce que quand tu tu regardes dis. comme ça, tu sais déjà que tu regardes en mode tu sais que tu vas enterrer le film. Ce que Non, tu c'est que c'est dis. pas mon style. C'est tout. Oui, c'est pas ton Ouais, style. Mais ce que tu dis vraiment. aussi, faire attention parce que quand tu regardes un film avec des mauvaises avec des trop d'attentes, ça peut te décevoir. Quand tu regardes un film avec Ouais. aucune attente, tu peux être surpris positivement. Ouais, Donc c'est non, ce vrai. que tu dis, c'est pas valide. C'est Ouais, pas pour c'est toi, vrai. c'est tout, t'aimes pas. Ouais, voilà. Mais bon, voilà. Après, c'était tout ce que j'avais à dire hein, majoritairement. Et puis voilà quoi. Attends, mais ton vote retard, Seigneur des ECS Star Wars, hein. Lui, il veut changer pour foutre le seum à l'air. Lui, si toi tu gagnes, Kikou, il va dire truc. Si c'est moi, il va dire truc. Ça Non, marchera comme ça. je vais rester sur Star Si Wars ton malgré père tout. t'a dit Star Wars, ma Je vais gueule. rester sur Star Wars, je vais rester sur Ah, Star Wars. sera Star Wars. Je vais Bah, allez, sur à Star Wars. plus. Y a pas de soucis. Allez, à Tu reviens quand tu plus. veux. Allez, à plus. Allez, Allez, bonsoir. vas-y, moi aussi. Et nous, on enchaîne avec Sofiane. Il est là. Sofiane. Sofiane, allô, allô. Sofiane, 1, 2, 1, 2. Sofiane, tu nous entends? Tic-tac! Ah, ça c'est pour ensuite. Bah, il n'est pas revenu. Hein. On enchaîne avec Illumika. Illumika, allô, allô. Ouais, salut. Comment ça va? Salut tout le monde. Ça va Ça va bien et bien? vous? Ça Tranquille. va, Hein. ça va. Avant de commencer, Génération, on t'écoute. Hein. Bah, Génération 99. Mmh. Et je donne le point à Star Wars. Hein, Ok. sans hésiter. Le héros. Ok. Le héros Star Wars, Anakin fait le taf. Ok. Les persos secondaires. Hein. Je donne ça à Star Wars. Hein. Star Wars aussi. Ok. Le méchant. Star Wars. Ok. Le scénario. Là, franchement, les deux, ça se tape. Hein. Je vais Mais. donner au Seigneur des Anneaux. Ok. L'univers. L'univers, je vais donner à Star Wars. Ok, et le succès selon toi? Ouais, je sais que ça se tape aussi, hein, mais Star Wars. Hein. Ok, 5-1. Vas-y, on t'écoute. Voilà, déjà, je sais pas si tu avais reçu le lien que je t'ai envoyé là. Tu sais, sur la question que T'as envoyé Johnny se ça où? posait sur le chat Wouah! Zoom. Il y a 100 messages dans le chat Zoom, c'est quoi ce délire? À chaque fois vous jouez. Non, mais si tu veux, je te la Oh, fais. Je te la fais renvoie-le tout de rapide. suite. Ouais, envoie-le Renvoie-le tout de maintenant. suite. Hein. J'avais même pas ouvert Vas-y. le chat Zoom. Comment ça, il n'y a Ouais, plus de pas de 100 soucis. messages? Vous pensez que j'ai le temps Et de sur regarder quoi? ce Sur chat comme là? quoi? L'autre, il a rien inventé? Non, c'était sur Anakin qui avait plus de midi-chlorien. Ah oui. Je sais plus si dans le film il disait comme quoi il en avait plus que Yoda, ou il disait autant que Yoda, je sais plus trop. Ah, c'est une scène du film Non, ça? bah. Ouais, c'est une scène du film. C'est un moment. Oula, Genre, on attention voit, à il y a. pas. Non, mais ce que je faisais la faire en rapide. Attends, je vois la scène. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, bah, du coup, en gros, c'est dans la scène, c'est Qui-Gon. Il envoie les tests d'Anakin à Obi-Wan. Ouais, je me souviens de Obi-Wan, ça. quand il lui fait le résumé, genre, il est choqué parce qu'il voit que Anakin a plus que Yoda. Ok, C'est là c'est qu'il bien dit ce qu'il que a je pensais. 20 000. J'étais pas fou. Ouais, Voilà, j'étais pas fou. ça, il lui dit. Ah, il dit Voilà. plus que Yoda? Voilà. Ouais, J'étais pas il a fou. plus que Yoda. Ok. Les gens, ils me disaient non, t'inventes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'étais pas fou. Il y avait cette putain de scène quand il envoie le test là. Non, mais je sais cette scène, mais de mémoire, j'avais pas. J'avais pensé qu'il Si, disait mais. autant que Yoda, ou j'avais jamais vu ça depuis Non, il Yoda, un fait te truc comme comprendre ça. qu'en gros, il a 20 000, tu vois, c'est plus que Yoda. Mais Yoda, tu vois, il va être pas très long, je vois, genre 18, 19 000 ans, ben, comment ça? Mais Ok, il est ok. au-dessus quand même. Ok, bah.
Bon, c'est en anglais là, donc je peux pas être sûr de ce qu'il raconte. Mais si tu le dis, ça doit être vrai. Vas-y. Bah, s'il envoie la scène, c'est que ça doit être ça. Y a pas, tu vois. Je Après, l'écouterai tout à l'heure en off, c'est mais. en anglais. Ouais. Moi, pas de souci. Ouais, sinon, après, vous n'avez pas trop parlé de la post-logie. Je vais juste te dire, tu sais, un moment Parce que John, il sait dans le très bien que vide. s'il en parle, ça s'écroule. Non, mais moi, c'est juste pour dire, dans la post-logie, tu vois, il y a Luke. Tu vois, c'est un petit retournement de situation, on va dire. Parce que quand il veut tuer son neveu, là, Kylo Ren, là, tu vois, on peut dire que ça peut être un twist, parce qu'il est prêt à mettre tout ce qu'il a fait depuis des années en tant que Jedi, à mettre ça de côté pour le tuer, tu vois. Mais au dernier moment, il se retient, tu vois. Sauf que c'est trop tard, parce qu'il y a Kylo Ren qui se retourne. C'est pas un plot twist du tout, ça, c'est un putain de flashback. Ouais, mais ça fait partie de l'histoire. Tu te fous de ma gueule, toi? Ah oui, c'est vrai, putain, Ouais, le flashback, flashback. ouais. Ouais, Non, bon, je vois mais... tic-tac, Tic-tac. parce que t'allais Non, mais m'énerver. même... Non, même, Putain de c'est un flashback, peu le tout... truc. Ouais, mais Non, c'est mais un après, peu ça fait partie de merde. l'histoire, tu vois. Oui, Faut quand même, s'il te le j'entends, montre mais... pas, il te le fait comprendre. Mais plot Oui, twist, mais c'est au c'est... moment où tu le découvres, t'es pas censé être au courant que... Tu vois, en fait, le plot Non, twist, ce que c'est j'ai dit plot pour twist, c'est que plus je trouvais tard. plus le mot, tu vois, mais sinon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. Ok. Non, sinon, après, voilà. En tout cas, Team Star Wars, on retiendra ça. Ouais, Team Star Wars, vraiment. Pas de Pour soucis, l'instant, c'est on n'a comme eu moi. que un SDA. 1 sur 5. Y a Pas pas de... beau... 1 1 sur sur 6 en 5. tout. 1 sur 6. C'est ça. Il y a Non, 5 pour sur... Star Voilà. Wars. 4, 5, 6. Ouais. En Ok, tout cas, pas de merci. soucis. Sinon, bonne soirée à vous. À Et toi à aussi. plus. Bonne Mange bien quand tu continuation veux. pour le live. Merci. Il y a LF Ging Passe qui une bonne dit un truc soirée. intéressant. Ils disent comme quand John a lu Kingdom, il a cru que ça allait être nul, au final il a trouvé. J'ai pas cru que ça allait être nul, je me suis dit, j'avais dit Kingdom, je souffre. Ouais, il avait la Tout flemme. petit, j'avais la flemme. Mais après quand j'ai lu, au final c'était génial. Ouais, Ce que je veux Kingdom, dire. c'est une dinguerie. Pourtant j'étais Mon parti manga en mode, préféré, hein. ah, j'étais parti en mode, vous êtes défenseur, vous me cassez les couilles avec votre truc. Donc le truc de, ouais mais si tu vas avec une pensée négative, c'est normal, ça c'est des conneries. Ah. Et si le truc Kingdom, il est bien, au final tu vois que c'est top. c'est. Kingdom top 1, sachez-le. C'est un Ouais, manga de ouf. on va se calmer un peu, C'est quoi ton top mais 1? C'est quoi ton top 1? Dragon Ball. Bon, Sofiane, t'es là? Sofiane, allô, allô? Ah, elle est Allô? pas là. Ah Ah, il si. est là, il est là, il est Comment ça là. va? Comment ça va, Sofiane? Moi, ça va, vous? Ça Super. va super, hein. Avant de commencer, Génération, ensuite on t'écoute, hein. Génération 93. Et moi, je suis team SDA. Ok. Seigneur des Anneaux? Ouais. Le héros. Le héros, bah, Frodon. Vas-y, vas-y, non, lui, troll, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Laisse-le Non, je parler. troll pas Frodon. Ok. Comment dire, Frodon, lui, au moins, il a pas de. Il est courageux, tu sais, il a pas de pouvoir, contrairement à Anakin. Lui, Anakin, il a la force et tout. Ok. Vas-y. Perso secondaire. Secondaire. Non, t'as dit héros Perso ici. secondaire, bah, Seigneur des Anneaux, il y en a tellement. Il y a Aragorn, Legolas, ensuite Gimli, après. Le Mince, j'ai truc, il y en oublié. avait tellement. Ça bug au bout de Oui, 3. non, non, oui, et il y Même a. toi, Hein? Hein? ton truc là, le Non, Renoir Windu, non. tu Non, l'as j'ai mis un dans ton trou, j'ai top un 3. trou. T'arrives même pas à retenir son nom, donc arrête Non, la mais mauvaise moi, foi. moi je Il est retiens pas les malade, noms. la Ouais. mauvaise Moi, je foi. retiens les noms de personne. Et lui non plus, il retient pas les noms. Et Ouais, alors? Ah, on a compris, Et ok. ensuite, c'est quoi? C'est Les le méchants. scénario, non? Méchants. Méchant. Bah, Sauron, il est meilleur que Palpatine. Palpatine, c'est quoi son palmarès, honnêtement? Genre 66 quand même, hein. Ouais, juste ça, mais après, sinon, c'est pas lui qui le fait. Lui, il fait juste que le dire. C'est les clones qui font tout, Ouais, mais Oui, mais c'est lui c'est qui a lui mis qui ça en manipule le place. bail. C'est lui qui le met Ouais. dedans. Non. Ouais, Franchement, c'est ce ça. truc-là, moi, ça Bon. me. C'est une dinguerie. Mais bon, Bon. bref. Le scénario. Scénario, bah, SDA, c'est plus intéressant. Ok. L'univers. Pareil, SDA aussi. Ok. Et le succès, selon toi? Bah, selon moi, je dirais SDA. Après, même si c'est au niveau des chiffres, non, mais au niveau. Moi, je trouve que sans Seigneur des Anneaux, il n'y aurait pas eu Game of Thrones, par exemple. Après, le truc, c'est que c'est les livres, ça, c'est pas le film. Tu vois Ah, ce que je c'est veux vrai, dire? mais Le Tolkien, film, il a pas c'est attendu un les films succès aussi, pour quoi. écrire Game of Thrones, ça date des années 90, En hein. trois films, ils ont eu un gros succès en trois films, alors Ah que non, mais Star Wars, c'est. Game Ah of non, Thrones, moi, le ça a succès, commencé dans franchement, les années je 90, frérot. le Hein. donne à Star Wars. Le livre Game of Thrones, c'est les années 90, hein, c'est pas Non, non, 2000, c'est les hein. livres, c'est les livres, c'est les livres. Mais bon, on l'entend. En tout cas, vas-y, on Ok. t'écoute.
Et bah après c'est tout, il y a... Non, mais est-ce que tu as un Il y truc a à tout. rajouter ou un point que tu voulais développer ou sur lequel tu voulais revenir? Non, juste Seigneur des Anneaux, c'est meilleur que Star Wars, selon moi, n'en déplaise à John, là, qui... Bah, c'est bien, Oui, moi, cette je fois-ci, il souffle. n'a pas boudé. Non, je boude pas parce que dans tous les cas, la prédominance est là. Mais je souffle quand même de ces goûts frauduleux. Mais je l'entends. Sachez-le, John, Je il ne boude l'entends. que quand il perd. S'il perd pas, il boude pas. Non, D'accord, mais mais c'est pas fini encore, il peut perdre. Star Wars, ça me touche moins qu'Harry Potter. Donc je suis un peu plus détente, on Ah, va dans dire, Harry quelque Potter, il part, tu était vois. fâché. Hein. Harry Potter, il Harry était Potter, fâché. j'étais vraiment Ah, fâché il parce était qu'Harry fâché, Potter, il c'est était mon fâché. coco. Ah, il était Star fâché. Wars, ça me touche moins, donc Si, si, si. Harry l'hypocrisie, Potter, c'est au rendez-vous. je tiens à le préciser. Ensuite qu'on a coupé le live, coucou, je veux dormir. Je live pas. Je n'ai mort. Il était fâché, hein. Il était fâché. Ah, il dit des conneries. Bref, en Ah tout cas, bon? Sofiane, merci. A-t-il live ce soir, Oh. là? Ok, Ok. pas que j'ai Non, live ce soir. il avait même dit qu'il était énervé et tout. Ah, Vous il était m'avez fâché. énervé, mais pas live. J'avais live ce soir, je crois. Bref, ça fait le merci. Ouais, Tu bah reviens quand salut, tu veux. bonne soirée à vous. Allez, à Passe une bonne plus. soirée. Salut, À salut. plus, salut. Et je vois les gens qui parlent mal de Kingdom dans les commentaires. Kingdom, c'est lourd. Non, Kingdom, c'est lourd, mais c'est infini, frère. Tac, 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 tac. Et alors? Et nous, et Dragon Balls. Ah, après tu vas me dire, mais c'est super, c'est pas la même Bah oui. chose. Bah Chier. oui. Et nous, on enchaîne avec Yann. C'est des Boruto. Bah, c'est comme super, ça n'existe pas. C'est pas Exactement, canon, enfin, on est même si c'est d'accord. canon, c'est pas le même Tu manga. vois, vous voyez la scène dans Naruto, il se serre la main, les Shunji, le chien, on est Là, c'est la d'accord. même On merde. considère que ça n'existait pas. Exactement. Yann, comment ça va? Allô, allô? Yann, ça va? Tu nous entends? Test, test. Quand tu essayes de parler, on entend un petit grésillement là. Bah, je sais pas, Yann, hein. en attendant, on va prendre quelqu'un parce Pendant qu'on que tu t'entend règles pas ton du problème tout. de micro, on enchaîne avec Pierre. Où est-ce qu'il est? Pierre, allô, allô? Comment ça va, Pierre? Pierre, 1, 2, 1, 2, test, test. Ouais. Comment Hey, est-ce? ça fait un moment que je t'avais pas vu, Hayden. Et ouais, c'est vrai que je peux passer pas longtemps, mais en même temps, sur Kikucho, vous parlez beaucoup Maintenant, ça parle de One Piece, c'est ça, hein? Voilà. Ah, c'est vrai que Pas lui, il beaucoup. souffle beaucoup tout ce qui est Ouais, il souffle sur les mangas, ouais. manga. J'avais Voilà. oublié. Hein? Hein? Moi, Hein? Hein? les mangas, ça se résume à des BZ sur MCM, tu vois. Bah, la Je qualité. l'entends. Reste sur la qualité. Comment ça Je va, l'entends. sinon? Ah, mais écoute, c'est un meilleur live que la dernière fois, je dois le Ah! dire. Allez, un Un live beaucoup plus qualitatif. homme de goût, ce Hayden. Un homme de goût, ouais, Quelle je l'ai toujours indignité. dit. Ah, putain. On Donc toi, souffle, toi j'imagine, t'es team Star jeunesse, Wars, c'est ça? jeunesse, Star Wars, bah, Bon, évidemment. on va... déjà de base, Star Wars, ça reste quand même mon enfance, on va pas se mentir. Même si je préfère Harry Potter à la base. Donc de base, il y a quand même le Kokoro. Mais bon, il fallait remettre à sa place cette fraude de SDA. Voilà, c'était. Toi, tu fais partie des gens qui ont voté Seigneur des Anneaux juste parce que c'est un film Harry Potter. Non, non, De non, non, quoi? lui, vraiment, il aime pas ça, il aime pas Seigneur des Anneaux. Ouais, bah, tu t'es Non, trompé de je trouve rêve. c'est une fraude. Je trouve c'est Non, vraiment une moi, fraude. je suis d'accord avec lui. Ouais, je l'entends, avis des Donc, anciens, mais t'as le droit. Donc, on le y va seul pour les point, différents points. le seul point que je pourrais accorder Non, au attends, SDA. attends. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Comme ça, Bon, ça veut dire que tu donnes tout au Seigneur des Anneaux, sauf lequel? ouais, en gros, je donne tout à Star Wars. Ah, Star Wars, pardon, sauf lequel? Je donne tout à Star Wars, sauf le scénario si on compte le 7, 8, 9. C'est le seul point que je peux vous accorder. Ok. Bah Ah. sinon je l'entends. Même, tu vois, il y a un mec qui est venu dire quand même, ouais, les personnages secondaires de Seigneur des Anneaux sont mieux si on enlève les Jedi. Donc en fait, t'enlèves tous les persos de Star Wars et enfin, Seigneur des Anneaux, c'est mieux. Non, Donc non, c'est non, 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 incroyable. non, 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 Ça non, peut non, pas non, être non, dit, non, non, ça. non, Ça, non, c'est non. avec elle, ça, y a Oui, avec mais ça. là, t'exagères. C'est avec elle, Parce est que sérieuse. je suis désolé, mais des Jedi, dans le sens où vraiment des Jedi, t'as qui? T'as Anakin, t'as Luke, t'as Obi-Wan, t'as Yoda. Oui, Ça vite enterre fait. tout Seigneur des Anneaux. Ça Ça fait. Non, enterre non, tout stop, Seigneur stop, des stop, Anneaux. stop, 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 stop. Ça fait 5. T'as le maître. Non, non, t'as le mec de Obi-Wan, là. Le maître 1, là. Kong Jin, machin, là. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Gungjin, là. Qual T'as Gungjin, ok. Qui-Gon Ça fait 6. Jinn. Merci, hein, c'est important de préciser Qui-Gon Jinn. T'as. J'ai même. T'as Boba Fett. Ah non, c'est pas un Jedi. Mais on continue, on continue, on continue, on continue. Non, mais en plus, je veux dire, moi, une saga où ton personnage principal, c'est le perso le plus OZEF de
de tes films, bon, C'est pas le perso le plus osef, c'est faux. C'est le plus osef. C'est pas le plus osef. C'est C'est le peut-être plus pas osef. le perso préféré des gens, mais c'est pas le plus osef. Oh Sam, Sam, oh mon Sam, C'est vraiment le plus Maître naze de tous. Frodon, Maître Frodon. Ah, tu te fais... Ah, ils font chier ces deux, c'est Vous ne une savez pas ce que c'est dinguerie. du développement de personnage. Ah non, non, mais là c'est pas. Ouais. Là c'est. Oui, j'ai compris leur histoire, mais je souffle. Ah ouais, on souffle fort. Hein. On dort beaucoup hein, pendant cette saga. Vous ne savez pas ce qu'est du développement de personnage, Ah, sachez-le. pendant trois films, c'est la même chose. Bah, on parlait de développement. C'est traîne en longueur, c'est trop. Et pour les personnes qui. Parce qu'il y a un mec qui a dit et qui a parlé de twist, de post-logie ou de je ne sais quoi. Non, la post-logie n'existe pas. C'est de la merde. Ouais, Il elle n'y a, y a, existe. y a, y a, y a rien de cohérent dans cette post-logie. Ça, Elle existe. Faut être sérieux. La Voilà. post-logie, c'est le truc avec Rey, hein? Ouais, Ouais. voilà. Ça, je crois, ils ont, Disney, ils ont pas décanonisé ça en disant, oh, finalement, c'est plus canon. Apparemment, ils veulent le décanoniser avec la série Ashoka. Ah, parce Apparemment. qu'il y aura un délire de voyage dans le temps avec Ezra. Ouais, c'est comme dans ces Flash, en gros, qui va faire un truc dans le temps, on enlève tout. Ouais, reboot. Ouais. Un Ah reboot, ouais. on oublie ça. Askip. Ben ça, ce serait pas une Askip. mauvaise idée. Non, parce Et qu'en fait, Ahsoka, t'as regardé toi Star Wars Rebels? non, moi j'ai pas regardé les Stop, dessins stop. animés. Pourquoi on parle des séries là? Moi, j'ai pas vu vos séries, Parce qu'il y j'y a un connais mec, en rien. fait, il est dans une dimension, il peut voyager dans le temps. Ouais, Il ça avait je sauvé sais, mais j'ai vu la Ahsoka. théorie. Moi, j'ai pas vu vos séries, j'y connais rien. Ben, enfin, bref, Et on va pas rentrer dedans. apparemment, il y a moyen qu'il y ait un truc comme ça. Ben, qu'il le fasse. Je Et dis peut-être oui. qu'après, on aura un remaster des 4, 5, 6 avec des nouveaux acteurs. Et Ah, voilà, le fan service de Disney. et voilà. Et moi j'ai dit oui, hein. Moi j'ai dit oui. Et franchement ça, moi je dis oui, hein. Moi j'ai dit oui. Avec Obi-Wan de Erwan McGregor après la série. Et oui, le 4 avec les acteurs du 1, 2, 3. Et oui! Non mais Et ils aiment trop les avec acteurs. Ils aiment la trop les slow acteurs motion. officiels, les fans. Non mais maintenant ils peuvent même refaire plus jeune avec leur corps comme Ouais, ça. CGI, hein, je sais c'est pas comment. vrai. CGI. Et c'est bien fait. Dans Boba Ouais, Fett, Luc, ils l'ont super bien il est fait. bien fait. Franchement, moi je dis pas non, hein. Je dis pas non du tout, hein. Moi je suis preneur. À voir. Alors que Seigneur des Anneaux, tout le monde s'en branle, il n'y a Tout le aucun monde s'en contenu. branle. Et la série, elle va sortir. Ça va Tout le monde bider. s'en fout, On c'est pour fera. ça qu'ils ont fait La une série, elle série sort quand? de trucs. Ça La va série, bider. elle sort Elle sort bientôt, quand, là, je là? crois. Hein. Quand elle va sortir, on va faire des reviews épisode par On va épisode. faire des reviews fort, On... hein. Tout le monde va péter les plombs. Tout le monde va dire c'est lent, c'est nul, il se passe rien. Il n'y aura Je veux que des dire, coups pour dire. franchement. Oh, mais vous avez vu la brindille d'herbe, le détail de la brindille? Oh, quel Bon, là, travail! ça troll, mais on verra bien. Franchement, Ça va être ça. même, tu sais, on parle d'univers de Seigneur des Anneaux. Moi, je suis plutôt d'accord avec John, je préfère l'univers de Star Wars. Mais c'est aussi parce que, je veux dire, le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être le premier, mais après, il s'est fait surpasser. Je veux dire, Game of Thrones, c'est ça le broie en termes d'univers. Game of Thrones? Ouais, largement pour moi. Suis pas d'accord, hein, parce que Game of Thrones. De toute façon, non. On va faire un truc, on fera un comparatif Game of Thrones concert des anneaux. On fera ça. À un moment, on va parler de Game of Thrones, après, on parlera des deux. Ce qui Ah, va bien c'est une se passer. série, c'est pas pareil, non, on peut pas Non, non, comparer. quand je dis Seigneur des anneaux, on va comparer la série. Ah, vous voyez pas mon écran, je suis con. Ou, la série, elle sort le 2 septembre. Deux saisons de 8 épisodes. Ça va bien se passer. Toi qui étais en mode. Ah, tu Mais veux qui dire a comparer fait. C'est la ça. série. C'est ça, on va Ah oui, parler de quand ça série. sortira. Mais Ouais. qui Tic-tac. a fait ces. Mais qui a fait Tic-tac. les anneaux? Mais qui a fait le truc? Mais c'est quoi le palmarès de Sauron? On va parler dans la série. On va en parler dans la série. Ah, attends, ils ont pris les acteurs du de mec qui est dans Game of Thrones, tellement c'est la Hesse. Lui là? Lui là, c'est lui qui joue Robb Stark quand il est jeune. Ouais, mais après, c'est pas parce que c'est la dèche. C'est parce que. Tellement ils veulent jouer le fan service. Non, 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 Putain, non, regardez, on a non. retrouvé Non, non. l'acteur. Ça, c'est des mecs, leur tête, tu les vois souvent dans les trucs. Sinon, je peux te dire, ouais, mais dans Game of Thrones, tellement c'est la dèche, ils ont repris l'acteur pour Ah, jouer. regarde, C'est le même regarde, délire. tellement c'est la dèche, ils veulent toucher les minorités, ils ont mis des elfes renois. Regarde, si ça c'est pas la dèche, qu'est-ce que c'est? Hein? Bon, Qu'est-ce que c'est? la même dèche que la même dèche en que vrai. ce petit Gripsou de comment il s'appelle dans les Animaux Fantastiques là. Ce petit En Gripsou. Je sais que t'as compris. vrai, on va rien dire parce Et que en plus le le film il bite. Oh, Et en plus le film il il a bite pas comme bidé. jamais. Il a Oh pas là là bidé. là là Et là tu sais comme si là. c'était Quelle plus à mon indignité. père, Oh frère. T'es là où là toi, là quoi? là. ││ ││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 
On dirait que c'est le père daron. Surtout qu'on va rien dire parce que le spin-off de Game of Thrones, pareil, c'est full Renoir, le spin-off de Game of Thrones. Ouais, j'ai vu. House of Dragon, on va en parler aussi de ces trucs-là. Ah, ça aussi, c'est... De toute façon, c'est... Bah, bref, c'est pas le débat. Arrête de nous faire griser, Pierre. En tout cas, merci. Bref, Pierre. Merci. C'est un 6-0 bien mérité. La vengeance a été actée ce soir. Exactement. Ça fait plaisir que cette prod soit tombée. Je suis mort. Et en plus, elle est tombée de la manière la plus humiliante. Exactement. Ah, je souffle, comme ça. Et je vous dis, les gars, je vous le dis dans le chat. Ça aurait été Harry Potter Star Wars, il n'y aurait pas eu un perfect. Impossible. Harry Potter aurait gagné. Hein. Quoique, non, les gens, ils auraient fait les suceurs de Star Wars. Faudrait qu'on en fasse un. Mais pas 6-0. Non. Harry Potter aurait. On aurait perdu, mais pas 6-0. Non, les gens, c'est les suceurs de Star Wars. Non, les gens, c'est les suceurs. Harry Potter aurait perdu à 100%. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? On est d'accord que les gens sont des suceurs. Ah oui, c'est des gros suceurs. Bah oui, s'ils ont fait gagner Seigneur des Anneaux sur Harry Potter. Je vous remercie. Tout à l'heure, on disait dans le chat, le genre c'est le suceur, machin, et que John était... Non, c'est pas le suceur. Là, c'est pas attends, les suceurs, tu parles c'est Caris, hein. C'est les suceurs, là, c'est quand, quand il suit du bon côté, tout va bien. Hein, John? Quel indigne. Là. Ah, je suis mort. De toute façon, je vais déjà expliquer la différence. C'est pas le débat, oui. La différence, c'est il suce qui. Exactement. Non, tu reviens quand tu veux, Pierre. Non, pas la qualité. À la plus, Pierre. À la prochaine, les gars. Et nous, on enchaîne avec Yann. Il a été payé. Yann, comment ça va? Salut, bon retour. Ça va? La forme? Bien, ouais, ça va. Je suis à 19, et pour Star Wars. Ok, pas de soucis. pas de soucis. Le héros? Un héros, par contre, tu sais, j'avais demandé, niveau héros, en fait, là, vous parlez genre un vrai héros ou en mode protagoniste? Personnage principal. Vas-y, bah Obi-Wan, alors. Obi-Wan. Anakin, excusez-moi. Personnage secondaire? En général. Star Wars, ok. Le méchant? Méchant, SDA. Ok, le scénario? Vas-y, je vais mettre Star Wars, mais en vrai, je pense pas. Comment ça, tu fais Star Wars, mais tu le penses pas? Ça va dans le Seigneur des Anneaux. Pourquoi tu joues? Il a dit Star Wars. À quoi tu joues? Attends, vous voyez comment ils sont, les gens? C'est dinguerie. Il a dit, je ne pense pas. Non, moi, c'est pas Il a fait un petit rire de petite fillette. Non. Oh là là, c'est une dinguerie. Mais attends, je l'explique. Mais c'est qui à la fois? Voilà. L'univers. SDA. Et le succès? Star Wars. Tu vois, là, normalement, il aurait dû avoir 3-3, sauf qu'il s'est dit, oh putain, j'ai dit Star Wars, mais il y a 3-3, merde. Mais attends, je vais t'expliquer pourquoi j'ai en gros, il y a plusieurs points, il n'y a pas que lui. Représentatif du chat, vas-y, on t'écoute. Non, même pas. On dit lui, c'est 80% du chat. Vraiment. J'ai dit pourquoi, parce qu'en fait, moi, genre, le Seigneur des Anneaux, je suis un peu comme John, genre, devant le film, genre, le film, je ne trouve pas attrayant, genre, je m'endors, c'est-à-dire... Même si je me dis qu'il y a des points où peut-être sûrement il doit broyer Star Wars, ben, je ne le ressens pas comme ça, parce que je trouve ça nul de base. Genre, je me suis forcé à regarder le film. Si tu te forces, tu ne peux pas aimer comme moi je vais aimer par exemple Star Wars. C'est pour ça que j'ai dit. En vrai, au niveau du point, je pense qu'il doit le foudroyer, mais moi, au final, j'ai plus apprécié mater Star Wars que Les Seigneurs des Anneaux. Parce que, ben, comme j'allais dire avec le Hobbit, je n'ai pas aimé. Par contre, quand j'ai lu le livre, bah là j'ai kiffé. Mais en film, je sais pas, j'y arrive pas. Genre, je m'endors. Ça m'intéresse pas. Ok. C'est ça qui est ça. Bah, je sais pas si t'as un autre point à développer, on t'écoute. Hein. Seul autre point, bah. Rien au final, Star Wars, moi. Donc, le seul truc, c'est peut-être. Palpatine. C'est pour ça, là, je l'ai donné à SDA, parce que. Palpatine, moi, bon, même si tu le diras alors, ça fait un twist. Palpatine, je suis pas fan, parce que. Non, même après, avant, Palpatine. Il manque d'un palmarès en termes de combat dans les films. Et puis même, je trouve, en fait, le problème, c'est que dans son film, il est présenté comme le grand méchant, mais il se fait voler la vedette par Vador. Et donc, du coup, pour moi, ça, tu vois, même si c'est le grand méchant du film, bah, je le ressens pas comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De frissons ou de tensions quand tu vois Vador que. Non, mais très clairement. Même, la manière dont il meurt.
La manière dont il est mort, Palpatine, dans le 6, c'est une honte. Hein, ça, je l'avais dit Voilà. quand on a fait le truc, ça, c'est une honte. Hein. Quand il Il se fait arrive, porter il prend comme hop, ça. on se jette. Et ensuite, le dans le vide. Finalement, tu revois avec des pouvoirs surchippés. Ça, quand Il j'ai revient avec regardé des ça, pouvoirs surchippés. J'étais en mode. C'est sérieux, ça? De ouf, de ouf. C'est pour ça que moi, j'attends un remake. Et là, je vois vraiment un Palpatine qui se roule avec Vador. Oh, tu veux me trahir, enculé? Toi, t'as vu trop de séries. Tu t'es dit, ils auraient pu faire une dinguerie. Bah en fait, tu aurais pu faire un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire? Le neuf, il lui donne un petit palmarès, genre. En mode, regardez, Palpatine, ce qu'il aurait pu faire, nanani, Bah, nanana. t'es Mais c'est mal fait dans le sens où, en fait, tu dis. Enfin, moi, je l'ai toujours vu quand je regarde Star Wars, en mode, quand il dit à Anakin, avec le pouvoir des Sith, nanana, tu pourras faire de grandes choses, en gros. Je le voyais comme une petite phrase pour dire, tu pourras récupérer ta femme. Mais c'est juste une phrase pour l'amener vers le mal, mais en soi, c'est pas possible. Bon, là, il l'a Même fait dans 7-8-9 et c'est parti en couille. Après. l'objectif de Palpatine en soi, ils auraient dû plus exploiter son objectif de combat, le combat aussi contre la mort, etc. etc. Ça aurait pu être Non, voilà, c'est intéressant comme ça. au lieu de rester sur hey, j'ai contrôlé la galaxie, gna gna gna. On souffle. Donc voilà quoi. Et du coup, on n'est pas dans le suçage. On n'est pas dans le suçage. Non, mais il rage. Il rage. Il a vu ça. Oui, bien sûr. Il a bien vu. Oui, L'essayade. évidemment. Non, voilà les gars. En tout Continue comme cas, d'hab. il n'y a Voilà, pas les de gars, souci. partage. C'est gentil, Yann. En tout cas, Voilà quand tu merci. veux. Passe une Merci à bonne tous. soirée. Salut, salut. Merci. Et nous, on enchaîne avec Choupi. Choupi, allô, allô. Oui, Choupi, Choupi. Choupi, 1, 2, 1, 2. Allô, allô? Comment est-ce? Choupi, tu nous entends? Ça va? Vous m'entendez? Super, Choupi. Ouais, ça va, hein. Génération 90, hein? Moi, Et... je viens pour défendre Star Wars. Vas-y, on t'écoute, le héros. Les deux, avant de commencer, petit aparté, les deux films, je souffle. Mais Seigneur des Anneaux, j'ai Je regardé souffle trois fois. plus. J'ai regardé Seigneur des Anneaux il y a 10 ans, je me suis endormi. Et je l'ai regardé il y a 6 ans, je me suis dit, j'ai peut-être raté un truc, j'étais jeune, je me suis endormi. Et je l'ai regardé il y a quelques temps, là, après le coucou, Harry Potter avait Seigneur des Anneaux, et j'ai pas fini le film. Je connais même pas la fin. Mais tu sais, mon Je petit Choupi, ne le te Seigneur jette pas des la Anneaux, ce pierre. n'est pas pour les enfants, Choupinou. Non, 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 Ce non, n'est c'est pas pour nul. les enfants, Choupi, c'est. Choupinou. Hey, Je quand vous comprends que tu dormez t'es face au endormi, mon Seigneur des petit Anneaux, Choupi. sachez que c'est normal. C'est normal, Et Choupi. j'ai Parce que dormi c'est du au péché. sens littéral du terme, j'ai vraiment dormi. Non, Ah, mais je c'est souffle. normal. Parce que tu te fais vraiment chier. Je souffle fort. Mais vas-y, on t'écoute. Du coup, j'ai pas suivi le début du live, j'ai juste pas compris. Pourquoi vous parlez d'Anakin en tant que perso principal? C'est pas Luke le perso principal? Parce que. Vas-y. Bah parce que le. En fait, on suit la saga des Skywalker dans les 6 premiers, voire maintenant peut-être les 9 premiers, mais les 6 premiers. Et on suit le trajet de l'élu, l'évolution de l'élu. L'élu, c'est pas Luke, c'est Anakin. Donc le Parce que héros, c'est pour Anakin. les pour le point, Donc c'est si à je la pars fin, au du final, c'est principe que Rey. c'est si je pars du principe que c'est Luc, ben je donne le point à Seigneur des Anneaux. Hein. Parce que Luc, on va pas se mentir. Non, Luc, il est truc, mais c'est Anakin, on a dit que c'était Anakin. Ok, je donne le point à Anakin. Ok, vas-y, Ok. pas de soucis. Est-ce que tu as un truc à rajouter ou tu voulais dire quelque Il a chose, donné tous revenir les sur un points, point? attends. Non, Il a donné tous les points? Si, je non, l'ai dit non, les points. Je t'ai pas dit les points? Non, tu n'as pas dit les points, non, je t'ai pas dit les 7 points. Il a fait que le premier. Ah, pardon. Personnage secondaire. Star Wars. Méchant. Star Wars. Scénario. Star Wars. Si tu dis les 6 Star Wars, tu te fous de moi. Univers. L'univers, je vais mettre Seigneur des Anneaux parce que c'est Star Wars, c'est une fraude. On te présente un univers varié, t'as l'impression qu'il y a une planète, il y a une ville. À un moment Oui, donné, bon. Et le succès? Et succès Star Wars. Ok. Donc, ouais, est-ce que tu as un truc à En tout cas, rajouter ou... Choupi, Et n'oublie juste pas. Vas-y, termine, excuse-moi. Vas-y, dis d'abord. avant de partir, comment t'as fait pour pas défendre le mode Céline de Naruto là? Comment t'as fait Ah, pour non, celle-là, non, elle est pas là. non, 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 Elle est non, pas là. Ça, c'est Non, n'importe mais c'est quoi. pas le sujet, On va c'est y pas le revenir au Smoke sujet. Show C'est parce pas le que sujet, non Choupi. seulement c'est du Ah n'importe oui. quoi, mais en plus, bien vu à la personne qui m'a envoyé le truc sur Twitter là, c'est vraiment une dinguerie. Le mode Sénine, il a un palmarès de ouf. Il a un palmarès de ouf. Il m'a On en envoyé les parlera. liens, il m'a envoyé les chapitres. Bien vu à la personne sur Twitter. Oh, ça va bien se Il passer, Choupi, au aurait Smoke dû Show. t'envoyer ça le jour du Ça va bien live. se passer. Et pourquoi Choupi, au final, s'est descendu? Parce que, comme d'habitude, les gens dans le chat, tu connais, hein. Bon, bref, c'est pas le souci.
Rendez-vous au Smoke Show, ça va bien se passer. On va revenir à Rameau au Smoke Show, t'inquiète pas. Il y a pas de la première chose dont on va parler, t'inquiète pas. Choupi, en tout cas, sache que si tu dors en regardant la SDA, c'est normal. On se fait chier. On revient quand tu veux, Choupi. Ouais, je souffle. Allez. Salut, salut. Passe une bonne soirée. Et te force pas, c'est nul. Passe une bonne soirée. Et nous, on enchaîne avec... Logan. Logan, je crois qu'il a dit qu'il était là. Ouais, il m'a dit... Pourquoi je ne le vois pas? Logan, je te vois pas, moi. Si, apparemment, il est mort. Celui-là, il est là. Celui-là, il est mort, mais je ne le voyais pas. Dans Comment ça va, Logan? Comment ça va? Ah, ça va être dur. Hein. Je dépense ma bourse de membre. J'arrive, on est trois. Et c'est fini, trois heures après. Hein hein je te jure, je t'avais même pas vu. Excuse. 5 euros, c'est important. Hein. Je t'avais même ça, Logan. Non, ça va bien, ça va bien. Bah, 2001. Bah, moi, Star Wars. Hein. Mais j'aime beaucoup les deux. Les deux, je kiffe. Mais sur tes critères, j'avoue, Seigneur des Ados, ça se fait exploser sur tous tes critères. Hein. Peut-être pas le scénario. Le héros. Mais le héros. Alors, le héros, bah, Anakin. Perso secondaire. Il n'y aurait que ce soit Anakin, Luke, perso secondaire. Bah, les persos secondaires, il y en a trop. Han, Leia, Obi-Wan. Ouais, mais Mido, tu peux avoir 50 000 persos secondaires, mais ils sont aux F. Ah non, Han Solo. Déjà, Han Solo, il enterre. Même Han Solo. Dans la pop culture, il enterre tous les persos. Tout le monde connaît Han Solo. Ouais. Han Solo, il a inspiré trop de mecs. Il a inspiré trop. Rien que Cobra dans les mangas. Cobra, c'est Han Solo. Ouais, clairement. Mais, par contre, Cobra, c'est Han Solo en mieux. Palmarès de Han Solo dans les Star Wars, s'il te plaît. Ouais, quoi? Palmarès de Han Solo dans les Star Wars. Non, mec. Du coup, il a pas du Cobra. Je te parle des Star Wars, pas de Cobra. Ah. Palmarès de Han Solo dans les Star Wars, s'il te plaît. C'est presque toi, en limite, qui dirige l'opération pour sauver la princesse et tout. Luke, il est limite un peu à la ramasse. Hein. Oui, le premier film, je suis d'accord. Le premier film, comme on l'avait dit dans les reviews, là, c'est Les Aventures d'Han Solo. C'est pas un Star Wars, c'est Les Aventures d'Han Solo. Je suis d'accord. Oh, bah c'est pas un Star Wars. Bon, après, dans le 2. Non, quand je dis c'est pas un Star Wars, c'est dans le sens où on n'est pas vraiment focus, Jedi, je sais pas quoi. C'est vraiment le premier film, Les Aventures d'Han Solo. Mais vas-y, continue. Ouais. Dans le 2, bah, c'est lui, il se fait piéger. Donc, ça veut dire qu'il ne fait rien, mais c'est l'impact émotionnel. Parce que quand il est pris dans la crypte et qu'après toute sa romance avec Leia et tout, on s'est bien attaché à lui. Et que même il y a la phrase culte où elle dit « Ouais, je t'aime » et elle répond « Je sais ». Culte de chez culte et après, il finit dans la crypte. Ça fait un pincement au cœur. Tu t'inquiètes pour lui. Et après, bah, dans le 3, il est avec les rebelles, il devient chef de la rébellion et c'est lui qui pirate les trucs et tout pour niquer le vaisseau. Même John, il sait que tu mens. Non, si, c'est ça. Même John, il sait que tu mens. Non, c'est juste que moi, je ne suis pas tombé dans cette soupe. Même John, il sait que tu mens. Elle est incroyable, cette phrase. Non, mais c'est vrai, c'est culte, ça, la phrase de son fameux « I know ». Arrête, John. Non, mais moi, je suis pas dans la sauce à ce point-là. Ta tête veut tout dire, arrête. Je vois ce qu'il veut dire, mais moi, je suis pas dans la sauce à ce point-là, je suis pas dans cette Zumba. Mais je vois ce qu'il veut dire. Vas-y, après, il y a quoi? Méchant, c'est méchant. Ça méchant, ouais. Méchant. Bah, Palpatine, j'avoue quand même, parce qu'il a un combat stylé avec Yoda, Lord 66, palmarès de ouf. Mais sinon, si on prend Dark Vador, c'est pour moi le vrai méchant de Star Wars, c'est Dark Vador. Quand tu penses méchant de Star Wars, son palmarès, Dark Vador, c'est un petit. C'est un petit de Vador, ouf. Dark Vador, c'est un petit son palmarès, il est plus éclatax que c'est Palpatine. C'est un petit de ouf. Putain, oui, il est plus éclatax, mais c'est un putain de personnage. Quand il arrive, t'as une tension. Non, c'est que le flow. Quand il arrive, t'as pas une tension, t'as une musique. C'est différent. Attention, c'est différent. C'est différent. Cinéma, mais bref. Dans les films, Dark Vador, c'est que le flow, il a zéro palmarès. À part, j'ai étranglé un mec en wifi. C'est dans les jeux vidéo qu'il a un palmarès de fou malade. Ouais, et dans les comics. Solo et tout. Il est nique dans le 2. Déjà, il y a ça, parce que Sauron, c'est un méchant de ouf et tout, mais il gagne dans aucun film. Pour moi, c'est ce qui manque. À chaque fois, ils disent. Il gagne quand, Dark Vador? Quoi? Vador, il a pas de palmarès. Dans le 2, il gagne. Hein. Dans le 2, il nique Han Solo et tout. Il le met dans la. Il se voit pas avec Han Solo. Il se fait capturer. Il le fout dans le truc. Arrête tes conneries. Toi, il a dit il gagne. Bah oui, Han Solo, il lui tire dessus. Il le prend. Et après, scénario. Il coupe la main. C'est l'Empire qui gagne dans le 2. Hein. Scénario. Oh, Logan, t'es trop investi, toi aussi. Non, on enchaîne dans le prochain point. Alors, scénario, en vrai, ça peut jouer parce que c'est bah, comme je l'avais dit, c'est le mythe du héros de Joseph Campbell. Donc, c'est un peu près, il y a des similitudes, mais moi on va dire le truc. Oh, attends, laisse-moi te couper. Il a tué Obi-Wan, c'est au moment où Obi-Wan il a fait pouf.
Ah oui, c'est J'avais vrai. oublié. Tu sais, Il a fait pouf. tu te souviens de la scène où il n'y avait rien, tout le monde allait bien, et que d'un coup, Ouais. Obi-Wan, il s'est Il laissé se laisse mettre un faire. coup, et En après, fait, il fait pour moi, il l'a pouf. pas tué. Moi, je te jure, Parce je pensais qu'il qu'il s'est s'était laissé téléporté, faire. parce que Il c'est était mort, n'importe mais il quoi. était plus Et moi aussi, je m'en mort. souviens. Mais à N'importe l'époque, quoi. je pensais pas qu'il était mort. Je me suis dit, ah, N'importe quoi. il a fait Parce une que, technique en de fait, disparition. il était là, les héros, ils avaient rien du tout, tout le monde allait bien. Il On s'est allait laissé bien. faire, il a fait pouf. Moi, je me suis dit, ah, il s'est téléporté. Non, il était Pareil. Non, mort. N'importe quoi. il s'est déconnecté de la force pour que son esprit soit réincarné, un truc comme ça. Ah, Bref. ça, c'est une D'accord, Zumba qui a été super. trouvée après. Ouais, Niveau scénario, super. en fait. Bien, bienvenue Tic tac. Niveau Bienvenue scénario, alors. Je fais gagner Star Wars parce que le truc drame familial, tout ça, ça me touche plus que les thèmes du Seigneur des Anneaux et même le retournement de situation de l'Ordre 66 et le 3, le côté dramatique du 3, ça me touche plus. Ok. Et après, c'est quoi le dernier? Le Succès? succès. Succès, ouais. Ah, succès, bah, succès, c'est Star Wars, ça a inspiré trop de gens. Ça a inspiré trop de gens. Déjà, James Cameron, il a dit qu'il s'est mis au cinéma grâce à Star Wars. Il y a plein de gens qui se sont mis au cinéma, plein de grands réalisateurs qui se Je sont suis mis là, James Cameron. Ouais, mais tu peux dire le Seigneur des Anneaux, comment il Ah, ce mec s'appelle de Terminator. comment il s'appelle le Ouais. gros là qui fait Game of Thrones là? Abrams, Non, mais George? ça, c'est les livres. George, Ça, il c'est s'est les mis. livres. Ouais, mais c'est les Ah livres. ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Infinity War, ils ont dit pour faire Thanos, ils se sont inspirés de Dark Vador. Bah, c'est Même. des C'est des comics, mythos. ça, de base, C'est non? un Non, comics c'est de bizarre. base. Non, Thanos, mais oui, mais il est c'est un différent, le comics. Thanos des comics. Hein. Mais bref. Et même Akira Toriyama, toi, John, qui es fan, tu savais Oui, que. il est fan de Et... Star Wars, lui, c'est pas mal. Ouais, il voulait faire un Star Wars à la base avant Dragon Ball. Et c'est parce qu'il n'avait pas les droits qu'il n'a pas pu, donc ça a inspiré trop de gens. Et Mais oui, je c'est qui voulais a fait venir. Astro Boy? C'est pas lui? Non, c'est Factorio, pas. non. Non, non, Mais... Astro Boy, c'est l'autre mec, là. Je Putain, t'ai j'ai dit, plus cinq son blazes. nom. Bah, c'est le Tetsu. mec qui a fait Dororo, là. Le fameux Ça. manga Dororo, Ok. Ouais, c'est Tetsuo, bref, un truc comme là. Ouais, ça. Tetsuo, Ouais, je ouais, confonds. c'est ça, Tetsuo, ouais. Au niveau de l'univers, je voulais revenir sur un truc. Tu disais Tolkien, Trop c'est le tard, t'as premier. plus de temps. Otomo. Ah Ah, merde, je rigole, Otomo. vas-y, reviens. Fini, 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 tranquille, fini, fini. Premier à aborder tout, mais Tolkien, faut savoir que même lui, il l'avait dit dans le film sur lui, qu'il a beaucoup, il s'est beaucoup inspiré de l'Edda, hein, des écritures de l'Edda C'est qui et de la Leda? mythologie nordique. Je Non, connais c'est pas. le recueil de la mythologie nordique avec le Ragnarok, tout ça et tout. Et son univers, il est pas mal pompé sur celui de la mythologie nordique, hein. Le Ragnarok, c'est aussi Merci. la bataille du Seigneur des Anneaux quand Non, tu non, non. regardes. Attends, 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 attends. Parce que, Merci. premièrement, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que personne n'invente de zéro. Ce que tu écris, c'est la reproduction de ce que tu as aimé. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait une J.K. Rowling. Attention à ça, John. Des Non, raccourcis, c'est doucement. attends, c'est rien. Il a Des peut-être fait une raccourcis. carolie. Non, Ouais, le premier à avoir inventé tout ça, l'Edda, c'est lui. voilà. Peut-être le premier à l'avoir mis sous forme de roman, on va dire. Avec aussi, il y avait, faut pas oublier, Robert E. Howard, à la même époque, qui est l'écrivain de Conan le Barbare, qui lui aussi mettait des dragons, plein de monstres mythologiques qui étaient repris de l'Edda dans ses écrits. Donc Tolkien, il n'était pas tout seul. Il était plus ou moins à la même époque que Robert E. Howard. Et il reprenait aussi des écrits de l'Edda, beaucoup. Et La alors, prochaine rien fois, inventé, merci. en fait, ce qui me fait rire avec ça, c'est que quand je dis un truc, John, il est en mode source. Quand Logan Bah dit lui, un il a dit truc. le biopic de Tolkien. C'est quoi, c'est un film? Ouais, il y a C'est un quoi? film. Il y a un film, bah, Bah, c'est Tolkien, je crois, ça un s'appelle juste. documentaire? Non, c'est un film sur lui où ça retrace et tout. Ah, les films souvent trop romancés, un doc, ça aurait peut-être été plus sérieux. Ouais, mais même l'Edda, ça date de l'époque des Vikings. Tu peux te dire que bah c'était pas le premier de toute façon. Et quand tu regardes le mec de Conan le Barbare, c'était plus ou moins la même époque. Donc On l'entend. ça correspond. Alors que George Lucas, oui, il avait des inspirations, mais quand même son univers, lui, tout ce qui sortait de sa tête, le truc des sabres laser, des Jedi avec les pouvoirs, Samouraï. c'était quand même poussé. Il n'y avait pas, surtout à Tu te cette fous de la époque-là. gueule, tu te fous de ma gueule. George Lucas qui a Il y a dit, ouais, Star moi je Trek, me tout suis... ça. Putain, mais tu te fous de ma gueule de ouf. Non, c'était Donc, Flash non, Gordon. non, non, non. Quand t'as... parce que là, je suis en train de le regarder, ton putain d'article. Hein. Quand t'as des gens qui disent... Après, je sais pas comment on prononce ça. C'est pas mon article, hein. Non, non, quand je dis ton article, c'est une façon de parler. Quand t'as des gens qui sont là, qui disent... Oui, mais dans la mythologie nordique, il y avait deux épées brisées qui ont été reforgées. Et dans le truc de Tolkien, il y a une épée brisée qui a été reforgée. Bizarre. Wesh, t'es sérieux là?
Non, mais moi, c'est pas pour ça. Ah, tu détournes mes propos de ouf. Moi, non, mais là, il fait exprès. Non, non, non. Il essaie, non, là, non, là, non, là, non, non, non. Il fait exprès de prendre des trucs. Là, je te vise, toi, John. On verra ça. Là, c'est John que je vise. Non, non, Logan. Faut qu'on passe à quelqu'un d'autre vite. Il y avait un anneau du pouvoir qui donnait des pouvoirs. Je dis, au niveau des univers, il y avait des similitudes de ouf. Je dis, il y avait des. C'est pas Tolkien qui a inventé les ailes. Tu parles des. Tu parles des anneaux sous le ciel ou je sais pas quoi, là. Non, moi, je dis. C'est pas Tolkien qui a inventé, parce que John il disait ça, mais moi je dis, enfin vous disiez ça avec John, mais moi je dis c'est pas Tolkien qui a inventé les nains, les elfes, les orcs. Non, 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 moi non, j'ai non. pas dit ça, non, moi non, c'est non. qui a dit ça. Non, 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 non. Tolkien c'est lui qui a codifié tout ce délire. C'est lui qui a codifié tout ce délire. C'est-à-dire codifié c'est... Le délire, les elfes de, dans la forêt mon cul, le délire, les elfes noirs, les machins, Tolkien il a codifié toute lui, cette hein. merde. Non, il s'est lui. Peut-être inspiré. Il s'est peut-être inspiré par-ci, par-là, d'un truc ou je sais pas quoi, mais Tolkien, il a codifié toute cette merde. Ça, codifié, ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis codifié. Là, t'as dit, en gros, non, celui qui a dit les elfes sont dans la forêt, c'est ça? En gros, pour caricaturer, en gros. Mais ça, non. Ouais, c'est pas lui. Il y a aussi dans la mythologie nordique. C'est pas lui, c'est faux. Le royaume des elfes blancs, c'est plus, c'est Elfheim. T'avais le royaume des elfes noirs, où c'est plus ou moins les orques. Elfheim, tu parles du royaume des morts, là? Non. Il y avait ça aussi, mais il y avait plusieurs royaumes, mais c'était codifié. Ah, bref, c'est pas le débat, on reviendra là-dessus. Ok. On reviendra là-dessus, le gars, en tout cas, merci. Voilà. Là, on va prendre les autres. Allez, à plus. Ouais, à plus. Allez, on va chier avec Wello. Tac, 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 tu reviens quand tu veux. C'est pas Wello, c'est Jika. Jika. Et tac, 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 bienvenue Nanashi qui a dit quoi? Une diff pour Logan, pour son nez Eda Osef. Non, non, mais cette Zumba-là, va falloir la démystifier parce que... En fait, le problème avec John, c'est que ça va rester dans sa tête. Ah oui, et... non, mais c'est bon. C'est... Je sais, non, je sais, ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est pas pour Logan que je dis ça, c'est pour toi. JK, comment ça va? Ça va, et vous? Ça fait trop longtemps que j'entends cette Zumba. Super, hein. Et... Avant de commencer ta génération, on t'écoute? Alors, génération 91, et moi, ça va être Star Wars, hein, même si j'aime beaucoup Seigneur des Anneaux. Pas de soucis. Il est où mon crayon? Là. Ouais, le j'ai noté. Ah, le héros, bah Star Wars. Ok. Les persos secondaires. Ça aurait pu jouer, mais ça va être Star Wars. Méchant. Star Wars. Scénario. Star Wars. Univers. Assez dur, hein. Mais ça va être Star Wars. Succès. Ah, Star Wars. Pourquoi t'as pas dit je donne tout à Star Wars? C'était juste pour voir, c'était juste pour voir ta grimace, tu vois. Parce que j'ai vu ta grimace, je savais que t'allais en faire une. Ah, ça me fume. Vas-y, on t'écoute. Que dire? Bah déjà au niveau du perso principal, on va dire que déjà Anakin est moins chiant à suivre que Frodon, quoi. Déjà ça. Après, c'est surtout qu'au niveau des films des Seigneurs des Anneaux, je trouve qu'au niveau du dynamisme, c'est long et on peut vite se décrocher du truc, en fait, c'est pour ça. Je trouve que le rythme dans les Star Wars, il est beaucoup mieux. Donc je peux comprendre quand il y a certains gens qui disent qu'ils sont dormis devant les films. Ils font 4 heures. Ça explose plus dans Star Wars, en gros. Ouais, c'est ça. Et puis dans Star Wars, on n'en parle pas beaucoup, mais... Il y a aussi des combats spatiaux, quoi. Enfin, c'est quand même une grosse partie dans les Star Wars. Dans les vaisseaux, ouais. Une grosse partie... Ah bah oui. Déjà dans le 1... Tac, 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 tac. Ouais, quand même, si, quand même. Il y a beaucoup de voyages spatiaux, il y a beaucoup de combats. Ah, dans le 1, dans... Les voyages... C'est dans le 4, tu veux dire, dans le 4. Les combats dans les vaisseaux, oui, je l'entends. Comment? Les combats dans les vaisseaux, il y en a quelques-uns, je l'entends. Ouais, dans le 4... Parce que dans le 4, il n'y a pas un seul sabre. Nous, on était en mode. Tout début, souviens-toi, quand on a fait la revue des 4, 5, 6, on était en mode. Putain, les Jedi, vous êtes où? Les combats de sable, c'est où? Mais parce que c'est dans la prélogie que les Jedi, là, vu que c'est là qu'on les voit plus, c'est normal. Quoi. Mais tu dis, c'est quoi? Ils servent à quoi, les Jedi? Ouais, et puis les chorégraphies, on va dire, les chorégraphies des combats, enfin, on va dire dans la prélogie en tout cas. Ça met quand même une pile au combat, on va dire, à l'épée dans les Seigneurs des Anneaux. Il y a des trucs stylés dans les Seigneurs des Anneaux, c'est vrai. Ce qui est stylé, c'est quand avec leur sabre,
ils renvoient les rayons, tout ça. Bon, j'avoue que c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. Quand ils font leur chorégraphie avec leur sable, des petits saltos par-ci par-là. Ouais, non, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Faut tourner le truc. C'est stylé, c'est stylé. En tout cas, avec Dark Maul, il avait marqué à l'époque. Quand il se tape deux Jedi en même temps, quoi, Gwenjin et Obi-Wan. Avec son double sable, ouais. Non, c'est stylé. Donc ouais, j'ai mis tous les points à Star Wars. C'est vrai, j'aurais pu le dire dès le début, mais bon, je voulais juste voir ta grimace. Pas de soucis, y a pas de soucis. Je suis pas un trolleur, hein, parce que ça dit, ouais, tous ceux qui ont mis les points à Star Wars et tout, ceux du chat, c'est des trolleurs. Non. Dans le chat, y en a beaucoup aussi, je vais pas te mentir. Mais je peux entendre que tout le monde mette les 6 points, même si c'est des avis catastrophiques. Mais t'as le droit d'avoir un avis catastrophique, JK, y a pas de soucis. Ça me piquait. Écoute-le pas, JK. Je sais très bien. Chacun a le droit d'avoir son avis, qu'il soit bon ou mauvais. Tu as le droit. Les goûts de roi, JK, tout ce que j'aime. Tu as le droit. Ah. Dans ma tête, moi, j'étais au même niveau que John, donc pas de soucis. C'est-à-dire très haut. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, je peux si, dire la si, même chose de ceux qui ont mis Naruto en mode « Oh putain Tic-tac hein, !» Ce jour-là, c'est la même chose. Rendez-vous au Smoke Show pour Naruto. Rendez-vous au Smoke Show. Il n'y a pas de problème s'il va juste en incroyable. Moi, ça et en plus, Naruto, il n'était pas en... Il n'a pas fini en « Oh putain », il a fini en... Oui. Ça passe. Oui, parce que c'était un troll, ça. C'était un troll, mais il mérite d'aller juste en incroyable. Ça passe. Si. Rendez-vous au Smoke Show. Enfin bref, les gars, on s'égare. Ce sera le premier point du Smoke Show. C'est moi qui vais l'aborder. Ah, t'inquiète pas. C'est très bien, très bien. On va passer une bonne soirée. John, soigne-toi bien surtout. J'espère que ça va aller mieux. Ouais, ça va mieux en mieux. Sa petite grippette qu'il met en PLS. Ah, j'étais vraiment en PLS. Après, moi, je suis un vieillard maintenant. La grippe, ça peut être fatale. Profitez de John pendant qu'il est là. Vite, faut le pépon maintenant. Star Wars. Profitez-en. Faudrait qu'il voie la fin de One Piece quand même. Ouais, bon. Avec Oda, là. C'est même pas un truc. Je m'en balais. C'est vraiment genre. Ah, mais à ce point-là. Je verrai pas la fin de One Piece. Fais chier. Non, je vais vraiment battre tes couilles. Allez, je vous laisse. Allez, je vais quand tu veux. Passe une bonne soirée. Pourtant, c'est vrai, c'est quelques années, c'est vrai que ça m'aurait dit « Oh putain, la fin de moi, là, c'est vraiment… » Si tu l'as, tu l'as, sinon… Bon, rien à foutre. L'univers et les méchants, je donne un Seigneur des Anneaux. Tu devrais donner plus, Tanjiro, mais bon, c'est déjà pas mal. QBT, allô. Allô, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, hein. Avant de commencer, bah, Génération, on t'écoute, hein. Ah, 2001 et Seigneur des Anneaux, hein. Ok. Seigneur des Anneaux, Star Wars, je trouve ça. Il y a deux films de bien dans toute la saga, je suis désolé. Le retour du Jedi et la revanche des Sith. Le reste, Jedi, c'est de la... le 6. C'est le 6 avec les Ewoks. La revanche des Sith, c'est le 3 ou ouais, le 2 c'est le 3. Le 3. Ah, c'est le 3ème. Non, le deuxième, on souffle. Les trois quarts du film, c'est Anakin et sa meuf dans la prairie, là, c'est le souffle. Ok. Non, je suis désolé. Non, c'est dans des anneaux 10 000 fois. Le héros. Alors, le héros. Alors, je vais dire Frodon et je vais dire pourquoi Frodon. Bon, j'aurais pu dire Aragorn, etc. Mais c'est trop facile. Frodon, parce que déjà, le mec. Bah, Aragorn, c'est pas lui l'héros. Hein. Ouais, non. Bon, il y a plusieurs héros en vrai. Tu suis. Personnage principal, en fait, on dit héros, mais on veut pas de temps. Ouais, ouais, ben, Frodon. Ouais, je vais dire Frodon parce que déjà, le mec fait 1m20. Il est tout cuss, il a pas de pouvoir, il sait pas se battre. Mais il y va. Il va au culot. Tu vois? Ouais, d'accord. Ça, c'est quand tu dis ça, t'as l'impression que Frodon il est là, il va se battre contre le Balrog comme ça. Eh, ramène-toi au culot. C'est pas ça là. Non, mais quand même, il supporte l'anneau. Il supporte là, l'anneau, mais je suis désolé. Il a l'anneau, il est protégez-moi. Mais attends, il parcourt. Wesh, il se promène pendant 3 semaines avec un truc. Ouais, il se promène. Bah non, je suis désolé. Il se promène pendant 3 semaines. Mais Anakin, il fait quoi? Anakin, il chiale parce que ça raclée. Il chiale pour une raclée, Anakin. Oui, mais ils vont te dire non. C'est son dialogue. Mais comment ça, non? Il faut arrêter. Bien sûr, tu chiales pour ta raclée. La mère de tes enfants, genre, tu chiales pas. Non, mais faut arrêter. Toi, tu chiales pas pour ta femme? Non, mais bien sûr. Attends. Bien non, sûr, non, tu non, chiales non. pas ou bien sûr, tu chiales. Dis-le. Non. Tu chiales, oui, non. Bien sûr qu'il chiale. Non, mais ça dépend le contexte. Ça dépend, c'est pas pareil. Là, on parle d'un film. Non, mais c'est pour ta femme. Non, mais. Mais là, c'est pas la question. Bien sûr, tu vas chialer. Oui, mais évidemment. Évidemment, ça, voilà, évidemment. Il a dit qu'il allait pleurer. Il a dit qu'il pleure.
C'est bon, on a enregistré. Pas de soucis, tu as le droit. Edward, comment j'assume. Non, il n'y a pas de soucis, il faut exprimer tes sentiments. Il faut exprimer, j'assume. Non, il n'y a pas de soucis, Je pourrais, oui. Voilà, mais au pire, reproche pas ça. Non, mais voilà, mais sinon, c'est dans un an mille fois, même, je veux dire, au niveau des batailles. Il graille, Seigneur des Anneaux, la bataille du gouffre de Helm, la bataille avec les Ents qui vont attaquer Saruman et tout. Est-ce qu'il y a ça dans Seigneur des Anneaux? Non. Il ne sortait pas les combats Obi-Wan vs Grievous. Star Wars, tu veux dire. Oui, voilà, ouais, dans Star Wars. Obi-Wan vs Grievous, c'est quoi ce combat? Grievous, il fait des moulinets, c'est tout. Faut arrêter. C'était tard, moi, j'ai pas aimé ce combat. Non, mais quel combat? Le combat, il était pas mal, mais c'était aux F. Grievous en soi, il est aux F. Je suis désolé, non, mais les combats. Ouais, Grievous, il était un peu aux F, mais j'ai bien aimé. Avec tous ces sables, il était stylé. Non, mais c'est des pirouettes, c'est de la capoeira, les combats de Star Wars. C'est des chorégraphies, je suis désolé. J'entends. Ah, c'est des chorégraphies éclatées. Alors, Seigneur des Anneaux, c'est, vas-y, des batailles épiques. Il y a des éléphants, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a des éléphants de 10 mètres de haut. Star Wars, c'est quoi? C'est des maquettes qui se balancent des piou-piou. Non, je suis désolé, faut arrêter. Faut arrêter la Zumba. Même la dimension épique, elle est meilleure dans Seigneur des Anneaux, je suis désolé. C'est parce que l'échelle est plus petite, donc les choses te paraissent plus grosses. C'est mieux fait, tout simplement. Ouais, mais je sais pas, mais vas-y, Palpatine, je le trouve éclaté. Dark Vador, il pue sa race. Voilà, ce qui carry Dark Vador, c'est sa musique, voilà, son theme song. Parce qu'en soi, je suis désolé, il est claqué, vraiment. Non, bref, pour moi, Star Wars, c'est une fraude. Waouh. C'est une fraude, t'es dur, mais je non, vois mais ce que tu veux dire. Réellement, je suis désolé. Le 1, les 3 quarts, c'est une course de voiture, on s'en bat les couilles. Le 2, les 3 quarts. Vas-y, il est dans les champs avec sa meuf. Bon, il y a le truc des clones, mais bon, c'est vrai pas que le 1 sur cette putain de planète, c'était long. Putain, quand les petits, c'est long. C'est long. Le 4-5, j'en parle même pas. Ouais, j'avais tiré. Le 1, le début, c'était long. Vraiment, le 4-5, j'en parle même pas. Je souffle, c'est super long. Non, c'est trop. C'est trop. Voilà, bon, tout ça pour dire que pour moi, SDA soulève de très loin Star Wars. Non, y a pas on l'entend. On entend ton avis, voilà. T'as un goût très très frauduleux, mais on l'entend. Mais non, en tout cas, merci. Et comme la deuxième personne a dit SDA. La troisième, comme il fait souvent un QBT. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Ah bon. Tu reviens quand tu veux. Oh bordel. Allez, à plus. Salut. Et nous, on enchaîne avec Willow. Willow, allô. Allô. Comment est-ce? Très bien, et vous? Ça va super, hein. Avant de commencer, Génération, on t'écoute. Donc, Génération 95, et moi, j'ai pas de parti pris, hein, particulièrement entre les deux, mais je dirais quand même, si je choisis la meilleure saga de film, ça reste Seigneur des Anneaux. Ok, on t'écoute. On t'écoute. Donc, tous les points par point, non? Ouais, héros. Donc, héros, donc du coup, héros de Star Wars. Ah, pareil, okay. Bien sûr. Personnage secondaire. Star Wars. Ok. Méchant. Non, je vais pas faire comme. J'ai jamais vu personne dire oh, Rey, vraiment incroyable. Non, elle est relou. Kylo Ren, incroyable. Tout le monde les déteste. Non, elle est relou. C'était méchant, ça. Après méchant, oui, excuse-moi. Oui, du coup, Star Wars, du coup. Mm-hmm. Scénario. Scénario Star Wars. C'est pas logique. Comment tu peux dire Seigneur des Anneaux, mais t'as 4 points? Non, mais tu mets. Globalement, le film est meilleur. Après, tu prends point par point ces points-là. Star Wars est meilleur. Ok, vas-y. Univers. Univers Seigneur des Anneaux. Et succès. Succès Star Wars. Ok, on t'écoute. Mais il y a 5-1 pour Star Wars. Hein. Donc justifie-nous ton Seigneur des Anneaux. Bah, le succès Seigneur des Anneaux, de toute façon, ça repose pas sur Frodon ou Sauron, tu vois. Attends, toi, t'as pas dit Star Wars, t'as dit Seigneur des Anneaux? J'ai dit Seigneur des Anneaux, oui. Il a dit Seigneur des Anneaux. Oh, t'es pas sérieux. Sur les 3 films, c'est quasi parfait. Star Wars, désolé, t'as beaucoup de films, tu souffles. Ça, quel film c'est quasi parfait? De Seigneur des Anneaux, je parle. Les 3, okay. La trilogie originale. Okay. Le Hobbit, c'est moins bien. Tu souffles plus sur le Hobbit, tu vois. Okay. Mais oui, Star Wars. En plus, j'exclus 7-8-9. Hein, pour ceux qui vont parler 7-8-9, je les exclus du ça jugement. Compte, si ça compte, ça compte. Ça compte, justement. Ça compte. Ça compte. Alors là, ça baisse. Mais même si je les comptais pas, on va dire, je dirais comme Seigneur des Anneaux est meilleur, tu vois. Okay. Et donc, moi, je pose une question à tout le monde qui arrête pas de dire Star Wars dans le chat, etc., qui viennent défendre Star Wars. Mm-hmm. Est-ce que vous défendez les films Star Wars ou est-ce que vous défendez ce que vous auriez aimé voir dans Star Wars? Est-ce que vous n'êtes pas, bon, je vais pas dire piou-piou comme Kikou, mais pour tu peux le dire, c'est vraiment.
les films que vous avez aimés, est-ce que vous, c'est, et pourquoi vous, à chaque fois vous venez, vous vous disiez, vous dites, ouais, l'univers est tendu. Tu peux le dire parce qu'il y a aussi la partie où les gens, ils ont vu les séries, les gens ont joué aux jeux vidéo, les gens ont vu peut-être des comics, etc. Tout ça, ça joue de ouf, de ouf, de ouf. Et je vais pas te mentir, par exemple, un gros, gros palmarès de Dark Vador, c'est dans les jeux vidéo, tu vois. Et oui. Les gens, implicitement, ils associent ça à Star Wars, tu vois, donc au film, je veux dire. Donc forcément, ça joue. Hein. Non, mais ça, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, ils disent oui, oh, on aimerait trop des trucs comme Clone Wars, on aimerait trop Mandalorian, oh là là, enfin un truc bien. Et même, tu sais, le jeu Hogwarts Legacy, c'est un truc de fou. Je voyais carrément des fans de Star Wars, disaient, putain, pourquoi on n'a pas ça à nous? Oui, le jeu Harry Potter, là, oui. Après, il oui, y a plein de trucs qui sont bien dans Star Wars. Il y a le pouvoir de la Force. Bah, les deux pour la Force aussi. Bah, même Fallen Order est pas mal. Hein. Oui, il est pas mal, j'ai joué, il est sympa. Après, il y a Battlefront, je crois. Ouais, ça, en plus, c'est en ligne tout ça. Voilà. Donc, et mais voilà, mais après, ils auraient voulu, tu vois, eux, ils auraient vraiment voulu un jeu, putain, open world. En fait, ils auraient aimé, par exemple, un truc comme Mass Effect. Mass Effect, par exemple, explose Star Wars en termes de ce que ça propose, tu vois, par exemple. Ouais, et, t'inquiète, de toute façon, on va en parler des jeux vidéo à un moment, parce que c'est un gros, gros, gros point. Il faut qu'on aborde ça, parce que les jeux vidéo Star Wars, c'est une dinguerie. Donc, et t'inquiète. Il y a un autre truc aussi, c'est que, bon, moi, je suis plutôt un fan de la prélogie, pour le coup. Donc mm-hmm. le 1, 2, 3, plus que... Même si, pas... si je te fais un classement, je te dirais par exemple que mon préféré c'est le 3, ensuite c'est le 5, ensuite ça doit être le 2, puis le 4, puis le 6, puis le 1, tu vois. 3, 5, 2, 4, 6, 3, ouais, un truc 5, dans le genre. 2, 4, 6, ok, je vois. Tu vois, par exemple le 6, quand t'as les Ewoks, tu souffles, c'est vraiment long et chiant. Cette partie, elle est très très longue. Très très lent, tu vois. Les Retour du Jedi, tout le monde a aimé. Pourquoi? C'est ça, la fin en fait. La fin d'Arc Vador et Palpatine, etc. Le 5 était vraiment incroyable, même pour l'époque. Tu vois, ça, c'est le film qui a le moins vieilli des 3 pour moi. Mm-hmm. Le 4, c'est, on va dire, un truc vraiment qui pose le décor, tu vois. Le 3, c'est une masterclass, il n'y a rien à dire. Le 2, ça va. Franchement, sympathique, les clones, la bataille, la fin, le codicé. Et le 1, voilà, le 1 a un peu les mêmes problèmes que le 6, tu vois, Jar Jar Binks. C'est long, ces trucs, c'est chiant, donc. Voilà, tu vois, il y a Dark Maul qui sauve un peu pour les gens, mais voilà, c'est. Mais voilà, la prélogie, tu vois, les gens sont pleins. Déjà, les gens. Ah bah, ce que j'ai pas aimé, c'est que même des gens de ma génération, tu vois, ils faisaient les élitistes, tu vois, comme des gens qui avaient vécu dans les années 70 en disant c'est pas ça la vraie trilogie. Le 1, 2, 3, on souffle. Ça, c'est un débat, je vais pas te mentir, qu'on a eu dans... Je sais pas si tu étais là ou si tu as vu la rediff. Mais ça, c'est un débat qu'on a eu quand on a parlé au cas par cas des trois trilogies. Mm-hmm. Et c'est exactement ce qu'on dit. Voilà. C'est... Et moi, sur la trilogie, soit les mecs, ils se sont arrêtés à la menace fantôme, qui aura fortement... Soit c'est le truc d'Anakin, les Jérémia d'Anakin. Et moi, j'ai trouvé intéressant le personnage d'Anakin. Même si ça devient répétitif. Ouais, je suis mort. Qui pleurniche et tout, tu vois. Mais il est très intéressant en termes de ce qu'il ouais. apporte dans le... Ou alors, les gens sont fâchés comme toi. J'sais je pas fous, quoi, merde, les gens ont tort. Mais pourquoi ils nous racontent ça? C'est pas toi qui disais, les gens sont des cons. C'est vrai. Non, les gens, ils sont... Les gens, ils sont en mode tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais est-ce que t'as un mot de la fin, Willow? Il nous raconte sa vie, je suis mort. Quoi, t'as raconté quoi? Oui, ils sont mauvais comme ça, ici. T'as un mot de la fin. Les gens, le chat, sont durs. Les gens sont durs. Le mot de la fin, les gens... désolé, hein, mais c'est comme ça, Star Wars n'a pas été aussi bien exploité que Seigneur des Anneaux. Je n'arrête de faire qu'on laisse le parler. Excuse-moi, Willow, continue. Star Wars n'a pas été aussi exploité que Seigneur des Anneaux. Vas-y, on t'écoute. Voilà, j'y peux rien, désolé. Après, Star Wars, c'est en termes de série que c'est exploité. Tu vois, c'est pas en termes de... Mais par exemple, tu vois, la série Obi-Wan, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. J'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire. Non, on va en parler, nous aussi. Ils vont faire de la merde et tu le sais, on le sait tous. Mais on va voir quand même. On verra. On va l'avoir. Bien sûr que ça va être de la merde, tu t'attends à quoi avec Disney. Mais on va regarder, bien évidemment. Je pas on va voir. Mais ce sera de la merde. Ah, je suis mort. On verra. En tout cas, Willow, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. À plus, Willow. Vas-y, bonne soirée. Et n'oublie pas que tout un bleu mucho, hein, son... prochaine fois. T'es con. Ah, c'est vrai, ils sont cons. Tu reviens quand tu veux, Willow. Les chiens sont trop cons. Tu passes une bonne soirée.
Et nous, on enchaîne avec ironique. Quand je suis venu. Ça me fume. C'est encore moins. Oui, j'ai vu quand t'es venu, t'as vu les gens dans le chat en train de dire tic-tac, ils parlent beaucoup. Ah, c'est encore lui, en vrai. Les gens sont cons. Mais pourquoi il raconte sa vie? Ah, les gens sont cons. Comment est-ce, ironique? Ironique, comment ça va? La forme, hein. Avant de commencer, génération, on t'écoute. Bon, ben moi, génération 90, c'est. Je suis là pour le Seigneur des Anneaux, évidemment. Hein. Vas-y, on t'écoute. Le héros. Le héros, Frodon. Pour moi, il n'y a même pas débat. Je compare ça à l'autre Dark Sasuke, là, je souffle. Mm-hmm. De côté, tu as un mec qui sort de la campagne, un petit nain avec des grands pieds qui sort de la campagne, qui traverse le monde. Il a dit, il est team quoi Seigneur des Anneaux. Attends, il a dit que t'étais pas fan de Star Wars, toi? Bah, absolument pas. T'es sûr? Sûr? Quand on avait fait les trucs sur Star Wars, t'étais pas en mode, ouais, si, Star Wars, t'as... Mais j'étais là sur aucun des lives de Star Wars, frère. Ah, ben non, bah, autant pour moi. Ouais. Ok. Tu as vu les films ironiques? De quoi? Tu as vu les films Star Wars? Oui, j'ai vu les films. J'ai pas vu la fin de. Comment ça s'appelle? Les deux derniers, là, qui sont sortis. 8-9. Le. Okay. Mais sinon, j'ai vu les autres. Vas-y, on t'écoute. J'ai même vu certaines séries, c'est pour te dire. J'ai vu Clone Wars et tout. Bref. Vas-y, on t'écoute. Apparemment, Clone Wars, c'est pas mal. Ah non, c'était sympa. Oh, c'est sympa. Ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, t'as Frodon, qui est un petit gamin dans sa petite campagne, etc. La créature, comme ils disent, la créature la plus insignifiante du monde, qui arrive au bout de sa quête et qui fait s'agenouiller devant lui, tous les peuples du Gondor, tous les peuples de la Terre devant lui, le petit nain là, et tu veux me comparer à la fin, ça, c'est vrai. Tu mets à genoux devant lui? Si, si, à la fin du Retour du Roi, ils s'agenouillent tous devant lui. Si. Tous. Alors sont, que la scène est incroyable. Alors qu'ils devraient tous être à genoux devant Gollum. Putain, quelle imposture, il a pas honte. Rentre pas dans ça, ironique. C'est scandaleux. Continue, ironique. Rentre pas dans ça. Ensuite, c'est quoi les autres critères? Les personnages secondaires. Aragorn, Gimli, Legolas, Eowyn, Théoden, Galadriel. Frère, c'est quoi la suite? C'est quoi les autres critères? Le méchant. Le méchant. Ah, attends. T'as Sauron. Sauron, qui, par sa ruse, a mis en PLS toutes les races de l'humanité, frérot. Juste par sa ruse. Il a mis tout le monde en PLS. Il a niqué tout le monde. Des plus puissants aux plus faibles. Juste par sa ruse. Les gars, ils se chient tellement dessus. Ils ont fait des alliances. Les elfes et les nains, ils se détestent. Ils ont été prêts à s'allier juste pour contrer le retour de l'œil. Le mec, c'est son œil, frère. Son petit œil comme ça, les gars, ils sont sûrs. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de dire les elfes et les nains, ils se détestent. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est un elfe et un nain qui dit on s'aime pas. Ils se détestent. Ils se détestent. On voit pas le background du pourquoi, du comment. On voit juste un nain et un elfe qui. Et alors. Ils se lancent des petites piques. Et alors, comme il a dit Kubo, pas besoin de faire des flashbacks pour expliquer ce que je veux. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Kubo. Non, mais ironique quand il dit ça, il se déteste comme si on avait tout un background où ils ont fait la guerre entre eux. Excuse-moi. Il dit quoi? On va s'allier. Attends. Non, mais moi, je ne vais même pas parler des livres, je reste dans les films. Ghibli, dit quoi? Personne ne peut faire confiance à un elfe. Il ne dit pas personne ne peut faire confiance à Legolas. Il s'en fout de Legolas. Il dit personne ne peut faire confiance à un elfe. Ensuite, il lui dit quoi? À la toute fin, il lui dit « J'aurais jamais pensé mourir à côté d'un elfe. » Legolas lui répond « Que diriez-vous de mourir à côté d'un ami ?» Et il dit « Oui, ça je peux. » Donc, tu sens qu'il y a une haine de Ghibli envers les elfes. Dès le début, tu sens que ça se taquine un peu, mais tu sens pas de la... Non, ça se taquine pas. Quand le mec, il est pris à tension, ça hache. C'est un petit point de détail, la haine, pas la haine. Scénario ironique. Scénario, mais le Seigneur des Anneaux, évidemment. Et d'ailleurs, le Seigneur des Anneaux, soit dit en passant, ça souffre de trucs énormes. C'est-à-dire que même avec trois films, qui sont au final la conclusion de quelque chose de beaucoup plus vaste et... En 3 heures, ils n'arrivent même pas à condenser tout ce qu'il y a dans les bouquins parce que le nombre de détails, le nombre d'histoires, le nombre de péripéties qui sont skip par rapport à ce que tu as dans les livres. Même avec ça, ça enterre vos histoires de rangers de l'espace. Non, mais comment ça se fait qu'avec autant de péripéties sur les autres livres, on se fait autant chier dans les films?
Tu te fais chier, frère. Non, non, tout le monde Faut pas se fait prendre ton chier. cas pour une généralité. Pourtant, c'est des films de 4 heures. C'est pas normal s'il y a des péripéties de ouf. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les films. On se fait chier. La bataille du gouffre de Helm, on se fait pas chier. La bataille des champions des morts, on se fait pas chier. Il y a une bataille, je crois, qui est sympathique dans le. La bataille de la Moria, on se fait pas chier. Ok? Moria, Helm, le gouffre de Helm, les champs de Pélénor, la Moria, on se fait pas chier. La bataille dans les bois, avant la séparation de la communauté de l'anneau, la bataille dans les bois avec Boromir qui meurt. My king, my friend, my captain, et toi, ouais, vas-y, bref, on se fait pas chier. Donc, vas-y, moi, j'entends, moi, j'entends ce que tu dis, ironique, mais il y a des mecs comme John ou comme KMP qui disent ironique, on souffle. Oh ben ils peuvent souffler, hein. C'est historiquement, ça fait partie des batailles les plus épiques de l'histoire du cinéma, frère. Ça a marqué la pop culture comme jamais. Aragorn qui se retourne avec la petite musique et qui dit pour Frodon. Vas-y. On rappellera que c'est Ronny qui décide ce qui est épique ou pas, qui fait l'historique. Ensuite, univers, merci épique. Univers. L'univers, bah évidemment, l'univers des Seigneurs des Anneaux. En 3 films, on a le temps de te montrer toutes les civilisations possibles et inimaginables. On te montre la civilisation des Elfes. Il n'y en avait pas tant que ça, dis donc. Comment ? Il n'y en avait pas tant que ça. Pas tant que ça ? On te montre les... Attends. Tu as la Moria. Vas-y. Tu as... Non, mais tu veux me lancer. Tu as la Moria. Ah, tu as les terres du Rohan. Tu as les terres du Gondor. Moi, j'ai pas vu les terres des nains. La Moria, c'était quoi ? Quoi, ça la Moria. Non, mais en fait, toi, ton problème, c'est que tu parles comme si moi j'étais un Kikou, Seigneur des Anneaux, tu me parles de la Moria, mais pour moi, je me dis, de quoi tu me parles? Les mines où il y a tous les cadavres des morts, de... même. Ouais, mais ça, c'est un. Ouais, c'est... Ah, donc c'est là où ils vivaient les nains. Moi, je pensais que c'était juste une mine où ils. Les nains, ça vit où? Mais j'en sais rien, moi, je me suis dit, ils vont charbonner dans les mines. Arrête de regarder les films en x2. Arrête de regarder les films en x2. Gimli, avant de rentrer à la Moria, il te dit, Gimli te dit, oui, on va, j'espère pouvoir être accueilli par mes frères, etc. Vous voyez, on va festoyer comme jamais. Mais mais pour moi, quand tu vas dans une mine, c'est pour taffer. Pour moi, c'est comme Blanche-Neige et les sept nains, ils vont à la mine, ils taffent. Après, ils ont leur petite maison dans la forêt, leur petite baraque à 2 balles, et ils vont là-bas. Donc, non, la Moria, c'est un royaume nain. C'est un royaume nain. Mais pourquoi c'est un traquenard, leur putain de mine Stop. T'as regardé le film? J'ai regardé le film. Mais il avait en poil. Tic-tac. Tic-tac. Allez. Tu vois, tu critiques des films que t'as même pas compris dans la sauce du film, frère. Non, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'en avais rien à foutre. C'est différent. Voilà, justement. Mais dis pas que c'est mauvais, juste t'en avais rien à foutre et du coup t'es passé au-dessus de plein de détails de scénario. Mais c'est que, parce que même quand tu m'expliques, je trouve ça toujours aussi nul. Ça m'intéresse toujours autant pas. Tu vois, je vais pas dire, ah ouais, putain, bah après, ça aurait changé la donne. Je vais réaliser, t'as des goûts de merde. Ça, c'est déjà notre débat. Explosé. Non, mais c'est toujours explosé. C'est notre débat. Là, on n'est pas là-dessus, mais en tout cas, en termes d'univers, absolument tout est développé. Et en plus, c'est encore tellement plus vaste. Il y a encore tellement plus de choses. Mais si on se concentre sur les films. Toutes les races, on te montre une ville, on te montre des coutumes, on te montre des us, t'as tout, t'as la politique, t'as tout. Donc l'univers est largement plus développé que celui de Star Wars, où tu vois à peine une planète, tout se passe sur Tatooine, on s'en bat les couilles. Bref, Pour finir, parce qu'il y a KMP qui envoie 2 balles pour dire « retourne, regardez Madoka », ironique, c'est bon, on dort, le succès. Alors, en termes de succès, encore une fois, je le donne au Seigneur des Anneaux. Je suis désolé. À partir du moment où tu me dis que l'auteur du Seigneur des Anneaux, ça, on l'appelle le père de la fantasy. Non, mais ça, c'est les livres. Attends. KMP, il a dit, prends je l'héritage donne 50 euros si Seigneur des Anneaux. Ironique, il va partir KMP, mais pas maintenant. Envoie l'argent. On t'écoute, Ironique. Quand tu prends l'héritage de ce qu'a laissé le Seigneur des Anneaux sur la pop culture... Star Wars, je dis pas que ça n'a rien fait, attention. Hein. Star Wars a inspiré beaucoup de trucs, mais je considère que l'héritage du Seigneur des Anneaux est beaucoup donne-moi plus vaste. Donne-moi un héritier en termes de film de Seigneur des Anneaux. Bah, le plus célèbre, GOT. La série Game of Thrones. Un film ? Ouais, c'est pas GOT. Un film. C'est une série. Mais après, stop. Pourquoi il faut forcément un héritier en film ? Bah, on parle de... On parle du film, Seigneur des Anneaux, oui. On parle du film. Donne-moi un héritier du film... d'un film Star Wars qui soit aussi un film. Moi j'ai jamais dit qu'il y avait ça, c'est lui qui a dit ça. Moi j'ai jamais dit qu'il y avait des trucs comme ça. Non mais pourquoi tu mets Moi j'ai jamais dit que c'était un film. Quand moi j'ai dit Star Wars,
C'est l'héritier, ça a donné la carrière à d'autres films. Mais pourquoi t'as posé un film? C'est lui qui a déjà, j'ai dit que c'était dans la pop culture, attention. Donc il ça comprend absolument. Il a pas dit film, hein. Game of Thrones, c'est une série, mais il a pas dit film. J'ai dit dans la pop culture, ça comprend les séries, les livres. Je suis désolé, l'impact de Seigneur des Anneaux, les enfants désolé, du Seigneur des Anneaux sont des beaucoup nombreux. Game of Thrones, ça n'a rien à voir. Frère, tu prends The Witcher et puis le Seigneur des Anneaux. Ironique. À un moment donné, si tu veux, mais conclu. John, quand l'auteur même, John, Harry Potter, J.K. Rowling, mais c'est une dinguerie. C'est la même chose. Non, arrête. John. Attends, excuse-moi. Quand les auteurs, les mecs qui écrivent, tu sais, les gars qui font les bouquins. Mais parle-moi pas des bouquins, tout le monde suce Tolkien dans les bouquins, on a compris ça. Moi, je te parle des films. Mais c'est ce que je te dis. Là, tu m'as dit Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ça n'a absolument rien à voir. Je peux pas me comment dire ça, ça n'a rien à voir. Même ma chaîne, l'auteur te dit qu'il a tout pompé sur le Seigneur des Anneaux et tu me dis ça n'a rien à voir. Il a pas dit qu'il a tout pompé, il a dit qu'il a essayé de créer un univers comme Tolkien a créé son univers. Parce que Tolkien, c'est la référence absolue, donc ça fait de lui un héritier des Seigneurs des Anneaux. Est-ce qu'il y a des putains de nains dans Game of Thrones? T'as vu des putains de nains dans Game of Thrones? C'est parce qu'il n'y a pas de nains que c'est pas un héritier, alors que même l'auteur te le dit. T'as vu des elfes dans Game of Thrones? Mais alors, on s'en bat les couilles, les nains! Il y a des putains, même tes Balrogs, il n'y en a pas, t'es conneries. Au bout d'un moment, faut arrêter votre Zumba. Bon, alors, au revoir, Ironique. En tout cas, merci. Sauf si t'as un mot de la fin, parce que là. Non, mais ils c'est pas fini, je reviens dans le smoke show. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe? Bon. Il y a Tyrion. Tyrion, c'est un nain, mais un nain de nain. C'est pas un nain des nains. Je suis mort. KMP, il a dit je fais des dons pour réduire le temps. Parole d'Ironique, les gars, là, s'il vous plaît, ça a sonné. Ah, calme. Tu reviens quand tu mot de la fin, attends, je t'ai omis. Mon mot de la fin, allez, c'est juste pour dire à Logan que par rapport à ce que tu disais, Kikou, t'as raison. Et que Logan, effectivement, par rapport à ce que tu disais sur Tolkien, etc., sur le fait qu'il a rien inventé, c'est faux. Je sais que c'est faux. Parce que. Non, toi, tu disais que c'était que Tolkien avait codifié. Logan disait que Tolkien n'avait rien inventé. Ce qu'il faut être plus précis que ça. Ce qu'il faut dire, c'est que Tolkien, il s'est inspiré de mythes, enfin, il a puisé dans de nombreux mythes et légendes scandinaves, germaniques, etc. Mais 100% des trucs que les gens... Il y a une phrase qui dit quoi? Qui dit écrire, c'est reproduire ce qu'on aime, ou il y a une connerie comme ça. Raconte-moi pas ta vie. D'accord, rappelle-moi ta source ironique, on leur discutera. Ouais, bon, ironique, viens avec. Il faut. Tu vois, avec source. Un lien. Je termine en une phrase. Une petite phrase. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que Tolkien, en ayant puisé, il a certes puisé dans des mythes et légendes. Ouais, c'est pas grave. Bon, au revoir. C'est chiant. Viens que t'as allez, je reviendrai au show. Tu reviens quand tu veux, Ironique. L'inventeur des dragons. Avec les sources aussi, vous m'avez énervé là. Oh, allez, salut. Pas de soucis. Dès que maintenant, quelqu'un fait un dragon, on dit c'est Tolkien qui a inventé les dragons. Non, personne n'a jamais dit ça. C'est lui qui n'avait pas ça dans les murs. Personne n'a jamais dit ça. Arrêtez avec ça. Personne n'a jamais dit ça. Ironique, tu reviens quand tu veux. Vous êtes des menteurs, bonne d'esprit. Passez une bonne soirée, Ironique. Je vous demande de vous arrêter, monsieur. C'est totalement fou. Allez, Ironique. Salut. Salut. Maintenant, on va dire les dieux égyptiens. C'est Tolkien. Les et dieux nous, grecs, on enchaîne avec Tolkien Odin. Aussi. Odin, allô, allô. Ça va. Allô, allô. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va super, hein. Super. Avant de commencer, Génération, on t'écoute. Seigneur des Anneaux ou Star Wars? 90, Seigneur des Anneaux. Ok, on t'écoute. Donc, c'était quoi les points, déjà? Le héros. Le héros, alors le héros, moi je le donne à Star Wars. Ok, les persos secondaires. Seigneur des Anneaux. Méchant. Méchant, je le donne à Seigneur des Anneaux. Ok. Scénario. Seigneur des Anneaux. Ok, ça va être 3. Univers. Seigneur des Anneaux. Ok, et succès. Seigneur des Anneaux. Vas-y, on t'écoute. Donc, bon, déjà, en termes de héros, j'avoue que moi, Frodon, franchement, il me saoule de ouf. Mais après, comme tu as plein d'histoires à côté, en fait, qui sont tous parallèles, moi, j'ai vraiment préféré, Seigneur des Anneaux. Mais en termes de héros, il est trop stylé, Anakin. Donc, bon, comme tu dis, c'est le flow. Après, ton perso secondaire...
Franchement, les deux, il y a beaucoup de flow. Mais en développement de perso, Star Wars, il n'y a rien. Il n'y a rien à part Obi-Wan. Donc, le point pour Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de débat pour moi. Ok. Après, il y avait quoi comme point? Le méchant. Le méchant, ah oui. Le méchant, franchement, Palpatine, j'ai jamais ressenti quelque chose, en fait, quand il apparaît sur rond. Même quand les deux petits nains, là, ils touchent une boule de cristal, là, qui pouvait après voir. Je sais plus si tu vois, c'est où. Oui, si, je vois. Sur ce moment, moi, je ressentais, en fait, que c'était chaud. Quand ils ont ramassé la mine dans... Donc, alors que Palpatine... Je sais plus où, là, ouais. Dans la forteresse, et qu'après, ils l'ont couvert vite avec un truc, là. Palpatine, voilà quoi, il n'y a rien, même si vous dites ordre 66. Non, c'est vraiment un truc de ouf ça. Oui, moi, je le maintiens, c'est un truc de ouf. C'est stylé, hein, mais. Il n'y a pas de frisson avec Palpatine. Ok. Après, il y a quoi d'autre? Bah, univers. Hein. Bon, l'univers, là pour moi, il n'y a pas de débat, hein. Seigneur des Anneaux, ça claque tout. Hein. Même Harry Potter. John, il va être fâché. Okay. Non, t'avais juste une petite pique, mais bon. Donc, et après, du coup, l'univers, il y a le succès. C'est ça. Donc, pour moi, le succès, c'est aussi Seigneur des Anneaux, parce que finalement, Star Wars, bah, comme disait Ironique, qu'est-ce que ça a inspiré finalement? Parce que. Les gens, ils ont dit Star Trek. C'est vrai ça? Non, Star Trek, c'est avant Star Wars. En fait, Star Wars s'est inspiré de Star Trek. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Okay. Donc, il y a quoi comme série inspirée de Star Trek, c'est 66. Et Star Wars, c'est combien? Star Trek, 66. Star Wars, c'est 77. Donc, Star Trek, en vrai, c'est... Star Wars, c'est une copie. Hein, donc, bon. Et donc, Star Wars, en fait... Sa mythologie reste sur sa mythologie. Donc, tout ce qui est Yoda, ça reste Star Wars, quoi. Alors que Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une inspiration. C'est ce que je veux dire. Okay. En gros, ils font des séries, mais les séries, c'est Star Wars. Ça reste du Star Wars. Seigneur des Anneaux, même les... Bon, on souffle, hein, mais les isekai et tout ça... Tic-tac. Tic-tac. Tu as blos mucho. On souffle vraiment. Blos mucho. Fini. Voilà, c'est retardés. Fini. T'as fait fini? Voilà, oui. Donc, t'as pas un Game of Thrones aussi, héritier de Star Wars, hein. Seigneur des Anneaux. Hein. Donc, non, déplaise à John. Y a pas de souci. Donc, voilà, c'est tout. Bah, vas-y, passe une bonne soirée. Allez, alors. Plus Oda. Allez, Oda, quand tu veux. Salut. Et nous, on enchaîne avec Ousmane. Ousmane, allô. Ousmane, 1-2-1-2, test. Allô. Comment ça va? Sans quoi déjà à parler espagnol? Ça va beaucoup. Fais pas attention à John qui fait le con. Génération, ensuite, on t'écoute. Ah, génération 2003. Du coup, matin, midi, soir, Star Wars. Hein. En fait, moi, je comprends même pas pourquoi il y a un débat ainsi. Voilà. Tu donnes les 6 points à Star Wars? Non, enfin... Héros. Héros Star Wars. Perso secondaire. Star Wars. Méchant. Star Wars. Scénario. Star Wars. Univers. Ouais, c'est... pour l'univers, ça, je donne ça à... Seigneur des Anneaux. J'ai même oublié votre bail. Pourquoi tu donnes l'univers? Donc, c'est-à-dire que l'univers de Star Wars, tu l'as encore plus oublié. Succès? Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que... Succès de Star Wars... succès, c'est Star Wars. Non, c'est parce que l'univers de Star Wars... Ils disent qu'il y a beaucoup de planètes, mais il n'y a que Tatooine, etc. Enfin, on n'explore pas assez d'autres planètes. Mais une petite bataille dans la neige, beaucoup de, ouais, c'est... de déserts. Oui, vraiment... nous on aime bien les piou-piou. Nous on aime bien les piou-piou. Tu as le droit. Hein, ouais, nous on aime bien les piou-piou, les chorégraphies. On aime bien. Et tu as le droit. On aime bien. On en demande. C'est ça.
Comme voilà, toi, t'aimes voilà. bien quand l'autre il sort son épée, fait en garde, c'est Napan. Voilà. T'as regardé tous les films. Exactement, exactement. Il est sur son chemin. T'as regardé tous les films. Hein? T'as regardé tous les films Star Wars? Oui. Jusqu'au, j'ai regardé tous. Vas-y, bah on t'écoute. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, je veux revenir au niveau des méchants. Mm-hmm. Les méchants dans Star Wars. Enfin, juste envie de dire que. Pour l'ordre 66, ça c'est un vrai bail. Même toi, t'as reconnu. Alors que votre bail là, c'est un doigt coupé, pouf, voilà. C'est ça le scénario ou pas? J'ai envie de te dire, va voir les filles, va voir le Kikucho Seigneur des Anneaux. Parce que ce que tu dis, c'est faux. Non. C'est totalement vrai. John, il s'est fait lâcher sur cela ici. J'ai pas compris même pourquoi. Voilà. Il s'est vraiment fait lâcher parce qu'il a été mauvais. On sait pas d'où il vient, mais il y a des questions. Quelles sont les réponses? Il faut livrer des livres. Je veux dire pourquoi. Tu vois ce que tu es en train de faire là? Comme il a dit KMP, merci pour les deux balles. KMP, il a dit suivez notre gourou John Coffey. C'est ce que tu es en train de faire. Non. Vas-y, suis-le. Non. C'est des mecs de bon sens. Non, c'est nul, le Seigneur des Anneaux. Je suis pas toujours d'accord avec Don, mais. T'as le droit d'être tout le temps d'accord avec moi, Ousmane, c'est pas un souci. T'as le droit de le suivre, Ousmane, te laisse pas influencer, c'est quoi ce délire? On ne pas dans ce genjutsu. Ousmane, si tu veux le suivre, suis-le. Non, je suis pas influencé. Bien évidemment que j'ai le droit de t'influencer. Non, je suis pas influencé. Enfin, je suis menteur dans mes choses, mais voilà. Chacun a ses opinions, mais. Chacun sur qui il veut. Je dirais pas ça. Je vais pas rentrer dans le game du sou. Exactement. Est-ce qu'ils sont gagnés du sou? T'es déjà dedans. Voilà. te laisse pas emporter par le muchas tiempo. Et ça tarde. Rapido, muchachos, rapido. Et bien, juste, bien vu à Fab pour le membre bronze. Bien vu. Bah oui, voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à ajouter, à part, voilà, quoi, bon live. Parce que Seigneur Dano, c'est une fraude. Exactement, c'est une fraude. J'ai pété un câble pour Harry Potter, j'ai pas compris pourquoi les gens ils faisaient ça. En fait, les gens, ils ont fait ça pour le troll, parce que c'est pas possible. Non, c'est pas pour le troll. Non, en fait, le problème, c'est que Harry Potter, les persos, ils sont pas badass. Ils sont pas arrogants, ils ont pas de jolis sabres laser. Ils ont des baguettes magiques de merde. Voilà, vous vous rendez compte que là, John, il est en train de dire que ce qu'il faut, c'est être badass avec des sabres laser. C'est ça que vous voulez. Des trucs oui, c'est pour ça que Star Wars, je savais que ça allait gagner. Parce que c'est beaucoup plus badass des sabres laser et des pistolets laser, qu'une épée et un poney. Vous en garde, chez Lapin. Okay. Donc là, oui, j'ai fait ça pour gagner. Si vous voulez. C'était une sorte de badassitude en vrai. Hein. Ok, c'est ça. Tic tac, ça va alors. En tout cas, merci Ousmane. Ok, bon live. Merci beaucoup. Je reviens quand tu veux. À la prochaine. À la prochaine, pour toi. Passe bonne soirée. Pourquoi je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Astaria qui est ici là? C'est un membre. Depuis quand tu surveilles? C'est moi qui accepte ou pas les gens? Non, mais est-ce qu'il est membre? Depuis quand tu surveilles? J'ai pas vu son membre lui. T'inquiète. Soran, allô, comment ça va? Allô les gars, ça va bien? Ça va, et toi? Bien vu KMP pour les deux balles. Ça va bien. Alors, Génération 97. Mm-hmm. Alors, c'est le pire choix parce que j'aime trop ces deux sagas, mais je pense que je vais me rallier à la team Star Wars. Quelle indignité. Oui, tu peux. C'est très dur pour moi aussi, mais bref. Alors, personnage principal. Hein? Non, le personnage principal, je vais prendre Star Wars parce que même si, en fait, Frodon, je l'aime bien, hein, mais il m'a fatigué, donc c'est pas possible. Après, c'est quoi méchant. Alors, je vais donner à Star Wars aussi parce que 66, c'est une dinguerie. Même si Sauron, c'est un patron, hein, ça, c'est pas une discussion à avoir. Ensuite, personnage secondaire, ça se tape de ouf. Mais celui-là, je vais le donner à SDA. Je vais le donner à SDA parce que je trouve que
les personnages secondaires dans Seigneur des Anneaux, quel que soit leur rang, il y en a un que j'ai kiffé. Alors que dans Star Wars, c'est surtout les Jedi et vas-y R2-D2 qui est une bonne mascotte, je trouve. Alors que là, les Jedi, il n'y a plus personne. Ouais. Ensuite, scénario. Alors, scénario, ça se tape aussi, mais je vais le donner à SDA pour principalement une raison. Et le jour où vous faites un live ou pourquoi Disney, c'est des fils de pute qui gâchent les licences, le 7, le 8 et le 9, c'est une honte. Voilà, on va être très clair là-dessus. Et le scénario est catastrophique. Et en fait, je me dis, avec un univers aussi riche que Star Wars, c'est bon, en fait, t'en as parlé pendant 6 films, pourquoi tu reviens sur les Skywalker, Palpatine, tout ça, enfin, on est fatigué, quoi. Donc, scénario SDA. Univers. Et univers, je vais le donner à Star Wars, parce que, franchement, et là aussi, ça se tape, hein, mais cet univers-là m'a mis plus d'étoiles dans les yeux que celui de Seigneur des Anneaux. Des C'est très, très étoiles, ça veut subjectif. dire des séries et des jeux vidéo? Non, 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 des étoiles en mode, putain, en fait, je pense, en fait, les deux, je les ai regardés quand j'étais gosse, et... L'univers de Star Wars m'a plus matrixé que celui de SDA. Même si SDA, élite univers, hein, mais Je c'est l'entends. vraiment de la subjectivité pure là, faut pas chercher C'est ton plus loin droit. que ça. Succès. Et succès, ben, Star Wars, hein, en vrai. Alors, pas si je dis une connerie, mais. Et là, franchement, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas. Mais c'est même pas eux qui ont poussé à fond et même, pas inventé, mais démocratisé le délire des goodies. Avec cette licence-là. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que George Lucas, il a dit, moi, je vous donne tous les droits et toutes les commissions, enfin, je vous donne tout, vous prenez tout le bif sur les films, et moi, je veux Ok, les 100% du jouets. bif sur les jouets. Et putain Marketing. qu'il a eu raison. Ouais, franchement, enfin, pour moi, c'est beaucoup trop gros La à ce 4 KMP. niveau-là. Donc, ouais, Bien se celui-là, passer. je le mets à Star Wars aussi. Donc, je crois que ça fait Tic-tac. 4-2. Et, Tic-tac. je vais finir quand même par dire que des trois de la Sainte Trinité des sagas de la pop culture, je trouve quand même que C'est quoi SDA, la saga, c'est la la plus trinité de maîtrisée. la pop culture pour toi? C'est quoi? Oh, pour moi, c'est Harry Potter, SDA et c'est Star Wars. Star Wars, Il y a c'est quoi? aussi, les gens, ils négligent ça souvent, mais il y a les Indiana Jones, hein. Pour moi, c'est une dinguerie, hein, les Indiana Ah Jones. Hein. oui, ah oui, ah Pour oui, ah moi, oui, ah c'est oui. une dinguerie, hein, les Indiana Jones. Hein. Indiana Jones, Ah putain. tous ceux qui sont nés après 2000, ils n'ont jamais regardé celle-là. Ouais, Ça ne c'est me pas ça de tes aussi. couilles. Tu penses? Non, quand même. C'est la Je pense majorité, que ils n'ont les gens, jamais ils ne regardé. connaissent pas, tu vois. Ça a mal vieilli, Pas ça ne joue culte quand pas même. comme Tu vois. avant, c'est pas... Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas regardés, mais Regarde-les, ça a mal c'est vieilli. trop culte. Non, C'est un mais truc de ouf, je comment connais, c'est je connais. culte. Hein. Mais Non, mais c'est trop. c'est aussi culte que Ah oui, facile, facile. Terminator, mais voilà. Ouais. Donc, ben voilà, les gars. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci, merci C'était Soran. rapide. En tout cas, passez une bonne soirée T'es et à la gentil. prochaine. Allez, Tu on reviens rappelle quand quand tu tu veux. veux. À plus. Salut, salut. Et ensuite, on enchaîne et on finit d'ailleurs Enchaîne, on avec finit avec. Freya. Putain, il y a Dabido qui est en attente. Merde. Du coup, vous prenez Davido ou quoi? Non, c'est bon, on te prend. Ouais, donc Vas-y. vite fait, parce que je suis vraiment KO. C'était vraiment ironique, il Noté. m'a donné la force là pour venir parce qu'il a raison. Donc moi, je suis plutôt SDA. Oh, c'est pour ça qu'il t'a Ah, fait venir alors que c'était fermé. moi, Et de base, alors? j'étais soutenue. J'étais la team Harry Potter, donc là, maintenant, c'est SDA. Donc, perso principal, c'est Anakin pour moi, du coup, en vue du flow. Personnage secondaire, c'est SDA. Univers, c'est SDA. Scénario, c'est SDA. Succès, c'est Star Wars. Et en méchant, en vrai, les deux, ils me saoulent. Hein. En Non, mais méchant, c'est ouvert tout le monde. Hein. Fiona, on Tu n'a vois? même pas sa voix. Il y a Tu scénario vois? aussi. Scénario, j'ai dit que c'était SDA. Tu Bah, allais il un t'en peu manque vite. un. T'as dit héros, perso En fait, secondaire, méchant, scénario. les méchants, je sais pas qui prendre. Hein. Parce qu'en fait, les deux, ils sont aux F, si tu veux. Donc, du coup, franchement, Quelle pour moi, ça aurait été sans indignité. les méchants, si tu veux. Comptabilise sans méchants. Bon, Ça fait ok. deux. Tu vois? Et succès. Succès, c'était Star Wars. Univers. Univers, c'était SDA. Ok, 3-2. Ok. Tu vois? On Voilà, va le donc c'est compter, tout pour moi. Et je pour le mec qui dit tic-tac, j'irai là, toi, en t'attendant le zoom, on veut te faire le show, là. crois, t'es sûr. Bon, allez, les gars, J'écoute ciao, pas. ciao. J'ai pas vu Il est mettre des coups dur. de pression. Rien, il est plus Ciao, bête d'écouter. bye, les gars, bonne soirée. Dans le Passez une prod. bonne soirée. Allez, t'es venu juste donner des points à Et SDA. Pas tout alors, elle a le compris. droit. Elle a le Pas tout droit. compris. Elle a le Du droit. coup, Viens, je suis sur toi l'honneur. quand tu veux. Comment ça va, Ciao, ciao. Dabido? Passez une bonne Oh, soirée. Allez, à tranquille, plus, hein. Bah, je vais essayer de Freya, faire reviens ça quand tu veux. rapide. Vas-y, on t'écoute. Kikou, Allez, tu peux me Dabido, on rappeler t'écoute. les critères sans rapidement? Le héros.
Héros, c'est Star Wars, vu que Frodo en souffle. Ouais. Perso secondaire. Secondaire, ça par contre, je Yoda, plus à... Maître Yoda. Perso secondaire. Ah, Obi-Wan Kenobi. Non, Obi-Wan quand même, je donne à Seigneur des Anneaux, les secondaires. C'est plus stylé, je trouve. Après. Méchant. Méchant, largement Star Wars, quand même, vous abusez. Votre méchant, il bouge pas, wesh. Scénario. Il bouge pas. Il regarde. Scénario. Scénario. Scénario Star Wars. Univers. Et univers Star Wars. Ouais, votre univers en souffle. Et succès. Succès. Succès Star Wars, vu que Seigneur des Anneaux, à l'époque, on entendait pas mal. Après, c'est plus Star Wars, je trouve, ça a pris le relais. Ouais, ouais, Star Wars, c'est. Star Wars, c'est années 70. Tu oublies que. Star Wars, il y a des films tous les 3-4 ans. Il y a des sagas qui sont... Enfin, j'exagère quand on dit ça, mais il y a eu 3 sagas en Star Wars, c'est normal. Ah, je crois que vous n'avez pas assez d'argent, c'est pour ça que vous n'avez plus de films, là. Vous n'avez plus rien. Non, non, non. C'est la question que je raconte. C'est simplement que... Il n'y a rien d'intéressant à raconter. Il n'y a rien à gratter, la preuve en fait, que si, parce qu'il y a la série qui va sortir là. Si, si, si. Non, non, mais même là, attends, on va voir si c'est intéressant. Non, on va voir. On va voir si c'est intéressant. Ils vont essayer de raconter un truc. Il y a un truc tous les 10 ans qui sort ou vite non, fait. Non, parce que maintenant, il faut savoir, ils sortent des trucs alors qu'ils ont. Par exemple, les 3 derniers Star Wars, ils n'avaient rien à raconter, c'est de la merde. Hein. Mais ils ont sorti parce que voilà, ça fait de l'argent, c'est des gros blasts. C'est un des anneaux, ils ont raconté. Il y a une base qui est les. Oui, mais c'est un des anneaux, oui, ça c'est différent. C'est quand c'est à la base. Ouais, non, c'est différent quand c'est à la base et quand c'est pour le marketing. C'est différent. Oh, mais... bah, au final, Seigneur des Anneaux, c'est très bien. Il y a. Ça va pas intéresser les gens, c'est ça le truc. Peut-être vite fait en jeu vidéo encore, mais. Oh. Ah, si, les gens attendent fort la série là. Ils attendent ça fort, qu'est-ce que tu racontes? La série, les gens l'attendent tant. Les gens, ils l'attendent fort, la série. Qu'est-ce que tu racontes? Les gens l'attendent fort. Si ça bide, chouinez pas. Non, mais on verra si ça bide ou pas. Si ça bide, c'est parce que c'est claqué. Ça, on va voir. Ah, si. On verra, mais les gens l'attendent. Sinon, moi, c'était tout pour le mot de la fin. C'était juste pour faire sur la vraie parole. Il n'y a pas de souci, merci Davido. Tu reviens quand tu veux. Allez, parle sage. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Merci, salut, salut. J'ai envie de dire. Allez, prends soin de toi. Et bien vu KMP merci. Pour les deux balles qui dit Davido, le Booba du Kikou Show. Donc, pour finir, nous, bah, par rapport au sondage, Seigneur des Anneaux, machin là, Star Wars a gagné 6-0. Et par rapport au vote des intervenants, il y en a 13 pour Star Wars et 7 pour Le Seigneur des Anneaux. Donc ça a aussi gagné Star Wars. Après, pour conclure, parce qu'on peut rajouter un petit truc, moi, je tiens à dire que les gens, honnêtement, vous avez été de mauvaise foi de ouf dans les sondages. Je pense que la réalité reflète plus facilement ce que les gens ont dit en venant sur Zoom, c'est-à-dire le 13-7. Parce que j'aurais pu comprendre qu'il y a un 4-2. Pour moi, il y aurait dû avoir 3-3. Mais j'aurais pu comprendre qu'il y a un 4-2 dans les sondages. Mais un 6-0. Quelle indignité. Donc voilà. Donc voilà, nous voilà. 7, ça fait quoi? Il y a 20 personnes qui sont venues, c'est ça? 13-7, ouais, 20 personnes. 20 personnes. C'est ça. Mais combien en pourcentage, ça, si on le fait? Comment ça, en pourcentage? Sur 20 personnes, hein? Sur 20 personnes en pourcentage? Ouais, si on fait un pourcentage sur 20 personnes, 13 tac. Était pour truc. Bah, 13, c'est quasiment 14. Donc, ça fait presque. 76% par là. 78 même, je dis pas de la merde. 76-70% dans les 70% à peu près. Ouais, je pense, hein, de 70, on va dire. Hein, comme ça, de tête. 75, il y en a, ils disent. À peu près, donc, ils sont pour Star Wars. Bon, ça reflète un peu ce qu'il y avait dans les sondages. Hein. En tout cas, dans les sondages individuels. Oui, mais non, parce que là, c'est des votes sur tous les points. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas noté point par point ce que les gens ont dit. Ça représente pas. Ça représente la vie. Ça représente la vie générale. Les gens auraient dû... Tu vois. Mais après, pour moi, c'est logique. Parce que Star Wars, en fait, c'est un truc qui est trop... qui est beaucoup plus... Mais beaucoup... Tu sais, Star Wars, Seigneur des Anneaux, c'est des trucs qui sont vus comme des trucs de bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Contrairement à Harry Potter, je dis, oh, c'est pour les petits ou c'est pour les meufs, je sais pas quoi. Et les trucs de bonhomme, c'est les vieux un peu comme les trucs où ouais, c'est badass, c'est viril, nanani. Et là-dessus, Star Wars le bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur ces points-là. Oh, donc, c'est parce que les gens, ils sont... s'intéresser.
Ouais, excuse-moi, mais avant de s'intéresser à des points de scénario ou des points d'univers de crédibilité, les gens s'intéressent à ça. Et c'est pour ça qu'Harry Potter s'est fait bouffer par Seigneur des Anneaux la dernière fois. Et surtout au niveau du scénario, je sais vraiment pas Carda. Pour le scénario, même si sur d'autres points, je dis, elle est ok. Mais... Non, non, c'est vrai, parce c'est que vrai. Parce que les gens voilà, ils veulent avant tout que ça touche leur sensibilité primaire. Ils vont pas chercher la profondeur. Ça m'étonne pas que ce soit fait bouffer. C'est zéro, même si, comme tu as dit, pour l'univers au moins. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et d'après Fab et La Wolf Connor, merci d'ailleurs, c'est 66% apparemment. 66%, okay. C'est ça. Mais après, comme tu l'as dit, oui, hein, c'est le flow qui a fait que, bah, ça se voyait quand j'essayais de. C'est pour ça que je commençais toujours par Star Wars, pour que les gens ils se rendent compte des problèmes qu'il y a dans Star Wars, mais les gens étaient en mode, et alors, Anakin il est stylé, fais pas chier. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, au bout d'un moment, tu peux pas le truc, tu vois. T'es cuit. Dès le début, t'es cuit. Et le sabre rouge. Ouais, il a un sabre rouge. Dès le début, t'es cuit. Il a un sabre violet. À partir de là, t'es cuit. Exactement. Donc, bon, les gens, nous, on se dit rendez-vous dimanche. Dimanche Je sais plus quelle heure. 18h, hein. Ouais, 18h. Allez. 18h, ouais, 18h, pour parler du début de Dragon Ball. On rappelle, c'est du début du manga jusqu'à la fin de l'arc du ruban rouge. Pour ceux qui se demandent, ruban rouge, c'est quoi ça? Dragon Ball, ça ne commence pas à l'arc des Saiyans, faites pas chier. Exactement. Donc ça va bien se passer. Les fraudes qu'ils ont sauté le début, on vous voit. Exactement. Donc rendez-vous dimanche pour ça. Et puis on vous dit, passez une bonne soirée. On like, on partage, on s'abonne. Bye bye.